Et euh, entre autres choses, il y avait euh, des streams, qui, toute une série de streams qui s'appelait Picket Stream et qui accompagnait les grèves pour filer du blé aux grévistes pour leur gars. Voilà. J'ai participé euh, une seule fois parce que là, j'étais très peu disponible et c'est bien dommage. Mais il euh, y a eu plein plein de gens qui participaient à cette jolie chose. Tous les jours, il y avait des dizaines de streamers et streameuses qui participaient à ça. et... Euh, et moi, j'avais fait un petit live sur euh, la villa Schifanoia, à partir d'un texte magnifique de Warburg, qui met vraiment en lumière toute la singularité de cette pensée, son opiniâtreté aussi à, à s'intéresser à des choses que les gens euh, à son époque négligeaient. Bon, il faut dire qu'il y avait tout à inventer en matière d'histoire de l'art à, la, à la période où Abi Warburg écrit ses textes et où il va fonder. Euh, la Kulturwissenschaft euh, Bibliothek, donc cette fameuse bibliothèque hallucinante de documents dont on vous a déjà parlé, là. le grand projet, une limousine. Hein. Et euh, ce live donc euh, avait été écourté tout simplement parce que nous avions chacun et chacune ben, un temps limité hein, pour, euh, pour faire le stream. Voilà. Donc j'ai fait ça en deux heures. Et c'était assez dommage de, euh, de voir couper au bout de deux heures un texte qui est passionnant. Et d'autant évidemment, parmi les choses que j'avais fournies, enfin que j'avais préparé il y avait une, une copieuse iconographie. Et que j'aimerais bien qu'on voit tout ça ensemble, cette iconographie. Donc on va essayer de, de faire réparation de, de tout ça et de regarder quelques bouquins ensemble. Alors ça, ça n'a rien à voir. J'ai récupéré... Une réédition de l'Ambition de Werner que je n'avais plus et j'en suis bien content. Donc euh, là, il va s'agir ce soir de lire l'intégralité du texte d'Abi Warburg qui est publié dans ce livre, Les Essais Florentins. Et c'est de finir la lecture ensemble. Donc je vais devoir rebooter, repartir à zéro. C'est moyennement amusant, mais bon, c'est comme ça. C'est pas très très grave. Il euh, y a des choses euh, probablement que j'ai oubliées auxquelles j'avais dû penser ce soir-là et auxquelles je ne penserai sans doute pas ce soir. Mmh. Il pas forcément besoin de ça, savoir ailleurs. Après tout, euh, c'est aussi bien comme ça. Donc euh, l'idée, ça va être de finir ce travail. Donc je ne vais pas vous faire l'article hein, sur qui est à Bivarbo parce que je vous en parle assez souvent. Et euh, parmi les choses vraiment euh, utiles pour savoir qui est à Barbourg, évidemment, il y a le fait de le lire. Donc ça va être plus intéressant, évidemment, de lire Barbourg que de raconter sa vie, aussi passionnante soit-elle, et Dieu sait si elle l'est. Euh, par ailleurs, cette question, la question biographique, vous intéresse quand même un petit peu, sachez que sur la chaîne de l'Entortillé, euh, qui a podcasté ça sur euh, sa chaîne YouTube Insomnie, s'est déroulé euh, un live euh, consacré, euh, consacré au séjour de Abby Warburg euh, à l'hôpital psychiatrique et à sa sortie de l'hôpital psychiatrique par une conférence. Euh, sa conférence sur la cérémonie du serpent. Donc tout ça, ça peut se trouver sur la chaîne de, de l'insomnie de l'entortiller, donc ce sera très très bien, c'est pas la peine que je vous en cause ce soir, si vraiment vous voulez en savoir plus et si elle mieux. Salut Jostina Ah, je mouche un petit peu, parce qu'évidemment, les premières rues sont déjà là. Alors de quoi on va parler Ce court texte euh, qui s'intitule Art italien et astrologie internationale au Palazzo di schifanoia e à Ferrara. Alors... Euh, pour la prononciation, je ferai ce que je peux. Je me suis fait engueuler par euh, un, un vieux copain italien parce que régulièrement sur les noms propres, je me vautre. Euh, il faut dire aussi que des fois, il y a des petites fourberies dans les noms propres. Et bon Par exemple, l'accent tonique est normalement sur l'avant-dernière syllabe, mais il se trouve qu'il y a des villes perfides comme Bergamo où c'est sur la première. Donc forcément, je me prends les pieds dans ma langue. Et ça irrite ses petites oreilles. Donc, si tu nous écoutes encore ce soir à Latina, excuse-moi d'avance pour mon abominable prononciation des noms propres italiens. Et pour le reste, ben, je vais faire ce que je peux. Donc, ce texte est publié par Warburg à. Je n'ai pas la date de sortie du texte. J'avais ça la dernière fois, puisque j'avais fait travaillé de façon un peu scolaire pour présenter le truc sur Picket Stream, en donnant à la fois un petit descriptif de la vie de Bar Barbourg et euh, le moment d'écriture de ce texte, à quel endroit il se situe de, de sa carrière. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais on va dire que c'est des choses que vous pouvez trouver sans moi. Ce n'est pas forcément très intéressant. De quoi parle ce texte ce texte, oui c'est plutôt dans la langue des autres, c'est vrai. Salut à toi, FreeBuilding. Euh, ce texte génial euh, ouvre à... comment dire Warburg, vous le savez sans doute, est euh, le créateur d'une discipline à part entière, hein, l'iconologie, qui a pour particularité d'aborder la question des images par des biais qui ne sont pas du tout coutumiers à, à l'approche la, de la, la fin du 19e siècle cette approche est déjà une approche finalement anthropologique parce que euh, il s'intéresse à toutes les conditions de création toutes les conditions de production et de circulation des images et il s'intéresse aussi à la complexité du sens non plus comme une iconographie c'est-à-dire une espèce de brévière des formes qui aurait un sens euh, fixe symbolique analogique comme vous voulez hein. mais comme une série d'opérateurs des opérateurs implicites qui sont ceux que les parties d'un tableau, les dire, plutôt les courants et les figures, les courants souterrains de l'organisation, la structure et les figures entre elles produisent comme sens, et aussi un sens euh, social, c'est-à-dire euh, toutes les conditions euh, matérielles et humaines qui ont une, un effet non négligeable. Sur la production de ces images. Donc, les relations humaines qui se tissent, par exemple, entre, entre la cour de Florence et les peintres florentins, entre Laurent de Médicis et puis tout cet univers intellectuel et pictural du XVe euh, siècle. Toutes ces choses-là, Barbeau s'y intéresse en euh, enquêteur, euh, historien, euh, proto-anthropologue. Et c'est euh, assez génial. Tu es mal accueilli, euh, Flibiding, dis-moi. J'espère Je, que non. J'espère que tu n'es pas mal accueilli. Et euh, du coup, ici, il approche euh, une peinture, euh, un mouvement de peinture et une réalisation de ce mouvement. En gros, il approche euh, la série des fresques qui, euh, qui décorent qui, euh, qui, qui décore les, les, les murs du Palazzo Schifanoia à Ferrara. À Ferrara. Euh, il les observe en allant questionner au plus loin qu'il peut le faire avec la documentation dont il dispose et avec son sa sagacité questionner le sens de ces constructions pas pour euh, le, le déjouer comme un jeu de piste et pour dire ah bah voilà on, là on, on a résolu le problème non mais pour comprendre mieux comment naissent les images quitte à abdiquer euh, certaines hiérarchies et notamment en l'occurrence L'idée qu'on se fait de la Renaissance du XVe siècle, donc cette espèce de monstre historique qui, euh, bah, qui a occupé quasiment, euh, enfin qui a été là. Là, hein. ah, on est bien accueilli. Excuse-moi, Je suis content que tu te sentes bien accueilli. Quitte à abdiquer certaines des hiérarchies qui à cette époque caractérisaient le regard qu'on portait sur la Renaissance italienne. Une certaine intelligence de la pensée humaniste, des ressources antiques euh, euh, sans cesse euh, abordées, interrogées, exploitées et rêvées, fantasmées aussi par les, les, les artistes et les intellectuels du XVe siècle, tout un univers mental et poétique et philosophique qu'on plaçait euh, fantasmatiquement dans une espèce de hauteur euh, complète. Quoi. bon Après, euh, on reviendra beaucoup. Euh, sur euh, cette Renaissance, cette, qui, qui, dont on acceptait finalement la typologie telle qu'elle était euh, établie par euh, Vasari, finalement, hein, à savoir qu'elle nous débarrassait de, de la, la pénombre du Moyen-Âge. Euh, tout ça, évidemment, a été euh, mis en pièce par l'anthropologie historique depuis longtemps, puis avant l'anthropologie historique, par d'autres mouvements historiques et d'autres approches d'histoire de l'art, et euh, beaucoup d'images euh, sont tombées. Hein, on, là, la chasse aux sorcières qu'on euh, plaçait euh, au Moyen Âge euh, s'est révélée être une activité plus, beaucoup plus tardive. Euh, les, la brutalité guerrière et euh, l'inquisition qu'on euh, plaçait aussi au Moyen Âge euh, se sont révélées être plutôt des activités tardives. Et on a pu remarquer que la Renaissance, qui avait pu être une période de production intense de très grandes et belles choses, était aussi une période d'une immense brutalité et d'une noirceur euh, terrifiante. Euh, si on, vous vous en souvenez, on a lu ensemble un petit peu euh, Burkhard. Et euh, Burckhardt, par exemple, a extrêmement bien analysé la, la vie intestine politique euh, de l'Italie euh, de la Renaissance et la violence incroyable qui déchirait les grandes cités-États entre elles. Et le pas de quartier et les coups bas. Euh, était aussi bien fréquent entre ces cités qu'à l'intérieur de ces cités pour s'en disputer le pouvoir. Et parmi les choses que Warburg donc va changer, c'est la hiérarchie des formes de la connaissance. C'est-à-dire qu'il il va injecter dans la pensée des intellectuels du XVe siècle, ceux qui y voient et qu'on escamotait volontiers quand on regardait salut samoussa quand on regardait les travaux de la Renaissance, ben des euh, des sciences qu'on aurait considérées comme trop méprisables pour être appréciées des hommes de la Renaissance et notamment l'astrologie or l'astrologie est très présente dans euh, la construction euh, la construction intellectuelle et dans les systèmes de référence des euh, créateurs de la Renaissance. C'est ça que Aby Warburg va mettre en lumière, c'est cet aspect-là par ailleurs qu'il va clairement rendre à la fois sensible et intelligible par la façon dont il va regarder et interroger les fresques sublimes du Palazzo Schifanoia. Alors, je vous ai ramené le plus que je pouvais de documentation sur le Palazzo Schifanoia. Plein d'images. Il faudra pas trop râler si elles sont de mauvaise qualité, parce que pour des raisons qui m'échappent, la documentation trouvable en ligne est très médiocre. Donc beaucoup des documents que je vais vous montrer sont assez moches. Je vous ai ramené le plus beau que je pouvais trouver. J'ai tenté de documenter chacune des étapes de ce texte, pour qu'on puisse se plonger vraiment dans les détails de son matériel. Euh, prospective spéculative, toute tout, euh, l'iconographie dont il dispose. Et pour euh, le palazzo, euh, donc, on... je viens simplement de remettre la main sur un truc que j'avais ramené il y a quelques années de Ferrara et que je croyais avoir perdu. Voilà, bah, du coup, il ne va pas pouvoir nous aider. Je l'ai retrouvé euh, juste un quart d'heure avant. Si j'avais su que je l'avais encore sous une pile, bah, j'aurais scanné tout ça. Mais on va devoir se dépatouiller sans. Ce n'est pas très très grave. On va faire avec ce que j'ai, et puis, faute de mieux, des fois, on, bah, on, on va décrire les choses que l'on ne peut pas voir selon la bonne vieille technique, la bonne vieille méthode de Mais de Il bon, faut savoir aussi qu'il y a des, euh, des historiens comme du, euh, du 19e siècle qui ont également euh, redessiné un peu les fresques pour les rendre plus lisibles donc euh, j'ai chopé quelques-unes des euh, quelques-uns des reports, ça se faisait beaucoup au 19 e siècle, hein. des reports euh, de fresques donc euh, c'est à ce moment-là qu'on hein, connaît à proprement parler cette forme-là de conservation et la pensée du patrimoine, le 19 e en France c'est euh, sous l'autorité assez géniale de, de Mérimée et partout ailleurs en Europe c'est une contamination de cette façon de faire de s'intéresser à son patrimoine et son passé Et les intellectuels, les historiens d'art, des gens comme Cavalcassel ou d'autres, dont on vous a déjà parlé quand on évoquait le dessin de l'historien avec Gladys, là ces gens vont aller prendre des repères un peu partout, vont, faire, vont prendre mémoire de choses qui menacent à chaque fois de disparaître, de s'effondrer, notamment les fresques. Et donc, on a souvent des documents qui sont des gravures, des dessins, des aquarelles, euh, qui rendent compte de fresques et de bâtiments qui ont disparu. Ben là, parmi les choses qui vont rendre compte un petit peu de, du palais euh, Schiffanoia, enfin des fresques de comment de, Ercole, de Roberti euh, et de ses potes, quoi euh, eh bien, il y a un certain Mazzolani, qui est un historien italien euh, du 19e, qui a fait pas mal de dessins, euh, 19e, 20e, qui a fait pas mal de dessins des, euh, des différents panneaux qui restent debout. De ces fresques-là. Alors, il y en avait beaucoup au début. En fait, comme ce salon qu'on va aller voir s'appelle Salon des dans le salon des mois, vous pouvez imaginer qu'il y avait au minimum une travée par, euh, par mois de l'année. Donc, c'est une espèce de. C'est un cycle de fresques assez savant, assez complexe, euh, qui se trouve dans le Salone dei Medi, au Palazzo Schifanoia. Et euh, chacune d'entre elles est composée sur euh, trois registres. Alors, bon, vous, vous vous souvenez, on a déjà parlé de ce vocabulaire qui est emprunté à, à l'architecture. La travée, c'est l'unité de lecture verticale. Et le registre, c'est l'unité horizontale, l'étage si vous voulez. Et beaucoup de travées ont morflé, n'ont pas, pas survécu au, au passage du temps. Ce qui fait que nous ne disposons euh, en guise de, de travaux à observer que de la fresque de mars, avril, un petit bout de, de mai, puisqu'une porte a été euh, découpée dedans à un certain moment, et donc euh, elle a été débichotée sur le registre inférieur, euh, juin. Un peu de juillet mais la registre inférieur a aussi pas mal pris cher août et septembre donc voilà on n'a pas octobre novembre décembre et puis on n'a pas janvier février il manque quand même quelques petits trucs on va se dépatouiller avec ce qu'on a mmh. docteur wack donc c'est quoi ce Palazzo Schifanoia Alors il faut savoir où on est un petit peu. On est à Ferrara, Ferrara en italien, et cette ville, ben on pourra la visiter à la fin du stream si on n'est pas trop fatigué. Euh, je vous ai amené des centaines de photos euh, de Ferrara, donc de, de l'intérieur de la ville, euh, des principaux bâtiments. On peut se faire une balade rapide à la fin du live si vous n'êtes pas crevé, comme ça. On verra un petit peu à quoi ressemble cette ville sublime, qui est euh, quasiment intégralement... Euh, Piétonne, même si la photo euh, qui nous accueille euh, là euh, sur. Euh, Qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs Sur le Fast voilà, <laughs> présente une voiture à droite, mais en fait j'imagine que c'est celle, que c'est un truc pour un dépôt ou un particulier euh, du quartier qui doit livrer quelque chose dans le coin, puisque la ville est piétonne, on y circule essentiellement en bicyclette. C'est une ville extrêmement paisible et belle, plutôt très bien conservée pour sa partie renaissante, avec un nombre considérable de choses à voir. Il n'y a pas que le Palazzo Schifanoia, il y a énormément de choses à voir à Ferrara. Nous, on va se concentrer là-dessus. Donc c'est un palais de la Renaissance, euh, du XVe siècle en fait. Il est dans le centre de Ferrara, en plein centre. Alors euh, Ferrara, on a déjà vu sur une carte où c'était. C'est dans le nord de l'Italie. C'est en... Bon, C'est en Émilie-Romagne. Et euh, ce palais a été construit par la famille d'Est. Enfin, plutôt euh, pour la famille d'Est. Vous imaginez bien que la famille d'Est n'a pas prend les grandes Cette famille est cruciale dans l'histoire de, de cette ville. Euh, elle lui a donné euh, sa position, j'allais dire, de force, oui et non. Ferrara est une de ces villes qui souffrira tout le temps d'être une espèce de ville secondaire, un peu comme Sienne par rapport à Florence malgré tous les efforts de la famille d'est pour essayer d'aller dragouiller tel ou tel pouvoir, dans l'espoir de pouvoir rentrer au rang des plus grandes villes, des, plus, des, des grandes puissances italiennes, mais ça n'est jamais arrivé. ça a toujours été une, une ville importante, mais considérée quand même comme de second ordre. De second ordre pardon. Le, la construction générale des fresques, vous allez le voir, donc elle est sur trois registres, donc trois étages, si vous voulez, de façon extrêmement régulière. Et la construction, vous allez le voir, dans la partie supérieure, c'est un char triomphal, un triomphe d'une divinité associée à un, un mois, euh, avec des euh, occupations euh, autour hein, censées représenter euh, telle ou telle euh, saison. Par exemple, euh, je vois euh, ici euh, dans le guide que septembre hein, est le mois des activités agricoles. Donc c'est le mois des activités agricoles, votatoire arti mécaniques et qui est voué aux arts mécaniques. Donc on va voir ces choses, les arts mécaniques et les activités agricoles représentées dans la fresque euh, de septembre. Donc, à chaque fois, bon, vous avez cette partie supérieure avec un triomphe. Donc, le triomphe, l'image du triomphe, c'est un, un fantasme euh, du triomphe à la romaine qui habite beaucoup l'imagerie de la Renaissance du nord de l'Italie, notamment. Euh, est Borgodeste lui-même, par exemple, va mettre en scène euh, des triomphes de façon euh, apparemment un, un, peu, un peu ridicule. Quand il va être. Euh, je crois qu'il est. Euh, Comment il euh... il euh, va recevoir un titre, euh, le titre de duc de Ferrare, euh, du pape qui à l'époque doit être euh, Paul II et. Euh... Donc, à la période où il va créer ce, ce salon, enfin demander la création du salon à l'intérieur de Balzowski et il va aussi organiser des vrais traillons physiques, donc c'est pas simplement un truc qu'il va faire euh, représenter avec euh, des, comment, des défilés à l'intérieur de la ville de Ferrar et des gens euh, déguisés des, en costume euh, avec des ailes dans le dos. Enfin, tout ça euh, est un petit peu grotesque. Borso d'Est a euh, la réputation d'être. Être un, un suzerain assez vaniteux, même si il a été très important dans la vie de cette ville et dans la place qu'elle a prise. Il commande donc à euh, un architecte qui s'appelle Pietro Benvenuto degli Ordini un petit palais, donc c'est ce palazzo Schifanoia. Et Schifanoia, on suppose que ça viendrait de Schivar la Noia ce qui va échapper, la noia à l'ennui. Donc ce serait le palais où il ira échapper à l'ennui. Effectivement, ça va être la création dont il sera le, le plus heureux. Euh, et c'est l'endroit où il se retranchera euh, volontiers. Le cycle des fresques a, et ça s'est mis en évidence par Warburg, c'est grâce à Warburg hein, qu'on sait autant de choses sur, euh, sur cet endroit sur le sens de ces fresques. Le cycle va être confié, enfin le programme de ce cycle euh, aura pour directeur de travaux un astrologue, euh, qui est aussi le de, bibliothécaire pardon, de, de, la, de la Cour des Estes. C'est hein. est Pellegrino Priccini. Et on va demander à ce moment-là aux peintres les plus importants de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école Ferrarese, l'école de ferrare, Ferrar, qui est une école picturale extrêmement curieuse. Je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples. Vraiment à part, hein. euh, qui sont euh, retenez les noms que vous pouvez. Les principaux sont euh, Francesco del Cossa dans ce palais, Cosmetura qui est pour moi le plus chouette de tous les peintres de, de cette école, qui est peut-être pas. Présent dans ce cycle de fraises. L'attribution est un peu compliquée. Longtemps, il y a des bolets, enfin, il y a des travées qu'on a associées au nom de Cosmetura, mais on est revenu sur cette attribution dans le temps. Et sinon, il y a Baldassare d'Est et Ercole de Roberti. Donc, Baldassare d'Est, Ercole de Roberti, Francesco del Cosa et Cosmetura pour vous la faire un peu à la française. Donc, n'arrêtez pas de faire des calembours. Je ne peux pas vous les relever tous parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais je vous lis. Hmm. Alors, Dany Mère, est-ce que Abby est le frère de Perle Je crois qu'avec Warburg, on l'a fait peu souvent. C'est la première fois que je l'entends, alors qu'en fait, maintenant que, que tu me le dis, elle me saute à l'esprit comme une sorte d'évidence. Bon, ça, c'est un, une salutation générale pour tout au Calembourg, parce que vous faites beaucoup d'efforts ce soir. <laughs> Salut, Gleimaus. Euh, donc, essayez de retenir un peu ces noms. C'est une renaissance qui ne ressemble pas vraiment à une autre. Il y a même un bouquin complet qui a été consacré à cette euh, école. Ce bouquin est assez extraordinaire. Il vous plonge dans cette Renaissance-là. C'est un livre qui s'appelle Une Renaissance singulière. C'est un gros livre. Hein. La Cour des Estes à Ferrare, c'est son sous-titre. Et par le menu, il, dé, il permet de découvrir toute la singularité de cette école. Alors, c'est une école très expressive, assez savante. Il y a. Euh, un goût euh, pour l'antiquité qui se développe beaucoup hein, dans le nord de l'Italie qui est très présent dans l'art de de Mantegna, comme donc Mantegna qui sera plutôt actif hein, autour de de Mantoue, Mantova, de Padoue et de Venise, mais euh, ça touche énormément aussi l'école de Ferrare. J'essaie de trouver quelques belles petites choses. Ça touche l'école de Ferrare comme ça touche finalement toute l'Italie. Il faut savoir qu'à cette époque le Là, vous avez justement un cosmetoura mais je vous montrerai en vignette. Je vous en montrerai un autre qui est tout à fait génial. Regardez-moi ça. On jettera un petit œil à ce caractère antiquisant euh, de l'art la... italien du XVe. Il est né pas seulement de l'appétit. Des, euh, des Italiens pour la, la pensée grecque, qui s'est énormément développée depuis qu'on a redécouvert euh, quelques siècles auparavant, deux, deux, trois siècles auparavant, les, les textes et la pensée d'Aristote après les invasions arabes, grâce notamment à celle-ci, mais également par les effets même de cette espèce de, de goût pour euh, l'antiquité qui ont conduit à un rapport archéologique à, à l'histoire. Et de grandes découvertes ont été faites à ce moment-là. Donc, c'est au XVe siècle hein, qu'on découvre euh, des choses comme le Domus Aurea. Euh, c'est donc des choses qui vont beaucoup compter. As la villa de Néron euh, qui était enfouie jusque-là. Et ces choses-là, euh, ces découvertes archéologiques vont contaminer tout l'art italien. On va voir fleurir euh, toutes sortes de, de motifs ornementaux, notamment sur les pilastres, sur les façades, dans le, les marbres sculptés, mais aussi sur les tableaux qui font référence directement à ce que l'on va observer de l'art romain et de son art de l'ornementation. Et euh, tout est bon chez des peintres comme Cima da Conegliano, comme Mantegna, pour citer l'antique, pour le faire apparaître d'une manière ou d'une autre dans la peinture. Vous en connaissez d'autres exemples dans la peinture qui vous est peut-être plus familière, comme celle de Florence, mais je vous montrerai tout à l'heure, euh, par exemple, un exemple de, de pensée antiquisante euh, qui vous est familière au moins par le nom de l'artiste, de moins si vous n'êtes pas penché dans les détails c'est évidemment celle des florentins et de botticelli ou de pollaiolo par exemple donc on regardera ça un petit peu ensemble donc gardez en tête juste ça une école vraiment très singulière une approche euh, qui ne ressemble enfin, pas à rien enfin il y a euh, si vous voulez dans cette espèce de rugosité expressive euh, cette force des, des figures un peu monumentales et euh, et le, les traits volontairement marqués, de façon très volumétrique, il y a, on peut trouver ça chez Vivarini aussi, à Venise. Pas, il y a des points communs avec d'autres trucs qui se passent dans la peinture du Nord, mais vous ne trouverez pas du tout cette espèce de suavité et de douceur à laquelle vous êtes habitué, si vous êtes familier par la Toscane de la Renaissance italienne. Alors... Est-ce que vous dites autre chose que des calembours Faut savoir s'il y a des questions ou des choses comme ça. Calembour, 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 calembour. Ah oui, vous n'arrêtez pas en fait. D'accord. <laughs> Bien. D'accord, je vois sur quoi c'est parti. Ça va être compliqué d'attendre de vous autre chose que des calembours. Mais ça n'est pas grave. Euh... Qu'est-ce que je disais Oui, j'ai été sur ce... Palazzo et Schifanoia et ses conditions de réalisation euh, historiques. Donc chacun des... chacune des travées est séparée par un pilastre corinthien. Alors, si vous ne voyez pas ce que c'est, un pilastre c'est un... une sorte de colonne, mais euh, de section angulaire, rectangulaire, euh, généralement engagés ce qui veut dire encastrés dans le mur et euh, donc ce ne sont pas, ça ne sont pas des colonnes vous voyez, de type circulaire pas du tout euh, et c'est souvent plutôt des, des objets ou plutôt c'est oui de décoration ils peuvent avoir hein, des vertus de soutien mais c'est pas l'atout qu'on attend d'eux mais vraiment l'organisation de l'espace salut à toi pierre et ceux-ci sont de Corinthiens, c'est-à-dire qu'ils empruntent à un des ordres stylistiques qu'on va tirer à cette époque-là de ce que l'on imagine être le, les canons de l'art antique, et qui vont surtout se remarquer dans la partie supérieure qu'on appelle le chapiteau, et notamment cette partie supérieure qu'on appelle dans le chapiteau la corbeille, qui est la partie décorée. Vous voyez, donc dans, dans, dans un chapitre corinthien, vous avez des, des jeux de feuilles d'acanthe. sont des, des, des plantes de enfin, dont on a utilisé euh, les feuilles comme motifs décoratif tout au long de l'histoire, depuis euh, l'art classique jusqu'à jusqu'au XIXe siècle en fait. Et euh, ça ajoute sur la partie euh, supérieure des petites saillies en toutes petites volutes. Voilà donc. Les travées, donc chacun des espaces verticaux, vont être séparés. Euh, comme ça, l'espace va être sanctionné de, de cette façon, par euh, des pilastres. Donc, colonne engagée de section angulaire, corinthien. Hum. Qu'est-ce que je peux encore vous dire de plus euh, Oui, je vous avais dit que l'origine supérieure était occupée par une forme triomphale, donc par un triomphe, hein, dans, dans l'idée qu'on s'en fait du triomphe romain l'image des triomphes de César ce genre de choses quoi et elles sont nourries par un programme astrologique extrêmement complexe et un programme saisonnier qui vont représenter aussi les divertissements de la cour des Estes les actions de la cour des actes à la gloire du euh, comment du travail euh, supposé du souverain euh, du suzerain euh, borso d'est et c'est de son gouvernement dont il est question Donc dans la partie a inférieure on, on voit des scènes comme ça de la ville des, des alentours de la ville qui sont censés présenter des moments importants de euh, l'histoire du parcours de la de la famille d'est et de son action à Ferrare D'accord. Et la partie médiane à chaque fois, vous allez voir, la partie centrale sera sur un fond beaucoup plus sombre, ce qui va permettre euh, esthétiquement une grande force, une grande vigueur et euh, comment euh, plastiquement, ça, il y a une organisation de l'espace qui se fait comme ça euh, de façon beaucoup plus marquée et lisible, grâce à cette espèce de soustraction de la, de la partie médiane dans une un, un au-delà de la peinture ou, ou un à côté de la peinture, où on va plutôt voir des parties zodiacales avec des figures allégoriques qui correspondent au décan, selon la tradition astrologique. Mais ça, on va en parler avec Warburg, puisque ce n'est pas du tout quelque chose dont je sais grand-chose. L'astrologie, vous doutez bien que. Comme discipline, je m'en fous complètement, mais euh, la force symbolique qu'elle a exercée sur l'imagination des artistes de la Renaissance, en revanche, on m'intéresse au plus haut point, comme euh, Warburg par exemple, a pu s'y intéresser. Dans le registre inférieur, de façon systématique, vous allez retrouver le duc, hein, il est présent dans toutes les scènes. Et euh, il peut être soit en train de chasser, soit en train d'assister à une course, soit il est montré en rendant la justice, soit euh, il est montré euh, avec son bouffon. Euh. Bref, voilà donc pour les conditions de création de ce palais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le Palazzo Schifanoia? C'est un salon de réception, hein. c'est le rôle de la création de ce salon, c'est d'accueillir, euh, si possible, en les impressionnant, évidemment, tous les, euh, les autres puissants, quand ils, ils arrivent à faire ou euh, de montrer euh, la grandeur de cette ville et de son gouvernement, par euh, la beauté euh, qu'elle est capable de mettre en scène hein, avec les plus grands artistes de son temps. Donc, à ma connaissance, les artistes de l'environnement de Borso d'Este, euh, les petits génies que sont Ercole de Roberti, Francesco del Cosa, euh, Cosmetura, ne euh, vont pas beaucoup travailler ailleurs. Moi, ai, je les ai pas, je n'ai pas suivi la, la, la carrière de chacun d'entre eux dans les détails, hein, mais a priori, ils vont travailler pour leur ville et c'est tout. Ce qui n'est pas aussi fréquent. Enfin, euh, les artistes à cette époque en voyagent beaucoup. Ils sont missionnés euh, euh, un peu partout dans, dans l'Italie, voire dans d'autres pays d'Europe, pour aller y travailler. Ce n'est pas si fréquent, euh, cette stabilité à l'intérieur d'une cité, pour travailler simplement pour un pouvoir et pas d'autre. Voilà. Donc, ce qu'on va lire, c'est ça. Et on va regarder un petit peu ce, ce palais. Et puis pas à pas, on va essayer de, de comprendre un peu ce qui se passe là. Voilà. Alors, ça, c'est la façade du palais. Comme vous voyez, bah, si vous vouliez savoir ce que c'était que des pilastres, là, ouais, ce sont des pilastres de soutien pour le coup, qui soutiennent euh, la, la voûte qui est là, la voûte en plein cintre. Euh, vous voyez ici à quoi ressemble le montage corinthien. Vous voyez ces espèces de petites feuilles qui sont. Euh, qui sont les fameuses feuilles d'acanthe. Vous voyez ici les petites escarboucles qui font saillie, dont je vous parlais tout à l'heure, qui caractérisent cet ordre. Et euh, vous voyez sur les pilastres des bas-reliefs qui sont assez caractéristiques du, du côté antiquisant de cette période, notamment par les, toutes les choses qu'on a découvertes sur les, les peintures romaines. Euh, tout ce jeu de trophées, euh, de, de montages comme ça, de corbeilles, de fruits. Euh, qui vont être très présents à ce moment-là. C'est une pièce de réception. J'ai pas d'image, mais si, si. T'inquiète pas. On va voir tout ça, Louisa. On va voir tout ça dans les détails, évidemment. Hmm. Alors, euh, les pierres ponces, les pilastres, très, très drôle. Bon, tu il met aussi. Alors, je pense qu'on est foutu. Alors, euh, on va peut-être aller Directement à l'intérieur, voilà quoi, ça ressemble. Donc vous l'avez compris, il y a pas mal de travées qui sont abîmées. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à la construction. Le... Il y a une partie des fresques qui est indemne, mais là déjà, on voit celle-ci qui est euh, très endommagée. C'est celle de mai qui a souffert. Vous voyez ici que sur le, la partie droite, en rentrant, ben, il reste quasiment rien des autres. Donc il nous manque quand même pas mal de matériel. Les, il y a les parties les plus euh, en meilleur état. sont celles de mars, d'avril qu'on ira voir dans les détails tout à l'heure, notamment en suivant le texte de Warburg, parce qu'on retournera là régulièrement pour euh, retourner à Warburg et à, à ce dont il nous parlait, parce que lui va détailler un peu à la lecture de ses... de ses travées et va nous les sillonner par le regard et par les textes, par tout ce qu'il va apprendre pour en lire quelque chose. Bon, Vous notez qu'elles sont d'une immense complexité. Ce qui veut dire que si réellement on veut s'y plonger, euh, on a un travail de titan, parce que euh, ça fourmille de détails. Alors que vous avez une complexité d'ordre général, c'est-à-dire un nombre d'éléments euh, assez considérable, mais vous avez aussi une complexité qu'on pourrait dire euh, littéraire, intellectuelle, c'est-à-dire que le goût pour euh, l'allégorie, le, le goût pour le symbole, ils sont deux niveaux différents de rapport au champ métaphorique, Pose des problèmes complexes, des ruditions, qui ne sont pas toujours faciles à dénouer. Et c est, c est, cette série de travaux avait longtemps maintenu les, les observateurs dans une espèce d'expectative. Il était très difficile de voir exactement de quoi il était question. A fortiori, le caractère intensément astrologique était en quelque sorte écarté. Plutôt parce que, comme je vous l'ai dit, ça ne semblait pas digne de ce que l'on pensait être la pensée euh, de la Renaissance du XVe siècle. Donc, ces points de vue, évidemment, beaucoup ont changé, notamment après le, le passage de Warburg. Certains détails sont encore en très bon état. Là, vous voyez mieux le dialogue de cette peinture avec, euh, d'une part, je ne sais pas si on a regardé ensemble, mais je crois, les, les constructions savantes monumentales avec des points de vue assez bas de Piano della Francesca, qu'on a regardé, je ne sais plus pour quelle pièce. C'est peut-être chez Burkhardt. Bon, comme je ne fais pas le live cet ancien avec vous, je ne sais plus trop. Et euh, on voit aussi euh, l'écho, peut-être en. Moins savant, moins impressionnant dans la technique picturale que chez Montaigne. Mais bon, on y trouve d'autres, intérêts, d'autres beautés, mais d'une autre nature. On va faire un gros plan sur ce cheval extraordinaire. Oh. Oui, on sait ce qui était représenté sur les surfaces abîmées de façon générale, Louisa. C'est comme c'est un cycle extrêmement régulier dans son organisation. On sait déjà à chaque registre bah, qu'est-ce qui était figuré supposément. On sait que ça tissait des liens à chaque fois avec tel ou tel mois et comme les mois sont ordonnés, bah, on sait quel mois s'y représentait. Donc on peut en déduire finalement quelle divinité tutélaire euh, surplombait le, le mois en question. Euh, on peut imaginer à partir des éléments zodiacaux, bah, quelle figure centrale s'y trouvait. Alors évidemment, les... la composition des mois n'est pas superposable hein, avec euh, la composition des douze signes zodiacaux qui sont à cheval sur les mois. Mais bon, euh, euh, visiblement, les fresques prennent comme point de départ à chaque fois la figure zodiacale qui commence dans ce mois-là. Voilà, salut The Mephisto et euh, on peut deviner euh, par fragments après, peut-être, euh, dans quelques cas, euh, ce que ça pouvait évoquer plus précisément. Enfin, mais c'est tout. Donc, on a une idée d'ordre assez générale, mais les fragments manquants nous interdisent. Donc, ça, c'est le plafond qui est quand même très, très euh, riche aussi. Hein. C'est euh, pas rien, vous voyez. Ça, c'est... Un des motifs d'Angelo euh, que vous pouvez trouver sur le pilastre de l'entrée. Je ne l'ai pas mis au bon endroit, mais c'est pas grave, c'est des petits poutis. Des petits poutis fessus qui vont apparaître dans ce 15e siècle. Figures combinatoires hein, qui sont tout à fait nouvelles dans euh, l'iconographie. C'est euh, un autre, une autre façon d'aborder... Euh... Ah oui, je vous ai trouvé ça. Est-ce que ça marche ou pas C'est un film... Est-ce qu'il va se lire ou pas Non, ça marche pas, on dirait. Ouais, c'est ça. Euh, je vais peut-être devoir plutôt vous l'appeler euh, comment euh, dans, euh, dans un, un espace à part, mais il peut nous permettre d'y voir un, un peu clair. Écoutez, euh, de voir mieux comment c'est organisé. Je vais faire ça. Je vais vous le faire tout de suite. n'ai pas pensé euh, là, mais à mon avis, c'est pas inutile de faire ça. Je vais aller vous chercher le film. Alors source VLC voilà hop je vais chercher ça dans ce tiroir parce que même ce qui s'y dit n'est pas très très intéressant c'est même assez drôle le film a été réalisé à euh, au moment voilà, où il a été décidé de euh, comment euh, Attends, il faudrait que je puisse interagir avec ce truc. Est-ce que je peux interagir on dirait Il a été réalisé au moment où on décide de un mettre un en lumière le central littéral du Est-ce qu'il y a le son Est-ce qu'il bon, si y a esthétique. le son Je peux le tirer parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, on s'en fout complètement du son. On va laisser tomber ça. Au moment où il s'agit de de mettre en lumière de façon littérale euh, cet espace pour les visites. Donc ils sont très très contents de ce qu'ils font, ils vont rendre par un jeu subtil de lumière visible à peu près toutes les parties, ce qui pose évidemment toutes sortes de problèmes que vous pouvez euh, imaginer. Oui c'est ça, un poteau des putis. Exactement, Docteur Wack. Euh, donc là on voit ces gens euh, très contents de pouvoir nous rendre visible tout ça, ce qui pose pour les amateurs d'art toutes sortes de questions. Alors évidemment, on est ravi de pouvoir observer comme ça toutes, toutes les parties d'une fresque qui était interdite au regard, mais vous comprendrez bien que si cette pièce est aveugle pour une grande partie, à part sur le pont droit quand on rentre où il y avait visiblement des baies, c'est qu'il n'a jamais été question de voir les choses de cette façon en les inventant. Vous voyez. Un Philippe Poutot, très drôle. <laughs> euh, donc, nous voyons quelque chose qui n'est pas la chose. Nous voyons un espace qui est un espace imaginaire. C'est l'espace imaginaire du contemporain. Qui produit, euh, non pas un monstre, hein, mais qui produit une condition nouvelle, dont il faut admettre qu'elle bon, fait partie désormais de euh, l'histoire de cet espace. Bon, ce qui est intéressant, c'est vraiment que là, vous voyez des promenades à l'intérieur. Mais la lumière, en revanche, est une chimère, chimère pour le regard, chimère pour le regard contemporain qui, euh, désormais, peut regarder les choses euh, qui sont devenues des nouvelles choses, qui sont devenues. Euh, Puisqu'elles ont perdu de toute façon toutes leurs conditions d'appréciation propres, qui étaient celles pour lesquelles elles ont été réalisées. Euh, C'est-à-dire que ce n'est plus un salon de réception où on va être reçu par euh, Borgo d'Este. C'est un autre endroit. C'est un endroit qu'on va visiter comme euh, touriste culturel dans une grande ville italienne du Nord. Et donc cette construction lumineuse va réinventer finalement ces fresques. Salut Donio. Elle va les réinventer pour nous. Et ça veut dire aussi que. Il ne faut pas prendre les peintres pour des cons. Hein. Quand il peignait des choses qui étaient vues a priori par des candélabres, des, des, des lueurs de bougies ou tout autre type de lampe qu'on pouvait utiliser au XVe siècle, évidemment, il peigne d'une part avec ces objets pour la peinture, donc. Il y a des conditions de réalisation qui sont homothétiques aux conditions de regard, et il y a une anticipation de la peinture dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que les artistes de cette période et des périodes précédentes anticipent toutes les variations lumineuses euh, qui vont changer la façon de goûter leur peinture tout au cours de l'année et de la journée, anticipent évidemment euh, les difficultés pour le regard d'être apprécié ici ou là, et donc vont renforcer par exemple certains volumes, certains contrastes, en sachant qu'on les saisira moins. Donc par exemple ces, ces volumes qui peuvent apparaître très appuyés, très marqués dans la peinture de Cosmetura euh, qui peuvent être quasiment choquants, peut-être pour vous. Je vais euh, aller vous chercher euh, du Cosmetura pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ça peut vous sembler étrange mais en fait, avant que ça vous semble étrange, posez-vous la question des conditions pour le regard dans lesquelles existait cette peinture. Et euh, ça nécessite de repenser à tout ça. Donc, c'est la force et la vigueur à apportée à ces traits qui peut vous sembler exagérés. Font à, à, se, à imaginer dans un espace où la lumière est tremblotante. Peu manquer et euh, ce que vous voyez comme des traits durs en fait y a une certaine douceur avec moins de, de luminosité. C'est important de, de garder ça en tête. Donc ça c'est ce petit génie de, de Cosmeture. Alors on voici un autre. Oui, évidemment, sa peinture change tout au long de sa vie et il faut aussi tenir compte de ça hein, au long de, de la vie d'un peintre, de ses goûts qui changent, de sa façon de faire les choses. On notera quand on voit cette peinture, par exemple, une peinture du 15e, chose à laquelle on ne pense pas forcément quand on a été éduqué à la peinture italienne par, euh, le, comment, par euh, la Toscane hein, ou par euh, Venise. Euh, on oublie que l'Italie est frontalière à d'autres pays. Et aussi, il y a des frontières intellectuelles qui sont vite résorbées pour l'Italie. Et notamment, on comprend mieux la proximité avec les peintres du Nord d'une façon géographique et intellectuelle dans une telle peinture. Donc, tout le caractère surexpressif qui nous fascine tellement dans la peinture allemande par sa violence, hein, le, euh, les Christ euh, euh, terribles du retable d'Issenheim euh, de Grunewald, eh bien, vous voyez que ces Christ ont des cousins dans la peinture italienne. Alors, Pierre demande, faudrait-il les montrer dans les conditions d'origine Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Je pense qu'il euh, faut euh, accepter l'idée que ce que nous voyons est une invention. Que nous ne pouvons pas rêver de... Euh, conditions identiques euh, de toute façon parce qu'elles seraient toujours fallacieuses c'est pas parce qu'on se rapproche un petit peu des conditions d'origine qu'on y est donc le petit peu il est trompeur il laisse supposer que parce qu'on s'est rapproché euh, de, 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 de tant de siècles on y est mais on sait bien que ça n'est pas vrai on sait bien que ça quand on, On a l'illusion de croire qu'on a pu approcher la pensée de 1420 parce qu'on a eu un renseignement dans un texte de 400, 1440. On sait qu'on se trompe. Parce qu'un écart de 20 ans, c'est tout aussi euh, énorme dans la peinture au 15e siècle qu'au 20e siècle. Au 20e siècle, on, on se le dit tout de suite. Ah oui, quand même, entre les années 20 et les années 40 du 20 siècle, c'est le grand écart euh, en Europe. Bon, euh, Dites-vous simplement que c'est la même chose euh, au 15e siècle. Ce n'est pas différent du tout. C'était déjà la même chose à la période gothique. Il suffit de regarder euh, les cathédrales gothiques euh, et de voir comment ça bouge en 20 ans euh, entre les différentes cathédrales pour comprendre qu'on euh, ne peut pas résorber ça illusoirement. Et donc on ne peut pas imaginer se rapprocher comme ça idéalement de quoi que ce soit à ces 20. Donc on laisse tomber. Euh, ces trucs-là. On, on laisse tomber ça, on se rappelle juste de ça. Hein. Nous sommes en train de regarder une chose qui est un fantasme, un fantasme d'historien, et c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est un autre Cosmetura qui est très très beau. Hein. C'est un panneau euh, du polyptyque euh, Rovere, euh, Roverella, difficile à prononcer pour moi. Roverella, euh, très très beau polyptyque. Voilà. Ça, c'est la partie supérieure, c'est le pinacle euh, en plein cintre. Alors là, on voit un dolorisme hein, on est, bah, dont on n'est pas familier quand on aime l'art toscan. Une espèce de, de crudité, de brutalité, de tristesse infinie, de, de marquage des affects euh, qui n'est pas présent hein, dans la, la peinture euh, euh, de Filippo Lippi euh, ou de Guirlandaio. Voilà. Ça vous plaît mm penses que le rapport à la religion rend lui aussi impossible de voir les tableaux à sujet religieux comme avant ou c'est secondaire Alors, Écoute, Danny Mair, bon je ne suis pas chrétien du tout, mais j'ai l'illusion de croire qu'il reste quelque chose de cette tension et j'en ai eu un... Je l'ai vécu dans ma chair souvent, c'est-à-dire j'ai été ému aux larmes régulièrement par la beauté de la peinture chrétienne et pour des raisons qui dépassaient la question de la peinture, c'est-à-dire l'épreuve. Pour moi, je suis bouleversé à chaque fois que je rentre à San Miniato al Monte, par exemple, qui est sur la, la partie supérieure de, de Florence. Et euh, la, la première fois que j'ai pu voir enfin euh, la petite passion euh, du Perugino, qui se trouve euh, à Santa Maria Maddalena dei Pazzi à Florence, qui est une petite église euh, où on peut, on peut voir cette modeste passion. J'ai mis des années avant de la voir parce qu'autrefois, ça pouvait être plus compliqué de voir cette fresque qu'aujourd'hui. C'est un truc qui a, nous a coûté, Agnès et moi, 50 patience pour enfin voir cette fresque. Mais ce n'est pas les 50 patience qui m'ont fait m'effondrer c'est un point de contact privilégié et nous étions seuls dans cette petite pièce, avec cette fresque, et je suis tombé en larmes. Et euh, j'ai revu cette scène, euh, bah, notamment euh, avec un type de Christ pas très éloigné, celui que vous voyez là, qui était un Christ flamand, euh, euh, comment... Ah, euh... oh, j'ai un trou de mémoire, hein. merde Le Saint-Luc, euh, c'est un très très grand peintre maniériste flamand du 16e, début XVIe, 16e. Oh là, là, je connais que lui. Moi, bon, c'est pas grave. Et euh, j'ai vu ma mère, qui n'est pas chrétienne non plus, euh, tomber, euh, touchée par la souffrance du Christ devant euh, devant un tableau maniériste du XVIe siècle flamand. Il y a un, quelque chose qui passe de cette tension. C'est d'autant plus surprenant avec euh, le Pérugin, pour la fresque qui m'a tant ému que lui-même n'était pas spécialement un dévot. Donc euh, c'est très drôle, on pourrait dire que la foi manquait dans la création de la pièce, elle fait tout autant défaut chez le spectateur qui la regarde, à savoir moi, et pourtant, il y a un point de tension à cet endroit-là qui rend quelque chose dans cette présence picturale d'une expérience euh, de l'incarnation euh, qui appartient tout entière au christianisme. Donc, je, on n'a pas à désespérer finalement de ce caractère véhiculaire euh, sacral de la, de la peinture chrétienne. Je pense que c'est là. Hmm. Donc, ça, c'est Ecosmetura. Euh, je crois que je n'ai pas mis de Francesco del Cosa. Ouais. J'ai parlé du caractère antiquisant euh, tout à l'heure de la peinture florentine pour vous dire que tout ça ne se passe pas. Ce goût pour l'antiquité. Euh, et également le goût pour l'allégorie que dans la, la peinture du nord de l'Italie. Vous voyez là, c'est très présent dans ce tableau que vous connaissez peut-être, qui est un tableau important pour moi, pour des raisons. Euh, enfin, je l'ai beaucoup. Je l'ai un peu surinvesti intellectuellement parce que c'est un tableau euh, largement problématique pour sa raison d'être. On reviendra peut-être sur la question de l'eucphrasis tout à l'heure. Mais c'est. Euh, c'est un exemple finalement de la pensée euh, étrange des intellectuels du XVe siècle qui veulent matérialiser euh, quelque chose qui n'a jamais eu e e d'autre caractère d'existence que dans l'énoncé en prétendant rendre compte d'une expérience antérieure picturale. C'est-à-dire que là, il s'agit de ce qu'on appelle la calomnie d'appel. Hein, donc appel, c'était le peintre d'Alexandre Le Grand dont je vous ai déjà parlé un petit tableau de Botticelli. C'est probablement son tableau le plus nourri de son goût pour l'Antiquité. C'est un tableau extrêmement savant. Chaque petit détail de la peinture est habité à tous les endroits que vous pouvez l'imaginer de scène. Chaque pilastre justement sculpté, chaque frise, chaque corniche est un prétexte à mettre en scène un tissu allégorique d'une grande complexité. Et Appel avait subi une injure publique, euh, donc ce peintre, par un autre peintre, si je me souviens bien. Et, euh, et à la fin de son procès, qu'il a gagné, il avait peint ce tableau, un tableau, en tout cas, dit-on, donc on est au 5 siècle avant l'art chrétienne, hein, qui s'appelait La Calomnie et qui est décrit longtemps après hein, par Lucien de Samosate. Ce génial euh, euh, philosophe euh, et descripteur d'images qui a fait un livre d'ecphrasisme. Un livre où il décrit des tableaux, et dans ses écrasies, il décrit le tableau d'appel. Du tableau d'appel, vous, vous doutez bien qu'il ne reste rigoureusement rien, mais les peintres de la Renaissance, pas seulement italiennes, puisque Dürer en a fait une version aussi, euh, ont décidé, ils sont plusieurs à l'avoir fait, de peindre le tableau d'appel manquant. Vous voyez les cheminements intellectuels assez dingue que ça suppose. Évidemment, euh, on ne peut pas être plus profondément dans l'imaginaire euh, de, de, de l'Antiquité que dans euh, cette tentative-là. On conserve que le souvenir d'un procès gagné en appel, dit Donio. <laughs> Exactement. Donc voilà, là, vous voyez bien le, cette espèce de caractère extrêmement savant hein, de la, du goût des artistes de la Renaissance pour l'Antique. Donc c'est pas seulement dans le Nord, là c'est en Toscane. Voilà. Euh, je crois qu'on verra tout à l'heure hein, des, des aspects chez dureur de tout ça. Bien, bien, bien. Pour l'instant on va s'arrêter là. On va, on va rentrer. Euh, J'aurais dû faire un petit raccourci clavier parce qu'à chaque fois je le cherche, le bordel c'est chiant. C'est pas grave. Mmh. On va donc aborder le texte de Warburg et rentrer dans les détails de tout ça, à moins que vous n'ayez des questions avant de commencer, dites-moi. Alors, on va peut-être se mettre un petit bout de skiffanoïa. Tiens, c'est pas la peine de rester dans le, le vide comme ça. On, on, va, on va se mettre dedans. Voilà, ce sera quand même plus agréable. Voilà. On est bien, on n'a pas besoin de voir mes mains sur le livre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. À Rome, le monde de forme de la Renaissance italienne à son apogée nous montre, à nous autres, historiens de l'art, la tentative enfin aboutie par laquelle le génie artistique s'est libéré des servitudes illustratives médiévales. Bon, ça, c'est le point de vue d'un historien de la fin du 19e, début du 20e. Les études euh, médiévales ont bouleversé le regard qu'on pouvait porter sur l'image euh, du Moyen Âge, des conditions de sa production et de la liberté de ton et d'invention qui pouvaient s'y développer autant qu'à la Renaissance, en vrai dire. C'est très différent, hein, mais il ne faut pas sous-estimer la plasticité inventive, créatrice qui habite euh, les 12e et 13e siècles. Hein. Ce serait une erreur d'accepter ça, mais on ne peut pas le reprocher à Warburg parce que toutes ces études n'avaient pas été faites. Le Gaum n'existait pas, par exemple. Voilà. Le... C'est pourquoi je suis bien obligé de me justifier si j'entreprends ici, à Rome, puisque c'est là qu'il a donné cette conférence, dans ces lieux et devant cet auditoire compétent en matière d'art, de parler d'astrologie cette redoutable ennemie de la création artistique libre et de son importance dans l'évolution stylistique de la peinture italienne. Donc là, on comprend bien que l'idée d'un attachement pour le zodiaque, euh, qu'on peut voir représenté si souvent, bah en Italie, notamment sur les constructions architecturales du gothique italien, il suffit de, de voir n'importe quel baptistère. N'importe quel baptistère. Moi, j'ai en tête celui de Parma, qui est absolument génial. Et effectivement, le comment le j'ai intérêt à laisser mon marque Page puisque là ça se barre tout de suite. Le comment le zodiaque y est presque systématiquement présenté. Donc, on comprend bien que là, il y a une association implicite de ces vieilles fanfreluches symboliques, euh, et que euh, on voudrait pas imaginer que la Renaissance s'est prolongée dans son attachement à ces figures, à cette dévotion à, à des fétiches superstitieux. Et pourtant, j'espère qu'au cours de mon exposé, je serai justifié par le problème lui-même, dont la nature singulière complexe. M'envoya à explorer les régions ténébreuses de la superstition astrologique. Et au début, tout à fait contre mon goût, qui me portait initialement vers des choses plus belles. L'autre chose qui est supposée, évidemment, c'est que la beauté pour exister doit se libérer d'une certaine manière de l'attachement symbolique. Ce qui est l'implicite de la proposition de Warburg, c'est que si un artiste se soumet à la nécessité vraiment symbolique, c'est-à-dire où chaque action euh, pour l'image est une action pour la restitution de la cause symbolique de son existence, alors il est empêtré dans quelque chose. Il ne peut pas faire s'épanouir la beauté. Salut Strega. Ce problème est le suivant. Que signifie l'influence de l'Antiquité pour la civilisation artistique des débuts de la Renaissance Là, on va toucher à quelque chose d'important, vous allez voir dans ce texte, c'est que c'est là que se trouve le point de raccord. Le point de raccord, évidemment, avec l'astrologie, c'est la place qu'elle prend, au moins dans l'idée que s'en font les artistes du XVe siècle, dans euh, la Rome antique ou dans la Grèce antique. Et de ce point de vue-là, il devient différent au fond de le voir réapparaître dans la peinture du XVe siècle, où elle n'est plus tout à fait seulement une marotte euh, divinatoire, mais aussi, potentiellement, un autre point de contact avec le passé. Il y a quelques 24 ans, à Florence, il me vint l'idée que l'influence de l'Antiquité sur la peinture profane du Quattrocento en particulier sur Botticelli et Filippino Lippi. Donc, Filippino Lippi, c'est le fils de Filippo Lippi. Filippino est très brillant aussi. Il va développer une forme plus maniériste, plus euh, savante d'une certaine façon, plus tortueuse euh, de travail. Mais il est quand même très marqué hein, par la peinture de son père. Se manifester par un changement du style dans la représentation de la figure humaine. Le mouvement du corps et du vêtement était amplifié, suivant cela certains modèles tirés des arts et de la poésie antique. On le note beaucoup chez Botticelli, cette amplification du mouvement, elle est presque tout entière portée par ailleurs, en dehors de ces poses hein, qu'on pourrait dire presque rhétoriques, elle est portée par les plis des vêtements et le souffle qui semble les habiter. Plus tard, je vis que des superlatifs authentiquement antiques du langage des gestes constituaient également la rhétorique musculaire de Polaiolo. Alors là, je vais vous montrer ça, cette rhétorique musculaire, parce qu'on ne va pas parler dans le vide, j'ai vraiment envie que vous voyez ça. Alors, je vous ai chopé Polaiolo, donc on va essayer de trouver ça. Euh, hop. Alors, c'est un peintre... Florentin important. Hop. Voilà, là on est dedans. Là. Voilà la rhétorique musculaire de Polaiolo. Alors j'en ai peut-être un autre qui est assez impressionnant. Est-ce qu'il est là Non, ça c'est du rare, mais c'est pas grave. On verra ça après. Il y a toute une série de travaux d'Hercule qui sont assez incroyables. Il y a notamment un combat euh, que je n'ai pas là, hein, qui est assez extraordinaire, un corps à corps chez Polaiolo d'Héraclès, qui est assez euh, surprenant. Euh, je ne sais pas si je peux pas le trouver en ligne. Regardez ça pendant ce temps. Je cherche. Hein, je vous laisse avec euh, Polaiolo et son Hercule qui euh, dégomme qui dégomme l'hydre. Je vais voir si je trouve ce corps à corps tout à fait dingue. Oui, il a l'air d'être là. Ah, super. Ah, alors, est-ce que je peux en avoir Oui, je vais en avoir une image. Voilà, très bien. Je vous montre ça sur le navigateur. Voilà. Voilà cette fameuse rhétorique musculaire dont il parle. Je vis que des superlatifs authentiquement antiques du langage des gestes constituaient également la rhétorique musculaire de Pollaiolo, et surtout que le monde des fables païennes du jeune Dürer, lui-même de la mort d'Orphée à la grande jalousie, doit la force dramatique de son expression à la survivance de telles formules de pathos, au fond tout à fait grec, que l'Italie du Nord lui proposait. Donc il fait allusion à des travaux Dürer sur euh, d'autres motifs, et ces travaux Dürer, je vous les ai trouvés euh, également. Donc vous allez regarder ça. Alors, alors... C'est ceci. Alors ça c'est encore Polaiolo. Hmm. C'est un sujet profane assez... Je crois que... C'est un sujet dont on ne connaît pas le, à proprement parler euh, la cause, ou plutôt on ne sait pas réellement ce que raconte ce combat d'homme nu. C'est une gravure au burin, qui est très précise. Alors, la gravure au burin, elle se développe pas mal au 15e, notamment euh, sous l'influence de Montaigne, qui va être un graveur sur cuivre euh, qui va beaucoup influencer cette région. Et donc euh, là, c'est une gravure de Polaiolo, qui est un prétexte de cette... Euh, espèce de, de folie furieuse euh, d'expressivité euh, des corps, hein, où on voit des arguments antiques un peu partout euh, sur, euh, sur les boucliers. Et voilà, dureur. Euh, donc ça, c'est la jalousie. Et je ne sais pas si j'ai la mort d'Orphée. Si c'est ça, la mort d'Orphée. Bon, alors le, la mort d'Orphée, je... Orphée va être l'objet d'un culte particulier. Je crois que le, cette espèce de religion particulière de la Grèce antique qu'on a appelée la religion orphique va se développer. Euh, c'est une espèce de secte mystique euh, plutôt ascétique et rigoriste, un moralisme aussi euh, philosophique et religieux. Hmm. La mort d'Orphée. Il y a des, des récits où il se suicide. Il y en a d'autres où Zeus foudroie Orphée pour avoir filé des, des, des secrets aux, aux humains. Euh, si on en croit euh, Posanias, il a été foudroyé par Zeus pour avoir révélé des mystères divins aux hommes. Donc, euh, Strabon lui trouve qu'il a, enfin, a, a établi qu'il était mort dans un soulèvement populaire. Bon, euh, mais la version la plus courante. C'est euh, celle qui a illustré rare c'est l'idée selon laquelle les bacchantes, ménades, enfin, comme vous voulez, c'est grec ou latin, euh, euh, les bacchantes donc, sont les, les servantes de Bacchus euh, et les ménades celles de Dionysos, donc selon qu'on est euh, côté grec ou côté latin, et euh, elles ont euh, éprouvé apparemment un vif euh, dépit euh, parce qu'il est resté fidèle à Eurydice. Et donc, elle le déchiquette. Voilà, ça, c'est le... le motif. Hmm. Parce que euh, l'argument, c'est que quand Dionysos a envahi la trace, Orphée avait négligé de l'honorer. Et il avait donc enseigné d'autres mystères sacrés euh, aux humains. C'est ça la base de, de l'orphisme. Voilà. Et donc, il avait euh, renié en quelque sorte les sacrifices euh, humains auprès des hommes de trace qui, eux, l'écoutaient euh, plus respectueusement, donc quittaient d'une certaine manière euh, le culte dionysiaque. dionysiaque pardon. Donc, le, la raison pour laquelle les ménades, les bacchantes le déchiquettent serait une trahison en fait, du, du culte de Dionysos. Notamment, euh, qui se traduit chez Orphée par sa fidélité à Eurydice. Il change complètement de de position en quelque sorte quoi donc elles ont euh, attendu euh, tranquillement que dionysos euh, euh, et euh, comment donc orphée pardon ah ça y est j'ai un trou de mémoire il rentre dans le temple d'apollon dont il était le desservant euh, et elles le tuent elles font irruption dans le temple et elles le tuent J'y manque un petit bout de l'histoire. Mais en gros, c'est ça qui illustre, euh, enfin, c'est pas en gros, c'est ce qui illustre, je dirais, avec plus de, comment de, de précision que moi dans la connaissance du mythe euh, Dürer, pour la En tout cas, pour la version qu'il a choisi de suivre de la mort d'Orphée. Donc voilà, on a vu un peu ces rhétoriques-là, euh, antiquisantes chez euh, Dürer et chez euh, Polaiolo. Donc Dürer, dans euh, Sa mort d'Orphée et dans sa jalousie, et Polaiolo dans ses travaux d'Hercule et ce combat de jeunes gens. Voilà. Il y a un presse-citron sur le Oui, ça ressemblait un petit peu à ça, hein, je suis d'accord. Alors. Oui, mais il en ressort des enfers, excusez Alors. Toutefois, si ce style italien antiquisant a pénétré dans l'art du Nord, ce ne fut certes pas parce que celui-ci n'avait pas pratiqué personnellement les sujets païens ou antiques. Au contraire, il m'a paru clairement en étudiant des inventaires concernant l'art profane vers le milieu du XVe que les tapisseries ou les draperies flamandes, par exemple, présentaient des personnages vêtus avec réalisme de costumes contemporains à la française, et qui ont. Permettait d'incarner les figures de l'antiquité païenne, même dans les palais italiens. Alors on va regarder une de ces, ces euh, tapisseries que je vous ai trouvées. Alors, où est-elle Elle est là. Voilà. Alors ça, c'est une, une tapisserie qui s'appelle Collation champêtre, hein, du début du XVIe à Tournai. En tout cas, c'est un peu l'esprit c'est un petit peu plus tardif. Mais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. un peu après. Mais je n'en ai pas trouvé de contemporaine. Mais vous voyez l'esprit. En étudiant plus précisément l'ensemble des images païennes dans le domaine de l'art du livre dans les pays du Nord, je constatais en outre, par la comparaison du texte et de l'image, que leur allure extérieure, non classique, si déroutante pour nous, pouvait distraire le regard des contemporains de l'essentiel, la volonté sérieuse, mais pas trop fidèle à l'aspect matériel, de donner une représentation authentique de l'Antiquité. Alors cette question de l'authentique de l'antiquité, euh, évidemment, elle, elle aussi complètement fantasmatique puisqu'elle est inatteignable. Euh, elle a toujours été inatteignable. Vous comprenez bien que, euh, comment, euh, que on ne peut pas atteindre euh, la, la texture du quotidien par la peinture, son caractère documentaire ou par les œuvres. Euh, voilà, en l'occurrence, les œuvres antiques, c'était encore plus compliqué puisqu'on n'y représentait euh, absolument pas comment le, le, la vie quotidienne donc euh, si qu simplement que que quelqu'un de complètement extérieur à notre période par exemple veuille ultérieurement représenter euh, cette période la nôtre et qu'il est sous la main des catalogues de, de, de vêtements des catalogues de mode ou, euh, ou des films Enfin, pour les films aujourd'hui encore, si, ils pourraient s'en sortir, mais par les images moins. C'est-à-dire, clairement, un catalogue de mode ne rend pas compte de la façon dont les gens s'habillent vraiment. Et euh, de même, toute l'histoire de la peinture montre euh, des caractères, euh, une certaine idéalité du quotidien et, et des représentations qui sont des tressages, en fait, de désirs. Euh, euh, idéologique finalement, de construire euh, le panorama du regard et la, la société dans laquelle on vit. Euh, tout ça évidemment rend peu compte de, de, cette, de cette réalité. Donc les, les artistes du 15 siècle n'ont pour se figurer une éventuelle incarnation de l'Antiquité que toute une série de rêveries et un matériel archéologique encore assez rare. La possibilité. De s'y inscrire en mêlant le quotidien euh, antique, donc en représentant des scènes antiques avec tout un, un monde de vêtements qui n'appartiennent pas du tout à l'antiquité, est une autre façon de le faire vivre et de l'actualiser, par exemple. Euh, le souci d'anachronisme n'est pas du tout pensé non plus de la même façon. Ça, je pense que vous l'aviez déjà remarqué sur les représentations non profanes, hein, les représentations religieuses où à chaque siècle représente euh, l'histoire euh, de Christ, par exemple, dans ses propres vêtements, enfin, dans les vêtements de ce siècle même. Alors, soit dit en passant vu, le rapport de taille entre la dépouille du lion et de Némée et Héraclès, on peut dire que c'était un vrai géant. Oui, un grand bonhomme. <laughs> Alors, c'est surtout une scène à un moment pas forcément un élément structurant du récit. Hmm. Euh, de quoi parle-tu j'ai dû rater une intervention de, de Donio. Au Moyen-Âge, cet intérêt singulier pour la culture classique était si profondément enraciné dans le Nord que dès l'aube de l'ère médiévale, nous trouvons une sorte de manuel de mythologie illustré, destiné à ces deux catégories du public qui en avaient le plus besoin les peintres et les astrologues. C'est dans le nord de l'Europe, par exemple, qu'est apparu le principal traité en latin à l'usage des peintres de divinités, le De Deorum Imaginibus Libellus, attribué à un moine anglais, Albericus, qui a vécu probablement dès le XIIe siècle. Alors, j'ai des choses là-dessus, sur euh, le De Imaginibus, j'ai des illustrations, donc je vais aller vous chercher ça. Voilà. Hop. Donc c'est ça. Là, là vous allez voir des configurations, notamment ces montages de chars avec ces divinités, qui sont euh, étrangement proches. Hein. On est au XIIe siècle de ce qu'on va pouvoir voir fleurir sur les fresques du Palazzo Schifanoia. Mm. Et là, on voit un pont tendu étrangement, qui n'est pas un pont tendu finalement entre le XIIe siècle et le 15e siècle. C'est plutôt deux ponts tendus vers la même matrice imaginaire. Sa mythologie illustrée, accompagnée des descriptions des représentations de 23 divinités païennes, a exercé sur la littérature mythographique ultérieure une influence qui a été totalement négligée jusqu'ici. Elle s'est fait sentir surtout en France, où des paraphrases d'Ovide en vers français et des commentaires moralisateurs en latin donnent asile à ces immigrants païens dès les alentours de 1300. Alors là, il fait allusion à une publication d'Ovide qui est l'Ovide Moralisé. Euh, donc je dois avoir quelques extraits. On verra ça tout à l'heure. Donc là on va rester sur le... Comment un petit peu sur le de Deorum Imaginibus Libellus par Albericus. Alors évidemment le, les ne sont pas très très jolis, mais Je n'ai pas vraiment trouvé mieux. J'en suis désolé. J'aurais adoré euh, vous amener des documents de meilleure qualité, mais d'une manière générale. Pour faire ce live, j'ai eu beaucoup de difficultés à vous trouver des documents de bonne qualité. J'en suis vraiment assez assez meurtri. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse rentrer dans les détails du dessin, mais vous voyez, on peut pas. Dès qu'on se rapproche, on voit la médiocre qualité des reproductions. Et j'ai pas trouvé mieux. Pourtant, j'ai fouillé, j'ai arpenté, mais bon, on est quand même dedans. Et ça, c'est pas mal. Alors. C'est quand même assez privilégié, parce que ça veut dire que, le, le, n'oubliez pas que le texte de Warburg, il est publié sans iconographie. Donc ça vous donne une pénétration du texte Pff, avec que nous, vous n'auriez pas eu si hein. vous aviez juste lu les Essais Florentins, qui restent très abstrait finalement, euh, si jamais on, on ne va pas aux sources comme je l'ai fait pour vous. là, Ça vaut le coup. Regardez, le triomphe au lion en bas. Hein, on va revoir euh, complètement cette scène euh, se reconstituer devant nous quand on va euh, se rebalader dans le, le Palazzo Esquifanoia tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est des figures qui n'apparaîtront probablement pas dans les fresques de comment de Hercole de Roberti et ses amis, parce que ce goût pour les figures doubles fait vraiment partie d'une propriété de, de l'art ornemental du Moyen-Âge. Notamment, euh, notamment à l'articulation gothique, quoi, où on va voir fleurir ce type de, de motif. Il en reste quelque chose dans ces représentations, c'est normal, hein, puisque euh, c'est un, un manuscrit du XIIIe siècle. Alors, celui-là, manuscrit du XIIIe siècle, parce qu'évidemment, on n'a pas l'original. Bon, c'est déjà une euh, copie, hein, je suppose, du euh, livre original d'Albericus. C'est souvent le cas. Hein, euh, on connaît régulièrement des œuvres euh, à travers. On croit que c'est que pour la littérature, Ça, effectivement, toute la littérature antique, la littérature médiévale, souvent on a des copies de copies de copies, des interprétations pour, pour la... Toute la, la tradition littéraire euh, antique, bah, on n'a pas tellement le choix, quoi. On n'a pratiquement que ça à se foutre sous la dent. des copies de copies de copies, voire juste des fois des descriptions de choses qui n'existent plus. Mais en fait, pour euh, les œuvres plastiques, c'est pas rare aussi qu'on soit confronté bah, à des copies. Voilà. C'est très beau, hein quand même. Même si la repro est pas ouf ouf, je pense que vous voyez quand même des belles choses. En Allemagne du Sud même, on voit apparaître dès le 12e une série, une assemblée d'Olympiens dans le style couche dont la théorie mythologique déterminait encore en 1541 la façon de représenter les sept divinités païennes. Alors, sur ces sept divinités païennes, euh, donc euh, je suppose qu'on fait allusion là aux sept dieux qui correspondent aux, aux planètes. Donc, euh, on va rapidement faire un petit, euh, un petit rapport sur cette construction, euh, cette dieu, cette planète. Donc, les dieux de l'Olympe à certains moments de l'histoire plutôt tardive hein, se sont fixés comme euh, étant douze. Mais c'est plutôt dans la, comment qu'on va fixer ça, le culte des douze dieux, le dodecatéismos, euh, cette vision-là, parce qu'en fait, le, la Théorie, euh, comment des euh, dieux euh, bougent beaucoup en nombre, elle n'est pas fixée, euh, même s'il euh, y a des références euh, grecques hein, qui font allusion à, aux douze oïdes dodeca qui ont pu faire l'objet certain, dans, dans certains endroits euh, d'un culte dans des sanctuaires qu'on appelait Do d'Odeka Mais bon, euh, le chiffre en question, c'est un chiffre qui apparaît tardivement, euh, notamment pour le mettre dans des relations symboliques avec d'autres choses. Euh, alors, euh, 7 pour euh, les jours de la semaine, euh, mais bon, n'oubliez pas que là encore, c'est un calendrier tardif. Hein, euh, donc, il va y avoir des bricolages qui vont être faits avec le calendrier romain, par exemple, pour euh, satisfaire euh, la construction. Euh, euh, néo antiquisant du 15e siècle, où on se retrouve avec un calendrier à 12 mois, alors que le calendrier romain, a priori, à ma connaissance, en contenait 10, donc il va falloir euh, bricoler. Et pour cette histoire de 7 dieux, 7 planètes et 12 dieux de l'Olympe, grosso modo, les 12 dieux de l'Olympe, ce serait euh, Jupiter, Zeus, euh, Junon, sa compagne Hera, Neptune, donc Poséidon chez les Grecs, Minerve, donc Athéna euh, chez les Grecs, Mars, Ares, euh, Cérès, donc Déméter, hein, Apollon, donc Apollo, euh, qui est aussi Sol-Apollon, donc le Soleil, dans, dans le, la configuration qui nous intéresse, avoir une configuration astrologique, c'est évidemment le caractère solaire qui va être retenu, la personnification du Soleil, hein. euh, Diane, donc euh, Artemis, euh, chez les Grecs, qui va plutôt incarner la Lune, l'aîné Vulcain, hein, euh, donc Héphaïstos, euh, Vénus, donc Aphrodite et Mercure, euh, Hermès. Parmi ces douze, sept se voient attribuer des euh, planètes, donc Jupiter, Neptune, Mars, euh, Diane, Vulcan, Vénus, Mercure, et on peut rajouter Apollon pour le Soleil, donc 7 plus 1, etc. Voilà. Et, mais sinon, euh, dans la, la construction, ils peuvent aussi se retrouver 11, c'est-à-dire qu'on peut y rajouter. Euh, donc, on peut en enlever un. Euh, non, pardon, j'ai trouvé une configuration à 11. Et je ne sais plus lequel sautait. Ah, j'ai oublié. Excusez-moi. Euh... Donc, le chiffre a une signification plus ou moins euh, symbolique. Mais euh, gardez en tête que cette notion de groupe de douze dieux, elle va vraiment mettre du temps euh, à se mettre en place, même pour les Grecs anciens. Hein. Euh, D'ailleurs, chez les Grecs, ce n'était pas la même configuration, c'est-à-dire que vous, aviez, euh, vous deviez ajouter au groupe Estia la déesse du feu sacré euh, donc on se retrouve avec Zeus Hera, Poséidon, Déméter Apollon, Artemis, Arès Aphrodite, Hermès, Athéna Héphaïstos, Estia. donc là on se retrouve avec 13 si je compte bien euh, mais pour satisfaire euh, un fonctionnement symbolique efficace, évidemment s'attacher à, à garder hein, ce chiffre va, euh, va être important va essayer de bricoler un système qui fonctionne un système symbolique qui fonctionne bien Mmh. Il y a un truc dont ne parle pas, euh, comment euh, ne parle pas Warburg, alors peut-être qu'il n'y a pas eu accès et c'est euh, dommage mais moi je vais vous le montrer parce que j'aime beaucoup cette pièce, elle est très belle. C'est une pièce qui se trouve au département euh, des antiquités grecques et, et, euh, et romaines du Louvre, c'est un artefact magnifique qui a été sculpté euh, sous l'empire donc euh, aux alentours du premier siècle après. Donc un premier siècle de l'ère chrétienne qui a été découvert dans la ville de Gabi ou Gabies, je sais pas comment ça se prononce. C'est une petite ville qui se trouve à l'est de Rome, et c'est un truc qu'on a trouvé au XVIIIe siècle qui est très beau. Et il est, euh, je vais vous le montrer parce qu'il est complètement hein, dans l'esprit les... de ce que cherche à mettre en lumière comment. Warburg. Donc d'une certaine manière je vais compléter Warburg en vous ajoutant cette pièce qui est exemplaire de cette tentative de faire fonctionner ce système euh, d'Odéca figural. On va dire ça comme ça, avec un aphronéologisme. Donc voilà un système à 12. C'est une espèce de table circulaire. Donc on va regarder comme ça comment ça se passe sur les côtés, sur tout le pourtour. Il est flanqué de bas-reliefs magnifiques. Voilà, il y a un caractère extrêmement gracieux à ces constructions où vous allez voir circuler euh, ici à gauche le Capricorne, euh, là euh, le Cancer, euh, voilà Balance à sa gauche, le Lion. C'est beau ça. Hein voilà, Donc ça c'est l'hôtel astrologique de Gabi ou Gabiès. Qui se trouve au lourd. Donc, je vous encourage évidemment à aller voir ces très très belles choses. Le taureau, c'est son tueur. Hein Les poissons. Là, on peut, je dirais. Les exemples qui sont là euh, sont encore plus... Enfin, celui qu'on voit là est encore plus est marquant, je dirais. On va regarder un peu les têtes euh, par détail qui sont inouïes. On est vraiment dans un très très beau euh, travail de sculpture euh, romaine. Alors on a souvent voulu faire des, des Romains un succès d'année de l'art grec. C'est évidemment euh, très très réducteur. Waouh! Celui-là est particulièrement beau, regardez-moi ça. Euh, Quelle taille fait la pièce? Alors, dans mes souvenirs, euh, c'est un plateau qui doit faire un bon mètre euh, de large. Enfin, ça paraît pas démesuré, hein. euh, c'est quelque chose comme ça. Alors, euh, sur la fiche qui l'accompagne au Louvre, donc si vous cherchez euh, dans les collections du Louvre qui ont numérisé, enfin qui ont fait ces photographies par exemple, euh, que j'ai été chercher au Louvre, qu'ils rendent disponibles, il rende disponible, euh, y a les dimensions de la pièce. Attendez, je reviens, 5 minutes. Je ne veux pas je suis, je suis rassuré que ce soit toi. <laughs> D'accord. Ça n'est pas une petite souris, c'est Pierre Agnès qui est rentré. Voilà, donc Ça on continue. Il y a quelqu'un qui se soit introduit Oui, on est en train de regarder l'hôtel astrologique de Gavir, regarde comme c'est beau. L'hôtel Le... astrologique du Louvre. Tu as de plateau Non, ça ne me dit rien du tout. Mais peut-être que si tu vois la, la vue frontale, tu, ça va te revenir. Donc voilà, on a vu les douze figures. Et, euh, ouais. La vue frontale, c'est ça. Dis-moi si ça te rappelle rien. Euh, alors. Ça, là. Ah, mais non, ça me dit rien du tout. C'est vrai ouais, On dirait qu'il y a Mercure, il y a. Ouais, ça, ou... c'est les figures de. Oui, c'est les douze dieux de l'Olympe, hein, euh, dans une configuration zodiacale. Don... Tu... On n'est pas mardi, tu fumes un cigare Moi, ouais. <laughs> je t'ai pris en plein grand délit. Ce soir, j'avais une furieuse envie de fumer. Okay. J'avais euh... oh. des envies de fumer. Je voulais moi aussi être dans les nuées de l'Olympe. Euh, voilà. <laughs> <laughs> Et tout le monde te salue, j'imagine. Alors, donc, on dirait un plateau d'escargot. Bah, bravo, du docteur Wack, formidable. Je vois ce que ça t'inspire. Tu ne penses donc qu'à bouffer ah Donc, ce sont naturellement les sept planètes qui survivent à l'anchute, c'est-à-dire ces dieux grecs qui, sous l'influence de l'Orient, étendent ensuite leur autorité aux planètes qui portent leur nom. De tous les Olympiens, ces sept dieux-là devaient avoir la plus grande capacité de survie, parce qu'ils ne devaient pas ce privilège à la mémoire des savants, mais à leur propre force d'attraction, à la fois astrale et religieuse qui continua à s'exercer sans interruption. En effet, on croyait qu'à toutes les époques de l'année solaire, ces sept planètes gouvernaient les mois, les jours, les heures de la destinée humaine, selon des lois pseudo-mathématiques. La plus commode de ces théories, celle du gouvernement des mois, offrit alors aux dieux exilés un asile sûr dans l'art médiéval des calendriers, qui ont été illustrés au début du XVe siècle par des artistes de l'Allemagne du Sud. J'ai trouvé ça. J'ai pas trouvé grand chose sur les calendriers d'Allemagne du sud, mais quand même, hein. bon, voilà un bel exemple qui est assez chouette. Voilà, <laughs> c'est celui dont pour lequel j'ai trouvé la, la plus belle reproduction. Donc, on va quand même, quand même faut regarder quelque chose. On va pas être complètement défourvu d'iconographie. Hein. Et on va zoomer un peu, parce que le document est plutôt de bonne qualité. Donc là, on est dans l'Allemagne du Sud, effectivement, au 15e siècle. Donc, comme dans la tradition euh, précédente médiévale, il y a attribution évidemment à toutes les périodes de l'année et au zodiaque des travaux qui leur correspondent dans la vie quotidienne. Donc, évidemment, le, ce goût aussi pour le calendrier, euh, ce n'est pas simplement euh, une mythification du quotidien c'est l'image d'une certaine régulation du monde également par ce que l'on y fait. C'est-à-dire par les, les travaux, la transformation du monde et la collaboration finalement avec le monde de Dieu et la mise en œuvre en fait, des forces souterraines qui travaillent ce monde dans euh, un cosmos ordonné et régulé. Voilà. Conformément à la conception hellénistique et arabe, ils offrent de manière typique cette image de planète, bien qu'elle présente la vie des dieux païens comme une collection anodine de scènes de genre contemporaine, elles n'en apparaissent pas moins aux yeux des adeptes de l'astrologie comme les hiéroglyphes fatidiques d'un livre d'oracle. Il est clair que ce genre de tradition relative aux dieux, où les personnages légendaires de la Grèce avaient reçu en même temps le pouvoir étrange de démons astro, devait donner naissance à un important courant grâce auquel au XVe siècle, les païens vêtus à la mode du Nord purent se répandre dans tous les pays et ce d'autant plus aisément qu'ils disposaient de ces nouveaux vecteurs d'image plus mobiles que leur offrait l'imprimerie qui venait d'être découverte dans le Nord. C'est pourquoi les toutes premières productions de l'imprimerie, les incunables xylographiques, présentent déjà dans le texte et dans l'image ces sept planètes et leurs enfants dont le caractère matériel, la fidélité à la tradition contribuèrent à leur manière à la renaissance de l'Antiquité en Italie. Alors, je n'ai trouvé ici rien qui se réfère au, à ce septénaire. Vous avez vu, là je suis juste dans les mois. J'ai trouvé une autre gravure allemande. On verra après le, le Germanicus, mais à... alors, où est-elle Non, ça c'est une gravure arabe qu'on regardera tout à l'heure. Enfin, une, une estampe arabe, pardon. Non, je ne la trouve pas. J'étais sûr de vous avoir trouvé une très jolie petite chose du 15e. Un autre qui était un bois gravé, euh, rehaussé de couleur dans mes souvenirs. Alors, où serait-il Ah, c'est ça. Voilà, Allemagne du Sud, c'est un calendrier. Cette fois-ci avec un motif religieux. C'est un peu hors sujet, mais j'aimais bien la, la cohabitation finalement de motifs euh, comme ceux d'en bas, vous voyez, ces motifs à décran, là, euh, avec le soleil et la lune, avec euh, au cœur, euh, au contraire, un motif tout à fait chrétien, là pour le coup, puisque vous reconnaissez sans doute Saint François d'Assise qui reçoit les stigmates. Voilà, voilà. Bon, C'est juste pour le, le comment la connaissance. Euh, je voulais que vous preniez aussi la connaissance comme une allusion à la xylographie et à la multiplication des, 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 des productions euh, et de la diffusion que vous voyez aussi la, les techniques de travail, à savoir ici une xylographie, donc hein, une gravure sur bois qui a été rehaussée de couleurs comme elles l'étaient toutes, hein, les gravures qui circulaient à, à cette époque n'étaient pas ternes du tout. Depuis un certain temps déjà, il m'était apparu qu'une analyse iconologique approfondie des fresques du Palazzo di Schifanoia devait résoudre l'énigme de cette double tradition médiévale de la représentation des dieux antiques. Ici, nous pouvons remonter jusqu'à la source et mettre en évidence aussi bien l'influence de la doctrine systématique des dieux olympiens, telle que l'ont transmise les mythographes érudits du Moyen-Âge en Europe occidentale, que celle de la doctrine astrologique, telle qu'elle s'est maintenue intact dans le discours et les images de la pratique astrologique. C'est encore autre chose. Il y a le caractère référentiel, comme vous l'entendez, hein, mais aussi, euh, mais aussi euh, la pratique divinatoire qui y est associée. Il y a des astrologues à la cour d'Est, comme il y en a dans toutes les cours d'Europe. Alors, au Moyen Âge, l'astrologie est aussi liée à l'alchimie. Alors, avec la chimie, on touche à un tout autre domaine euh, qu'on ne va pas aborder ce soir, qui est un peu complexe, euh, qui va vraiment exploser pour moi avec, euh, avec le livre-esprit pour devenir vraiment une chose importante dans l'art italien, donc plutôt avec des peintres comme Piero di Cosimo, ce genre de choses. Euh, C'est pas dans cette orbe-là qu'on se trouve ce soir, mais oui, il y, y a des liens euh, au minimum au, du. Comment on pourrait dire ça avec le matériel symbolique, c'est-à-dire en dehors de la question de la pratique divinatoire, qui elle, a pas, euh, est, comment dire, est très largement répandue et donc n'est pas forcément liée à tel ou tel plan finalement de, de la vie intellectuelle plutôt qu'un autre, donc pas plus euh, l'alchimie qu'un autre, il y a par contre un matériel symbolique qui est évidemment réinjecté hein, dans, euh, dans l'alchimie, notamment enfin, dans les figurations propres à l'alchimie, dans son goût pour l'emblème, pour le symbole, pour les allégories. Alors, la série de peintures murales du Palazzo di Schifanoia à Ferrara représentait les images des 12 mois. Sept d'entre elles nous ont été rendues après avoir été redécouvertes sous le badigeon. Donc il y avait un badigeon qui avait été placé dessus et au fond, le badigeon, comme souvent, bah, les a protégés du, des attaques du temps on peut se navrer que certaines époques n'aient pas trouvé, pas su trouver la beauté de la peinture ancienne et cru nécessaire de les recouvrir de chaud, mais souvent eh ben, ça les a préservés. Par exemple, là où l'iconoclasme Comment euh, l'iconoclasme du XVIe siècle, donc la, la destruction massive des œuvres d'art par les protestants à la période de la Réforme, a foutu en l'air euh, la quasi-totalité des panneaux mobiles sur bois et de la statuaire, qu'on qu n'a presque rien de l'art suisse de cette période, ce qui est bien dommage. Euh, surtout quand on voit les petits génies comme Conrad on aimerait bien avoir beaucoup, beaucoup de choses de la Suisse. Ces trucs ont été détruits, mais les fraises qui se trouvaient dans des lieux, euh, <coughs> comment, des lieux privés euh, de la la traditions monacales ont simplement été recouvertes de chaux. Quand on a changé d'espace religieux, de représentation religieuse, qu'on est passé dans un univers mental et théologique qui se dispensait des images, donc le protestantisme, eh bien on s'est contenté de les recouvrir de chaux, ce qui fait que bah plus tard, au XXe siècle, on a pu redécouvrir ces beautés en faisant sauter les badigeons, et elles sont intactes. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans une grande quantité d'églises françaises, par exemple, euh, on a pu croire longtemps que l'Italie était le lieu de la fresque et que, bah, en France, on avait tout perdu, ou peut-être même c'était moins peint. En fait, pas du tout. On est en train de découvrir, hein, dans les, depuis les années 2000, des centaines de fresques partout en France sous les badigeons. C'est évidemment le régal de l'amateur d'art de pouvoir euh, voir petit à petit net comme ça. Euh, nous, on traque avec Agnès tout le temps la, la découverte de telle ou telle nouvelle fresque euh, ici ou là, euh, aller voir les fresques de Cossé en Champagne, euh, en Normandie, euh, et hop, pouvoir exploser comme ça euh, les très belles choses euh, qui étaient cachées sous le badigeon et protégées par lui. La... Chaque représentation d'un mois se compose de trois espaces picturaux superposés parallèle et autonome et comporte des personnages ayant à peu près la moitié de la grandeur nature donc ça, ça vous donne un ordre d'échelle donc là du coup on va aller on retourne à Skifanoia voilà on y va et on va pouvoir rentrer dans le détail hein, de ces euh, de ces magnifiques fresques voilà hop voilà mars avril mai hein. plutôt euh, mai avril mars pour une raison qui m'échappe, que je n'ai pas su éclairer, l'ordre de lecture est inversé. Euh, voilà. Ce qui fait que quand je me suis lancé dans mes recherches, vu quand même, c'est assez mal documenté dans le détail. On peut trouver quelques reproductions, mais au fond, euh, au moins en ligne, euh, peu de gens se sont souciés de faire un travail systématique de mise en forme et ça c'est assez dommage donc euh, heureusement que j'ai chopé le petit bouquin <laughs> que j'avais ramené de, de ferrar que j'avais perdu dans un coin par contre il faudrait que je vous le traduise euh, donc je ne veux pas faire ça ce soir il y a une vingtaine de pages à traduire de l'italien on pourrait rentrer dans les détails et en savoir un peu plus parce que là là elles sont euh... <coughs> enfin ce, ce livre là pour euh, modeste qu'il soit, est quand même assez détaillé. Il fait le travail euh, travée par travée, mois par mois. Dans la partie supérieure, les dieux de l'Olympe défilent sur des chars triomphaux. En bas, on nous raconte les activités terrestres à la cour du duc Borso on l'aperçoit occupé aux affaires de l'État ou partant joyeusement à la chasse, donc comme je vous le disais. Et la partie médiane appartient au monde des divinités astrales. Donc là on le voit bien, hein. comme l'indique déjà le signe zodiacal qui apparaît au centre de cet espace. Donc voilà. Donc là vous avez le taureau du mois d'avril. Voilà, qui est ici. Dans la partie médiane. Mais on verra des détails tout à l'heure, parce que bon, je dis que... <laughs> que mes reproductions sont dégueulasses, mais euh, j'en ai trouvé quand même des meilleures que ça, donc on va quand même pouvoir aller euh, voir ça dans le détail. Donc on est euh, le taureau de, de... alors là les, les, la tutelle c'est Vénus et euh, le taureau hein, du mois d'avril. Donc mmh... La symbolique complexe et fantastique de ces figures a résisté jusqu'ici à toute tentative d'explication. Donc, le jusqu'ici, c'était jusqu'à euh, notre ami Warburg. Je démontrerai en élargissant le champ de mon observation en direction de l'Orient que ce sont là des éléments de représentation astrale du monde des dieux antiques qui survivent ici. En effet, il s'agit de rien d'autre que de symboles d'étoiles fixes qui, toutefois, ont totalement perdu la netteté de leur contour grec. Euh, au cours de leur migration séculaire, depuis la Grèce à travers l'Asie mineure, l'Égypte, la Mésopotamie, l'Arabie et l'Espagne. Donc euh, on parle des étoiles fixes, puisqu'à cette époque, on a encore une vision du monde avec un ciel d'étoiles fixes. On doit plus ou moins, le, je crois, le prototype de cette idée de ciel des étoiles fixes à Aratus dans son nom latin en fait c'est Aratos de Soles qui était un poète grec du euh, 3e siècle avant l'ère chrétienne donc euh, antique quoi et euh, à travers une œuvre surtout euh, la seule qu'on possède de lui qui s'appelle les phénomènes c'est un long poème sur l'astronomie c'est tout ce qu'on a de lui alors c'est composé je crois en deux grandes parties la première euh, montre euh, pour l'essentiel, euh, les idées d'un astronome qui était contemporain de Platon, qui s'appelait Eudox de Cnide. Donc, c'est un travail qu'il avait fait sur les constellations, euh, leur position euh, les unes par rapport aux autres, leur position respective, <coughs> avec des commentaires et des nominations qui vont rester dans le temps. Le nom des étoiles vont rester les mêmes, euh, pour Ptolémée, par exemple, que ce qui avait été énoncé par Aratos de Solès. Et les astronomes, les, pardon, les astronomes arabes qui vont suivre vont aussi inscrire ces noms désormais dans la tradition. Donc le ciel des étoiles fixes va garder ces noms-là. Euh, Aratos de Soleil a aussi écrit sur les météorologiques. Ce n'est pas le seul, il hein, y a un volume d'Aristote aussi qui s'appelle comme ça, cest les signes de prédiction, les météorologiques. Et là, pour ça, il n'a pas puisé dans la même source. Il a été chercher ça chez Théophraste. Théophraste, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'était un élève d'Aristote, assez célèbre pour un boulot euh, surtout de naturaliste et pour un traité de rhétorique. Euh, et sur le texte d'Aratos, de Solès, il y a beaucoup, beaucoup de glosses qui vont suivre. Pendant des siècles, on va écrire sur lui, et notamment pour une raison euh, évidente, c'est que ce sont généralement sur ce type d'auteur qu'on écrit le plus, c'est un auteur très obscur. Donc autant dire que ça fait beaucoup, beaucoup gloser, parce que le texte est très curieux, difficile à pénétrer, euh, euh, assez complexe. On a euh, des traces assez anciennes des constellations d'Aratos, euh, euh, telles qu'elles étaient en, comment, citées dans les manuscrits par la suite, et notamment on possède un manuscrit carolingien quand même, donc euh, carolingien, euh, Charlemagne, 9e siècle, c'est ce qu'on appelle les Aratéas de l'Aide. Les euh, Aratéas de l'Aide, parce que les, bon, les traductions les plus célèbres, parmi les traductions les plus célèbres d'Aratos, il y en a une d'un certain Germanicus, dont je ne sais euh, pas grand-chose. Euh, et euh, c'est la traduction de Germanicus qui est présente dans euh, les Aratéas de l'Aide, donc, donc ce beau manuscrit carolingien dont je vous ai trouvé des images. Euh, mais D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer ça. Hein. Euh, je dois avoir ça quelque part. Alors. Voilà, c'est ça. Donc là, <laughs> c'est le texte. C'est euh, la traduction d'Aratos euh, par Germanicus avec des illustrations carolingiens. A... Des enluminures. <laughs> où l'on voit évidemment que l'art carolingien est encore très très, enfin, est très emprunt de références romaines. Picturalement, on est très loin de l'enluminure qu'on connaît si bien gothique, l'enluminure du 13 ou même des enluminures romanes du 11e, du 12e. C'est tout à fait autre chose. Ça, c'est les Germanicus de Leyde. Bois peut-être un coup. Oh, tu as raison, je vais boire un coup. Je vais faire ça. J'y pense pas et j'ai tort. Et je vais faire ça. Pendant que vous regardez ces très belles choses, je ne peux pas vous mettre un, un petit diaporama qui tourne tout seul. Je peux appuyer sur la barre espace pour le suivant. Hop, voilà. Alors, question de glitch, On ne sait pas si Eudox de Knitz a essayé à l'élaboration d'un catalogue astronomique de son cru ou celui ou ceux auxquels il se référait. Alors, ça, il y, y a des, euh, dans le connaissable, il hein, y a aussi des limites. La question, euh, effectivement, est ju judicieuse. Hein, c'est qu'on connaît un point euh, de départ, mais c'est toujours un point de départ historique. C'est-à-dire le point de départ qu'on peut établir sur la cause connaissable. Mais effectivement, toute cause connaissable peut et supposée être précédée d'une autre cause, d'un autre texte, d'un autre chercheur. Et si, euh, si celui qui établit un texte ne cite pas ses sources, ce qui n'est pas forcément la coutume, hein, c'est même assez rarement la coutume, et bien on ne sait pas s'il est pionnier euh, de ses descriptions. On ne sait pas si Hésiode ou Hérodote doivent des choses à, à d'autres. On le sait quand on rencontre chez tel, après avoir lu tel ou tel auteur, euh, euh, des choses qu'on qu reconnaît d'autres. On reconnaît dans Plutarque les textes plus anciens, Xénophon, enfin des gens qu'il a, qu a, qu a lu et tripotés. Et là, effectivement, on peut savoir euh, quand on retrouve des textes... Euh, qu'on peut faire cohabiter, tu vois, par comparaison. Mais autrement, on dispose rarement du moyen de savoir quand on plonge aussi loin dans le passé si on est à la source ou pas, effectivement. Donc, je suis content d'avoir retrouvé autant d'images du Germanicus de l'aide. C'est quand même pas mal chouette, voilà. Donc c'était ça. Alors, euh, on va retourner au Palazzo euh, Schiffen, Bon, J'espère que je ne vous perds pas trop dans mes va-et-vient. Euh, bon. Vous pourrez y revenir évidemment en podcast. Hein. On parle de Renaissance carolingienne, non, nous dit Pierre, parce qu'il y a un retour de forme antique. Oui, il va y se passe énormément de choses. Dans la période carolingienne, il y a vraiment la constitution d'une espèce de pouvoir intellectuel avec des gens comme importants comme Alcuin ou Théodulf. On va même transformer la façon euh, de composer les textes plastiquement. On va inventer euh, une, un lettrage, une lettre propre, euh, donc la Caroline, à mettre en forme les textes. Et une volonté vraiment de réforme rigoureuse et des régulations finalement de, le, de la pensée, du savoir, de l'organisation de l'enseignement effectivement euh, euh, avec des références à l'Antique qui sont très très présentes. Comme il est impossible de donner une interprétation exhaustive de l'ensemble de la fresque dans le temps qui m'est imparti, je me limiterai à trois représentations de moi, et je me bornerai aussi à l'analyse iconologique pour l'essentiel des deux régions supérieures. Consacré aux dieux. Donc il ne va pas tellement s'intéresser au cadre qu'on pourrait dire plus temporel, celui des registres inférieurs qu'on voit ici, donc qui sont consacrés à la vie euh, de Borgo d'Este et euh, à la vie immédiate finalement euh, de la ville de, de Ferrara à ce moment-là. Il va s'intéresser à l'autre aspect, l'aspect supérieur, les deux registres supérieurs, donc plutôt mythologisants, dans les liens qui l'intéressent évidemment avec ce passé. Euh, ce passé astrologique. Je commencerai donc par la première représentation d'un mois, celle de Mars, selon la chronologie italienne ancienne, et l'ouvre le, sexe de année, le, le cycle de l'année, excusez-moi, que gouverne parmi les divinités Pallas, et parmi les signes du zodiaque, le bélier. Donc on va se plonger dans le mois de Mars, ce que je vais faire tout de suite, Hop. et je vous ai trouvé pas mal de trucs sur le Mars. Voilà. Que, ouais, c ce qui nous empêchera pas évidemment d'aller voir les euh, travées qui ne sont pas que n'a qu pas étudié euh, comment euh, Warburg pour tout ce que j'en ai trouvé donc lui il va s'arrêter à trois mois et nous on va essayer d'aller un peu plus loin au moins par le regard on va pas s'amuser à une expertise parce que de toute façon j'en suis foutrement incapable je vous l'ai dit l'astrologie n'est pas du tout mon domaine je suppose que ce n'était pas celui non plus de Warburg, mais qu'il a fait en sorte que ça le devienne. Donc, nous avons la partie supérieure un triomphe avec ici euh, des brodeuses, des tisseuses à droite. Ici, au centre, un triomphe tiré de, cheval, de chevaux blancs. Vous verrez qu'à chaque mois, ce sont des animaux différents qui vont euh, tirer le char. Ici, donc, le bélier. Donc à chaque fois la partie centrale, la partie médiane est ternaire, il y a trois figures qui composent l'allégorie. Et dessous, donc des jeunes hommes de cour. Il y en haut on voit des scènes de, de construction d'une grange. Vous verrez qu'on aura des, des détails là-dessus. Voilà. Donc si vous voulez, on peut, on peut regarder un petit peu le contenu, et ensuite on refera avec Warburg les détails. Donc là la partie inférieure, qui est assez chargée n'est pas très très clair je vais essayer d'éclaircir un peu euh, si c'est possible alors voilà on va y voir un peu plus clair avec ça voilà on voit mieux hein, comme ça voilà donc il y a une foule hein, de personnages qui habitent cet espace jusqu'à saturation de celui-ci le goût pour l'antique se manifeste aussi évidemment par la mise en place euh, de euh, qui sont entre le palais et la ruine, comme on aimait beaucoup le faire à cette époque. je crois qu'on a déjà regardé ensemble hein, des, des très belles compositions de Shima da coneliano Donc je suis assez assez fou et avec ce type de construction, la lisibilité de cet espace est rendue très très difficile par la cohabitation de plans euh, quasi contradictoires. Voilà ici qui s'enchassent les uns dans les autres d'une drôle de façon et qui permettent assez difficilement de lire ce qui ressortit au domaine des concrétions naturelles comme séparé des autres. Comme si une espèce d'architectonie générale combinait paysage et construit artefacts, construction humaine. ne pas présumer de qualité de non astrologue, non carton ancien de Warburg. Bah, il le dit lui-même, il est très modeste à, à cet égard. Donc là, on est dans un détail hein, du fameux... Vous voyez, là, on voit le registre en haut à gauche. Vous voyez, hein, donc cette construction. Et là, on se rapproche un peu pour y voir plus clair. Donc on a un point de, un point de fuite très bas. Ce qui donne un caractère évidemment assez euh, grandiose et monumental aux constructions. On est dessous. Le triomphe lui-même, la partie euh, supérieure. Les tisserandes. Donc là, c'est des métiers à tisser euh, à plat. C'est pas des métiers du de haut-liste, comme on dit. Mais de... Voilà. Donc là, je suppose qu'à gauche, c'est une brodeuse. Voilà, donc on revient à la, à la construction à proprement parler. On va rester concentré sur les deux régies supérieures puis c'est ceux qui l'intéressent. Je me retournerai ensuite vers la deuxième représentation, celle du mois d'avril que gouverne Vénus et le taureau, et enfin je prendrai le mois de juillet parce qu'une personnalité artistique moins affirmée, il laisse transparaître le programme théorique de la façon la plus nette. Nous tenterons ensuite, en élargissant notre horizon à Botticelli, de saisir le monde des dieux païens à Ferrara dans la perspective de l'histoire des styles comme un type transitoire entre le Moyen-Âge international et la Renaissance italienne. Mais avant de passer à l'analyse de l'anamnèse du monde des dieux païens, alors anamnèse, donc ce qui fait remonter la mémoire de quelque chose, hein, l'anamnèse du monde des dieux païens dans le palazzo di Schifanoria, il me faut encore tenter d'esquiver à grands traits les outils et la technique de l'astrologie antique. L'outil principal de l'astrologie, ce sont les noms des constellations, qui se rapportent aux deux catégories d'astres qui diffèrent par leur mouvement apparent. Les planètes, avec leur courir régulier et les étoiles fixes, qui apparaissent toujours dans la même position les unes par rapport aux autres, et dont l'image devient visible selon la position du Soleil à l'heure levée ou à l'heure couchée. C'est de ces conditions de visibilité et de la position réciproque des astres que l'astrologie, une véritable astrologie d'observation, faisait dépendre l'influence du monde des planètes sur la vie des hommes. A la fin du Moyen Âge, cependant, l'observation recula au profit d'un culte primitif du nom des astres, juste leur nom. Donc, avec un attachement, on pourrait dire, dans une distance du signe, où le signe s'est substitué finalement aux causes auxquelles il se référait. Au fond, l'astrologie n'est rien d'autre qu'un fétichisme des noms projetés vers l'avenir. Par exemple, si on était né en avril avec Vénus dans son ciel de naissance, on devait vivre conformément aux propriétés mythologiques de Vénus sous le signe de l'amour. Et des joies légères de l'existence. Et si on venait au monde sous le signe zodiacal du Bélier, on était destiné à devenir tisserand. La légendaire toison du Bélier en était la preuve. De même, ce mois serait particulièrement favorable à la conclusion d'affaires à propos de laine. Je suppose que c'est ce qui se joue dans le registre supérieur. Pendant des siècles et jusqu'à nos jours, des raisonnements erronés, pseudo-thématiques de ce genre ont fasciné les hommes. Les progrès de la mécanisation de l'astrologie conjecturale produisirent, pour répondre à des besoins pratiques, un manuel d'astrologie journalière illustré. Les planètes, qui n'offraient pas un choix assez diversifié pour les 360 jours que comptait alors l'année, finirent donc par céder complètement la place à une astrologie des étoiles fixes plus large. Salut Gabrielien Aujourd'hui encore, le ciel des étoiles fixes d'Aratos, auquel on vient de se référer pour un, à, un instant, hein, c'est l'outil premier de l'astrologie. Après que la rigueur de la science grecque ait réussi à faire des créatures passionnées, de l'imagination religieuse, des abstractions intellectuelles, c'est-à-dire des points mathématiques utilisables. Parce qu'évidemment, ces dieux ont perdu toute leur, euh, je dirais, leur, leur substance, leur puissance théophanique, ils ne sont plus que des noms. Et des organisations symboliques du monde. Euh, L'astrologie hellénistique ne trouvait pas dans ce fourmillement, déjà surabondant à nos yeux d'êtres humains, d'animaux et d'êtres fabuleux, une provision suffisante d'hiéroglyphes du destin pour ses prédictions quotidiennes, donc pour assigner à toutes les étoiles fixes hein, un matériel symbolique assez riche pour euh, tout simplement en rendre compte de façon claire et lisible. Vous imaginez ce qui résulterait comme foison absolument inutilisable s'il en, en avait été question de, de, de production d'images impossibles à manipuler. Il en ouais. résulta une tentative régressive à créer des formes nouvelles, véritablement polythéistes, qui, dès les premiers siècles de notre ère, donna naissance à une sphéra barbarica, sans doute composée en Asie mineure par un certain Teucros. J'ai trouvé quelque chose là-dessus. Euh, la sphéra barbaricate de Cross. Alors, je crois que j'ai chopé ça en lien d'ailleurs. Attendez. Je vais récupérer ça euh, dans le tiroir parce que c'est un objet un peu particulier. Voilà, le zodiaque antique est là. Voilà, il est là. Et on va regarder plutôt ça qui va être. Ici, voilà, la sphéra barbarica de tokros. Alors, pourquoi il est au plein de circonspection et pourquoi il prend autant de précautions pour en, en parler euh, Parce que tout simplement, nous ne possédons pas la barbarica, la sphéra pardon barbarica, euh, parce que tout simplement, elle a disparu. Donc, cette chose. Hein, que vous voyez là, cette espèce d'anaglyphe, cette chose en, en relief que vous voyez n'est pas elle-même. En fait, c'est un contre-type hein, qui a été réalisé à une, une certaine euh, période euh, avec un papier humide qui a été poussé dans les indentations euh, avec une brosse pour essayer d'avoir cette espèce euh, d'image qu'on qu a fait sécher à un certain moment. Euh, ben, ce contre-type existe, il a été photographié. Euh, et le matériel a, a euh, disparu, tout simplement. On ne possède plus cette chose-là. Donc on a que ces médiocre reproduction, ce, ce matériel pas très satisfaisant d'un point de vue visuel, mais qui vous montre au moins l'organisation concentrique, circulaire du dispositif, qui essaie de rendre compte donc, euh, de euh, la cohabitation, je pense, des euh, grandes figures. Euh, des constellations les unes par rapport aux autres donc il y a trois cercles concentrés que vous voyez là avec des signes hein, de division hein, les uns par rapport aux autres donc il y a un des signes qui contient euh, le ode, roche donc les, les, douze, euh, <laughs> les douze dieux euh, et au voilà ah, je suis désolé pour le manque de lisibilité, mais on n'aura pas beaucoup mieux. Alors ça, c'est la Sphéra Barbarica euh, te cross. de Tocros. Il ne s'agit de rien d'autre que d'une un, description du ciel des étoiles fixes, enrichie des noms des astres égyptiens, babyloniens et d'Asie mineure, qui dépasse presque du tiers le catalogue d'Aratos. Donc on, on explose. Euh, comment le. La, la, le système d'Aratos. Franz Boll l'a reconstitué avec une finesse géniale dans sa sphéra en 1903. Et ce qui est de la plus grande importance pour la science moderne de l'art, il a retracé les étapes principales de son voyage. Euh, Warburg dit on dirait un conte de fées. Donc au Franz Boll, il euh, n'y a pas de tréma, donc ça doit se dire Boll et pas Beul. Hein. C'est un, un théologien, un, un évangéliste luthérien qui a été historien euh, en Allemagne euh, au 19e siècle. Il est né au début du 19e siècle. Et sa vie est comme un conte de fées, donc, nous dit Warburg. Partie vers l'Orient et revenue en Europe, elle a abouti par exemple cette vie dans un petit livre illustré de gravure sur bois, où se trouve effectivement conservé un calendrier astrologique journalier d'Asie mineure, l'Astrolabium Magnum édité par l'érudit allemand Engel et imprimé pour la première fois par Rathold à Augsburg en 1485. Mais en fait, l'auteur est un Italien connu dans le monde entier, Pietro D'Abbano, le fauste padouin du XIVe siècle, contemporain de Dante et de, Giono, de, de Giotto, pas de Giotto du tout. Donc, cette chose en question... Alors, ça c'est le Zodiac d'Arc dessous est-ce que j'ai autre chose là dessus je vais regarder dans mes images si j'ai d'autres images possibles pour vous montrer ça hop donc ça c'est le Bianchini est ce que j'ai mieux ça c'est le Zodiac da et ça c'est le bianchini. Donc on va devoir se satisfaire de ce qu'on regarde, je n'ai vraiment pas grand chose de, de plus excitant. Je ne crois pas qu'on puisse se plonger vraiment mieux dans le... Attendez. Hop. Alors, ouais, on n'est pas vraiment plus dans le détail. Hein. Donc l'astrolabium magnum, par contre, j'ai quelque chose. Alors, où est-il Ça, j'ai normalement. Ça, c'est encore le Bianchini. Donc non, non. Jermannicus, on l'a déjà vu. Ça, on a déjà vu aussi. Ça, c'est les trois grâces, ça n'a rien à voir. Voilà, Pietro d'Albano, on y est, c'est ça. Ok. Voilà. Donc, on récapitule. Je répète, donc il revient avec un petit livre illustré de gravure sur bois où se trouve conservé le calendrier astrologique euh, journalier d'Asie mineure, l'astrolabium magnum. Donc l'auteur de ceci est Pietro d'Albano. Euh, alors là, je peux vous montrer quelques petits extraits. Voilà. Là, on est tout à fait dans autre chose. C'est ce fameux Astrolabium Magnum. J'ai quelques images qui en sont tirées. Là, on arrive à un régime assez complexe hein, d'organisation symbolique. Alors, les enluminures sont de très bonne qualité. Ah bah oui, on est complètement dans le sujet. Hein Avec à 71 ce qui est très probablement un bot. C'est peut-être un bot de chair, mais c'est un bot quand même. Voilà. On retrouve des configurations en registre. Vous voyez, il y a une espèce d'organisation comme ça par couche horizontale, avec un degré de symbolisation de plus en plus affiné et qui va vers une réorganisation. Les signes que vous voyez en bas, vous les reconnaissez peut-être ils sont associés aux signes du zodiaque encore aujourd'hui. Hein. Tous les signes là qui font les, les contours des figures. La sphéra barbarica de Teucros, celle qu'on voyait tout à l'heure, l'anaglyphe de Pierre, hein, s'est perpétuée dans une autre division, qui correspond ici au texte grec conservé. La division en décans, c'est-à-dire en tiers de mois, comprenant chacun 10 degrés du signe zodiacal. Et ce type fut transmis à l'Occident médiéval par le répertoire astrologique et les lapidaires, donc euh, Pierre taillées, hein, des Arabes. Ce, donc c'est ceci. Participe. Alors, il y en a quelques-uns, on peut continuer à regarder ces belles choses, puisque ce serait dommage de se priver d'une aussi jolie iconographie. Évidemment, la photo a beaucoup de difficultés à, à faire quelque chose de l'or qui brille tellement <laughs> que ça rend les choses un peu compliquées. Et la référence arabe dont il parle, c'est ça. Euh, je vais vous montrer, j'en ai une là, voilà, c'est ça. Bon, je suis désolé, c'est vraiment de sale, sale qualité, c'est extrait d'un traité d'astrologie Abou Machar. Alors, je prononce son nom atrocement mal. Euh, on a vu, euh, alors, qui sait, donc c'est lui qui a écrit, euh, ce Abou Machar qui a écrit euh, l'introduction majus, la grande introduction. C'est un, un arabe du 9e siècle, c'est un des premiers euh, astrologues musulmans. Euh, qui s'est mis assez tard dans sa vie, alors que c'est déjà un homme mûr, hein, et c'est un type assez euh, enfin, hanté par des visions apocalyptiques, mais euh, conjecturales, c'est-à-dire que c'est euh, à travers les astres hein, qu'il lit euh, l'organisation du dernier euh, plan euh, de, de la fin des temps. Son nom, le rencontre sous une graphie euh, européanisée, Albumazar, A-L-B-U-M-A-S-A-R, hein, mais. Euh, sa prononciation arabe, je peux pas vous la faire, je sais pas. Il est né dans une région qui correspond à peu près à l'actuel Afghanistan et euh, il est parti vivre et exercer ses talents euh, à Bagdad. Donc comme souvent, on n'a pas grand-chose de lui mais il y a beaucoup de commentaires sur son œuvre, hein. on peut considérer d'une manière euh, ou d'une autre que le travail euh, de euh, d'Alban Damano est une forme de commentaire hein, qui vient s'enchasser comme ça dans cette tradition arabe. Euh... Ainsi, la grande introduction, bah c'est ce dont je vous parlais à l'instant, hein, l'introductionum majus de Abu Maasar, qui est mort en 886. Bon voilà, il est plus précis que moi, euh, Warburg. La principale autorité de l'astrologie médiévale contient un triple synopsis de ciel d'étoiles fixes. Apparemment tout à fait différents les uns des autres, appartenant à des nationalités distinctes, mais dont l'examen scientifique plus précis révèle qu'ils ne sont constitués qu'à partir du fond de cette sphaira grecque, donc qui serait la source quoi, de Grosse, enrichie par des apports barbares. Et dans cette œuvre de Abou Massar, justement, on peut suivre encore une fois ses pérégrinations aventureuses jusqu'à Pietodaban. Donc, euh, on est en train de parler de Franz Boll, hein, de sa vie euh, <coughs> qui traque euh, des objets archéologiques. Euh, Partie d'Asie mineure pour arriver en Inde, en passant par l'Égypte, la sphère aboutit, sans doute via la Perse, dans cette introduction Magius d'Abu Mazar, qui fut ensuite traduit en hébreu par un juif d'Espagne, Aben Esra, qui, lui, est mort au XIIe siècle, hein, en 1167. Donc, ça voyage beaucoup, cet objet, et cette... ou au moins, euh, comment dire euh... La, la prise en note de sa construction, son commentaire, etc. En 1272, cette version hébraïque fut alors traduite en français à Malines, donc en Malines c'est en Belgique, euh, pour l'anglais Hugo Bates, euh, je ne sais pas qui c'est, hein, j'ai trouvé la mention d'un certain Hugo Bates que par, euh, que par Warburg traduit par l'érudit juif hagins que je ne connais pas non plus. Et cette version française servit enfin de base à un texte latin de Plato d'abano qui est établi en 1293, donc 13e siècle. Enfin, à la, à la fin du 13e. Il fut réimprimé plusieurs fois, donc les trucs que je vous montrais à l'instant, hein, notamment à Venise en 1507. Hein, on parle de ces choses-là, Attendez, hop, que je vous montrais à l'instant. On va y revenir, puisque c'est quand même très très beau. Voilà, ces trucs-là. Les lapidaires, qui enseignent l'influence magique des constellations des canals sur certaines sortes de pierres, sont arrivés aussi en Espagne en suivant le même itinéraire, Inde, Arabie. On sait que vers 1260, la philosophie hellénistique de la nature connut un singulier renouveau à Tolède, à la cour d'Alphonse le Sage. Donc, la philosophie hellénistique, hein, c'est un fil hellénisme tardif, hein, donc qui se reporte sans cesse comme modèle à une certaine idéalité de la Grèce antique. Les auteurs grecs, qui devaient faire de l'astrologie alexandrine hermético thérapeutique ou prophétique un funeste bien commun de toute l'Europe, ressuscitèrent, traduits en arabe, dans des manuscrits espagnols illustrés. Bonne nuit, Donio. Toutefois, Ball, donc Franz Ball, n'a pas encore inclus dans le champ de ses études l'astrolabe de Pietro Dabano, dans son édition la plus monumentale. Les murs du Salone de Padoue, Padova donc, c'est aussi dans le nord de l'Italie, hein. mais euh, je crois que c'est en Vénétie, hein, c'est plus, plus à l'est. On l'air de grandes pages in-folio, si on peut dire, tirées d'un calendrier de prédictions astrologiques jordanières inspiré d'Abano dans l'esprit de la sphère Barbarica. Alors, qu'est-ce que c'est que ce salon Je vous en ai trouvé des photos, c'est très beau. C'est ça. Le salon de Padoue. C'est un truc assez dingue, c'est cette immense chose. Voilà à quoi ça ressemble. Alors on voit que c'est démesuré, hein, le. Et regardez-moi ça. Donc là on retrouve hein, sur les côtés, vous voyez ces figures -là, latérales, <coughs> une figure zodiacale. Et on voit effectivement euh, une construction comme ça, cellulaire, sur plusieurs registres, dans cet immense espace. Alors, je vous en ai trouvé d'autres, des photos. Alors voilà, c'est là. Vous allez voir, c'est assez dingue. Voilà, donc ça c'est le bâtiment extérieur. Là, c'est une des tribunes extérieur qui conduit vers le salon. Donc c'est dans le, le, le palais lui-même. S'appelle le Palazzo della Ragione, le palais de la raison. Attends, est-ce que je dirais pas une connerie Est-ce que c'est pas juste le palais régional eh Bah ben dis donc, j'ai un trou. Oh, On sur moi. Écoutez, côté, je vais pas vous dire de bêtises. Euh... Merde, Ragione, raison ou région trou. Écoutez, hein, s'il y a un, un italophone plus brillant là qui... Euh, ouais. Donc voilà à quoi ça ressemble euh, à l'intérieur, c'est extrêmement complexe. Il y a des régimes de, de représentation assez différents les uns des autres, donc qui cohabitent de façon cellulaire, comme autant d'opérateurs qui, en cohabitant, construisent hein, une espèce de parcours intellectuel et symbolique. Il n'y a pas grand monde. Encore une maison de culture. On expose des bidons. On nous dit c'est vrai. Ça nous rappelle beaucoup de lieux singulièrement vides. Regardez-moi cette chose incroyable. Et voilà, un des murs. Et je crois qu'on peut piquer un peu du détail parce que dans mes souvenirs, l'image est, est pas mal neutre. Allez, on va aller voir un peu plus près tout ça. Donc là, on est dans la partie supérieure, les trois derniers registres. Donc là, le caractère euh, comment, euh, zodiacal de cette figure et hermétique euh, ne vous échappe pas. Tout ça se construit comme de, de complexes tissus allégoriques. On retrouve une image de char. Plus ésotérique que les grandes figurations de, un peu triomphales, comme ça, de mise en scène à l'antique, hein, qu'on verra chez Montegna ou, euh, ou au Palazzo Schifanoia. Il bon, y a une percussion constante avec l'iconographie chrétienne, donc, ce qui rend encore plus euh, imbriqué finalement le tissu des références. Là-haut, par exemple, on a cette étrange chose. Un chien sans tête. A-t-elle sauté Oui, elle a sauté. D'accord. C'est pas. Je m'attends à tout hein, en matière de symbolique, ni connaissant rien. J'imagine que tout est possible. Ah, C'est très drôle. Du coup, ça fait une consécution assez étrange entre les deux. Mais visiblement, non, la peinture a sauté. Et plus bas, donc des grandes figures. Donc là, vous avez le lion de Saint-Marc, une figure vraiment complètement chrétienne pour le coup du, du tétramorphe, mais qui par la simple cohabitation avec des figures appartenant à un autre domaine vient comme teinter du coup d'autres possibilités de sens. Alors, ça vient faire un étrange jeu comme ça de capillarité entre les domaines de référence. Donc, des pères de l'église. Dominique. À côté de Jérôme. D'accord, il y a plein de saints. Un saint évêque, alors pour savoir qui c'est, c'est compliqué. Hein. Là, voilà, sans le contexte, je ne vais pas vous raconter de sottises. Voilà, donc là, vous avez un bel aperçu de ce salon qui est quand même extraordinaire. Un chien sans tête, oui, ça me plaît beaucoup, Suze, cette idée. Alors, on en était là. Alors, le salon, le salon, le salon, réimprimé, à Tata Tatata, Venise, les Lapidaires, Constellation des Canals, on sait que 20, la philosophie mystique. Alors, où on en a? Où est-ce qu'il parlait de ça? Ah mais j'avais sauté un passage. Excusez-moi, j'ai souhaité un petit bout. On sait, ouais, on sait que vers 1260, la philosophie hellénistique de la nature connut un singulier renouveau à Tolède. <laughs> à Tolède, donc à la cour de Alphonse le Sage, dit-il. Ça, c'était avant le salon de Padoue. Donc, le, ce salon, il est. Euh, comment. Euh, C'est des fresques qui ont été réalisées au 15e, un peu dans une dans un état, pas, pas d'urgence, mais en tout cas, sachez qu'avant, il y avait d'autres cycles de fresques à cet endroit-là. Et le salon avait été entièrement peint à fresques par euh, Giotto, dit-on. Hein. Euh, je ne dis pas qu'il y ait la certitude, mais c'est un, un lieu où, où euh, le Giotto et les Giottesques ont beaucoup s'exercer. Hein. Il y a des choses magnifiques de Giusto di Menaboy euh, dans le coin. Donc, des fresques d'origine euh, là-bas ont été brûlées par un incendie. Donc on a lancé un grand cycle comme ça de, de, de nouvelles fresques sur le thème astrologique et le programme a été directement euh, construit par euh, Pietro d'abano. Euh, quant à Alphonse le Sage, si vous ne savez pas qui c'est, par ailleurs, hein, dont il est question là, oui, à la cour d'Alphonse le Sage à, à Tolède, c'était euh, Alphonse euh, X. C'était un, on est au XIIIe siècle, oui, c'est ce qu'il dit, XIIIe siècle, et c'était euh, un puissant espagnol qui était le fils du roi Ferdinand III. À l'époque, la Castille et le Léon, donc la enfin, Nantrois, bah, euh, comment était le gouverneur, et gouvernait ces régions-là, étaient sous l'autorité du Saint-Empire germanique. Maintenant, vous savez très bien de quoi il s'agit, puisqu'on a longuement parlé ensemble des Guelphs et des Gibelins, donc vous comprenez ce que ça veut dire. Et la grand-mère de notre ami euh, Alphonse était elle-même une Hohenstaufen. Donc, c'est une période très euh, agitée, la période hein, d'Alphonse Le Sache, puisque c'est un. Si on est au XIIIe siècle, c'est la fin de la Reconquista, ça veut dire que toute l'Espagne est agitée, enfin, une bonne partie de l'Espagne du Sud est encore agitée de violentes, de violentes scènes de combat contre les Arabes, puisqu'il s'agit de reconquérir toute la péninsule à ce moment-là. Donc, sachez que ce n'est pas seulement un, un prince, c'est aussi un littérateur et un compositeur, notre Alphonse le Sage. Voilà pourquoi on l'appelle le Sage. Les auteurs grecs, qui devaient faire de l'astrologie alexandrine, hermético-thérapeutique ou prophétique un funeste bien commun de toute l'Europe, ressuscitèrent, traduits en arabe, dans des manuscrits espagnols illustrés. Voilà, cette précédente phrase que j'avais n'avais euh, pas traduite, euh, pas, pas lue, pardon. Voilà. Euh, donc, les murs du Salon de Padoue ont l'air de grandes pages in folio. Bah, C'est normal, puisqu'elles sont tirées directement d'un programme de Pietro d'abano me réservant d'expliquer dans un essai ultérieur sur le plan artistique et de manière scientifique ce monument unique en son genre, donc le truc qu'on vient de regarder là, je me contenterai ici de commenter une page de l'Astrolabe qui nous conduira enfin aux fresques de Ferrar. Alors, il va commenter une page de l'Astrolabe et je ne sais pas si je l'ai par contre. Alors, on va voir ce que j'ai de l'Astrolabe et j'espère qu'on a celle dont il parle. Dans la moitié inférieure, on voit en bas deux petits personnages insérés dans un schéma d'horoscope. Bon, là, c'est tout le temps le cas. Un homme tenant une faucille et une arbalète. Alors, est-ce qu'on a ça Ah, on l'a pas, on dirait. Ah, je suis déçu. Bon, bah, on n'a que ça et on n'a pas celle dont il parle. Bon, écoutez, on va devoir se figurer de quoi il nous parle. Alors, une faucille et une arbalète. Il doit apparaître au premier degré du bélier. Ce n'est autre que Percé. Qui effectivement se lève en même temps que le bélier et dont la harpée est devenue une faucille. Au-dessus, on peut lire ces mots en latin Au premier degré du bélier se lève un homme qui tient dans sa main droite une faucille et dans la gauche une arbalète. Donc il y a un côté paraphrastique hein, entre l'image et, euh, et le texte. Les elfes et les gobelins Pour les guelfes et les gibelins Dis donc, Pierre A-t-on vraiment besoin de ça euh... Et au-dessous de cette prédiction, à l'intention des natifs du signe, tantôt il travaille, tantôt il part à la guerre. Rien de plus, par conséquent, qu'un plat fétichisme du nom relatif à l'avenir, dans ce qu'il nous expliquait tout à l'heure. Hein. Il y a disparition, en gros, des puissances souterraines qui travaillaient ces noms avant qu'ils ne deviennent de simples signes manipulés. Au-dessus d'eux, on voit trois personnages qui, dans le langage des astrologues, portent le nom des décans. Donc là, c'est pareil, on voit que la configuration de chaque page de l'astrolabe est la même. Donc là aussi, il y a trois personnages. Ce ne sont pas ceux dont nous parle euh, comment, à Warburg, parce que, hélas, je ne l'ai pas. Mais je, je chercherai, peut-être que je finirai par trouver ce truc. Ils sont répartis par groupe de trois. 36 en tout donc, entre les signes du zodiaque le système de cette répartition remonte à l'Égypte archaïque, même si la forme extérieure des symboles décanaux, le décan, hein, révèle clairement que derrière l'homme au bonnet et au sabre courbe, c'est encore Percé qui se dissimule. Ici, il gouverne en tant que prima facies, non seulement le premier degré du bélier, mais l'ensemble de ces dix premiers degrés. Il suit d'un coup d'œil sur le Percé authentiquement antique, du manuscrit Germanicus de l'Aide pour démontrer que le sabre courbe et le turban du premier des camps ont fidèlement perpétué la harpée et le bonnet phrygien de Perse. Alors, est-ce que dans le manuscrit Germanicus, je l'ai, moi, ça Ce serait bien que j'ai ça, qu'on ait au moins un élément de la comparaison. Alors, on était tout à l'heure dans le Germanicus. Oh, où est-il Alors, voyons, c'est là. Ah non, décidément, j'ai pas de chance. J'ai pas, pas chopé les celles dont parle Warburg. Alors, il n'est pas impossible que dans euh, quelques bibliothèques numérisées, on puisse trouver euh, des versions exhaustives de ces, ces trucs-là, mais euh, je les ai pas. Euh, j'ai fouiné, hein, mais euh, je les ai pas. Euh, on travaille encore un peu. Je pense que je vais voir ou même en, en posant la question à des amis historiens, ils ont. Euh, pour ceux qui ont des spécialités dans cette partie-là de, de l'Italie et de cette période, je suis persuadé de pouvoir mettre la main à ces quatre là-dessus. Mais bon, pour ce soir, on va se satisfaire des descriptions et des explications de Warburg. Euh, Mais sur une table astrologique en marbre qui date de l'époque romaine impériale, le célèbre planisphère de Bianchini, qui fut trouvé en 1705 sur l'Aventin et donné à l'Académie française par Francesco Bianchini. Mesurant 58 cm de côté, soit exactement deux pieds romains, et il est aujourd'hui au Louvre, les décans égyptiens apparaissent encore dans une stylisation authentiquement égyptienne. Le premier décan porte une hache à double tranchant, Et ça, on l'a, le Bianchini. Je l'ai chopé, c'est ça. Planisphère Bianchini, c'est ça. Hop. Voilà. Donc là... C'est juste des fragments. Je crois qu'il en existe une version euh, comment. Alors ça c'est Denrea, c'est un autre zodiaque. Est-ce que j'ai pas mieux J'ai peut-être mieux. Je vais regarder dans mon dossier si j'ai pas encore mieux. Ah bah attendez. J'ai un truc dans les euh, zodiaques antiques. Bianchini, Bianchini, Bianchini. Voilà, le voilà. Yeah Donc, on regardera les reports euh, tout à l'heure. Mais voilà à quoi ça ressemble dans la vraie vie, dans la pierre. Voilà, regardez ça. On pousse là, hop, la résolution. C'est bien parce qu'on a une image d'assez bonne qualité. Quoi, pouvoir suivre de quoi il nous parle. Donc, table astrologique en marbre hein, sur laquelle semble-t-il des dés ont été tirés si j'ai bien compris l'explication euh, du texte euh, un peu ésotérique que j'avais chopé euh, en ligne euh, où il y avait également euh, le comment c'est là où il y avait tout à l'heure la sfera barbarica euh, de Tucros et il euh, y avait une tentative de description de cet objet C'est bien là on est dans le détail Donc le premier décan porte une hache à double tranchant. Est-ce qu'on peut la voir cette hache à double tranchant Ce serait bien. Alors là c'est le Zodiac lui-même. C'est ça. Effectivement, on la voit. Ici. Voilà. La piété médiévale nous a même fidèlement conservé cette version-là du décan portant la hache à double tranchant. Le lapidaire destiné à Alphonse le Sage de Castille présente comme premier symbole des décanal du bélier un homme au teint foncé vêtu d'une courte robe ceinturée de sacrificateur et portant effectivement une hache à double tranchant. Ah oh, il y a un raid, autant pour moi. <laughs> Excusez-moi. Euh, bonsoir tout le monde et coucou le raid, le raid pardon. Je suis désolé. Euh, J'espère que vous allez bien. Vous venez d'où? Euh, de ma bah, Salut Vulgar Droit, bien, bienvenue à toi. On est plongé dans un texte de Abby Warburg, hein, euh, qui est consacré au Palazzo Schifanoia. Qui se trouve à Ferrare. Et euh, Warburg, il déplie la longue tradition euh, historique de comment, de l'astrologie antique qui a fécondé l'iconographie des peintres du XVe siècle dans l'environnement de Borgodeste, donc au nord de l'Italie, à la cour de Ferrare. Et pour éclairer, à cette époque-là, dans Warburg écrit ça au début euh, du XXe siècle, euh, euh, éclairer euh, le sens d'une série de fresques, d'une série de volets euh, consacrés, enfin de grandes travées euh, à fresques euh, consacrées. À des motifs euh, astrologiques qui étaient restés absolument imperméables aux historiens d'art avant que euh, Warburg ne se plonge dans la longue histoire de euh, l'iconographie euh, astrologique antique euh, jusqu'à la cour de Ferrar. Voilà, voilà. Bon, J'espère que je suis un peu clair, mais comme on est déjà dans les détails, et on est en train de regarder là le, le planisphérium de, de, de Bianchini qui se trouve au Louvre en essayant de retrouver les détails dont nous parlait euh, comment avis Warburg dans le texte. Et dont il a été fait d'ailleurs un report ici. Il est connu plus par son report d'ailleurs que, que, par, que par la pierre. Voilà, parce qu'il a beaucoup circulé. Alors le report est assez moche finalement, il me paraît moins lisible que la pierre. On a eu la chance d'avoir le matériel de base. Qu'est-ce que vous faisiez de beau chez Vulgar Droit Racontez-moi, les gens. Si vous ne connaissez pas la chaîne, euh, ici on parle d'art souvent, euh, d'histoire de l'art, de critique d'art, de théorie de l'art, et de beaucoup de bande dessinée, mais pas que. Ce soir, ça ne parle pas de bande dessinée, ça parle de tout à fait autre chose, mais on parle en fait toujours de bande dessinée, même si on parle de tout à fait autre chose sur cette chaîne. On y parle aussi copieusement de politique et de philosophie. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous laisse vous installer et euh, en tout cas merci d'être là. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne parce que j'ai aucun talent pour construire un programme possible à suivre. Donc ça, savoir ce que je vais faire sur la chaîne à l'avance, c'est un peu compliqué. vaut mieux compter sur les notifications. Vous avez enterré des déchets. Très bien. J'imagine que c'était <laughs> un, un potlatch politique. Vous avez euh, sacrifié euh, des, des corps euh, d'ennemis. Alors, où j'en étais sur le Bianchini Ah oui, sur la, la, la hache à double tranchant. Mais il faut attendre une troisième série de décans, celle de l'auteur arabe Abou Mazar, dont on a parlé tout à l'heure, hein, dont on a regardé l'enlumineur. Donc je vous la remonte pour qu'on soit, euh, qu soit devant. Hop. Alors voilà, on quitte le Germanicus. Où est Abu Mazar Hop là là, c'est... Là, il est là. Voilà. Pour retrouver enfin directement les figures énigmatiques du palazzo di Alors évidemment, je regrette que nous ne puissions pas avoir accès à la totalité du traité d'astrologie euh, euh, enluminé, parce qu'on euh, n'aura pas là non plus hein, les contrepoints euh, dont va nous parler le. comment. à euh, Bivarbourg à ce sujet. Alors on parlait d'actualité sur le droit de dissolution, soulèvement de la Terre. Ah oui Uh, stockage des déchets de stockamine et nucléaire versus génération future. D'accord. Vous parliez de, de la dissolution du soulèvement de la Terre. Ok. Enterrer des déchets sans y mettre d'armana, c'est quand même dommage Dissuse effectivement. C'est dommage, mais il y en a beaucoup qui pourraient rejoindre cette grande cuve à déchets. Dans le chapitre de sa grande introduction, donc c'est le titre hein, du traité, euh, d'Abou Mazar, hein. il donne un résumé synoptique, donc synoptique c'est qu'on peut confronter simultanément dans un même espace de constatation hein, comme les évangiles disent synoptiques, qu'on peut mettre côte à côte pour les comparer, de trois différents systèmes d'étoiles fixes le système arabe qui est en usage dans son pays celui de Ptolémée et enfin le système indien dans cette série de décans indiens, on a tout d'abord l'impression d'être entouré des fruits les plus authentiques de l'imagination orientale. Et comme toujours, pour dégager de sa gangue l'image grecque primitive, cette iconologie critique exige qu'on écarte sans cesse les couches inattendues d'apports incompréhensibles. Ainsi, un examen plus approfondi des décans indiens donne le résultat suivant, qui ne va pas nous surprendre. Des éléments secondaires, véritablement indiens, ont proliféré, recouvrant les symboles des astres qui étaient authentiquement grecs à l'origine. Car l'indien, Varamira, au 7e siècle, alors, Warburg le donne au 7e siècle, mais il semble plutôt que Varamira, qui, est, euh, qui était un mathématicien et un astronome euh, et un astrologue euh, indien, est plutôt né euh, vers 505 et mort à la fin du 6e, donc plutôt 6e que 7e siècle, il me semble. Et il, est, il a écrit des traités de ce qu'on appelait Yotisha. Je pense que je le prononce comme une merde, mais on va faire comme on peut, on va accepter l'idée. Et Yotisha, ce qui est une discipline spécifique à l'Inde, qui rassemble les mathématiques, l'astronomie et la divination. Euh, donc, euh, l'Indien Varamira, l'autorité dont Abou Massar s'inspire, sans le nommer, hein, je vous l'ai dit, il a grande difficulté hein, de savoir si on est, euh, tout à l'heure, bah, la question était posée par Glitch hein, sur la question de l'origine, euh, il ne nomme pas. Euh, Varamira, mais Abou Mazar s'inspire de Varamira et mentionne très justement dans son Brajataka, comme premier des camps du bélier, un homme portant une hache à double tranchant. Et il écrit ça il écrit, au premier décan apparaît un homme noir, effrayant aux yeux rouges, capable de protéger, portant autour des reins une étoffe blanche il brandit une hache. C'est un homme Dreskana, un homme des camps, qui est gouverné par Mars, enfin par Bauma. Shabu Mazhar, on peut lire quoi On peut lire les Indiens disent que dans ce décan se lève un homme aux yeux rouges, de statues élevée son courage est grand et ses sentiments généreux. Donc il brode hein, gentiment. Il paraphrase mais il ne nomme pas euh, sa source. Mais malgré tout, il dit que c'est les Indiens. Il porte une grande robe blanche serrée à la taille par une corde en guise de ceinture et il est courroucé. Se tient droit, surveille et observe. Les personnages concordent donc tout à fait avec la tradition, à une nuance près. Chez l'arabe, le décan a perdu sa hache, ne gardant que le vêtement ceinturé d'une corde, donc dans les, les images qui accompagnent son traité. Il y a quatre ans, je lus un texte d arabe d'Amoumazar dans la traduction allemande que Diroff a jointe au livre de Boll, donc Bol dont on parlait tout à l'heure, ce dont il faut lui être reconnaissant. Les personnages énigmatiques de Ferrar, si souvent et depuis tant d'années interrogés en vain, surgirent à mon esprit, et voici que l'un après l'autre, ils se révélèrent à moi comme ces décans indiens d'Abou Massar. Le premier personnage de la région médiane de la fresque du mois de mars dut se démasquer. Alors allons voir la région médiane de la fresque du mois de mars. On y retourne cette fois-ci à Skivanoia, août, mai, à mars. Hop, que voici. C'était bien le personnage noir, au regard stru scrutateur et courroucé, vêtu d'une robe serrée à la taille, dont il tient la ceinture de corde avec ostentation. Je crois que j'ai un gros plan sur ce personnage. Le voilà. Dès lors, on peut analyser, sans aucune ambiguïté, tout le système astral de la bande centrale. Par-dessus la couche inférieure du ciel grec des étoiles fixes était tout d'abord déposé le schéma égyptien du culte des décans. Celui-ci a été recouvert par la couche des transformations mythologiques indiennes, qui dut alors traverser le milieu arabe, sans doute en passant par la Perse. Après que la traduction héraïque fut venue brouiller les choses par un nouveau dépôt, le ciel grec des étoiles fixes, passant grâce à un intermédiaire français dans la traduction latine d'Abou Mazar par Pietro Dabano, déboucha. Dans la cosmologie monumentale du début de la Renaissance italienne. Et ce, justement, sous la forme de ces 36 figures énigmatiques de la partie médiane des fresques de Ferrare. Magique, non Voilà, vous avez suivi toute l'enquête. Hein Assez merveilleuse hein, pour ce passage. Maintenant, on va essayer de se retourner vers la partie supérieure. Alors, est-ce que j'ai un gros plan sur le triomphe de la partie supérieure Oui, le voilà où se déroule la procession des dieux. Donc, un peu endommagée, hein, la figure euh, qui est sur le trône est abîmée. Je me demande si elle n'est pas plus lisible, finalement, sur euh, des panneaux. Alors, les couleurs, hein, excusez-moi, hein, c'est cracra, mais euh, là encore, euh, les couleurs dans la reproduction, c'est un vrai problème, et ça la été. Voilà. Donc, la figure triomphante, elle-même, a un peu souffert. Hein. Plusieurs artistes de niveau très inégal ont collaboré à l'ensemble de la série de fresques. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une difficulté attributive. On va essayer de voir un petit peu ce, ce, comment dénouer ce fil de, de pictural dans l'école de Ferrare. Bon, c'est compliqué. Les peintres ne, ne signaient pas leurs pièces. Il n'était pas nécessaire de le faire. D'une manière générale, si si les artistes sont vite reconnus dans l'histoire de la peinture, hein, on demandait à des artistes du XIIIe siècle de traverser le pays pour aller peindre ici ou là, donc on reconnaissait leur talent, mais en fait, ils signaient assez rarement les œuvres. Hein. Alors, de temps en temps, l'un d'entre eux met son petit nom, euh, Philippe Olipi fait de site, euh, directement sur la peinture, mais la plupart du temps, on n'a pas ça. Hein, les, les tableaux, les œuvres de Miquelon, ils ne sont pas signés. » quoi. C'est euh, pour ça qu'on a besoin d'attributionnistes, on a besoin d'historiens de l'art la, qui, qui sachent faire ça, qui sachent faire ce que les artistes n'ont pas fait, signer leur tableau. Voilà. Fritz Arc et Adolfo Venturi. Ont accompli un difficile travail de pionnier dans le domaine de la critique stylistique. Et c'est aussi à Venturi que nous devons le seul document qui établisse Francesco Cossa comme l'auteur des trois premières représentations. Mars, avril, mai. Je crois que là-dessus, on est toujours d'accord. Hein, sur les attributions, c'est toujours Cossa qui est tenu pour l'auteur de, de ces trois volets. Pour les autres, c'est plus le bordel. Et par exemple, je crois qu'à l'époque de, de Warburg, il fait pratiquement aucun doute que Cosmetura a participé. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à écarter cette hypothèse. Une lettre autographe de celui-ci, datée du 25 mars 1470, riche d'informations et passionnante. Vous me croirez si vous voulez, mais j'ai retrouvé la lettre de, euh, Cosme, de Francesco Cossa. Alors, évidemment, euh, ce n'est pas de la grande qualité, mais c'est quand même assez émouvant. Donc, comme c'est émouvant, je vais vous la montrer. On va quand même passer en privé. Oh, ça, c'est le, le Deo room. Là, voilà. Très cher, je vous présente la lettre de la main de Francesco Cossa. <laughs> voilà, qui est l'auteur des trois premières représentations. En haut, sur un char solennel, tiré par des licornes, nous apercevons, endommagé certes, mais nettement reconnaissable, Pallas, la gorgone, sur la poitrine à... et la lance à la main. Donc elle a la gorgone sur la poitrine, Pallas, et elle a la lance à la main. Donc on était où déjà euh... Merde, quel mois on était Ça y est, j'ai oublié. Euh... Ah bah merde. Est-ce que vous vous souvenez de quel mois Est-ce que c'était pas Mars euh... Si, c'est ça. C'était Mars. Excusez-moi, je suis un peu dissipé des fois. Voilà. Pallas, sur son char, un peu abîmé, et qui a censément la gorgone sur la poitrine. Alors on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on la voit sur une des repros un peu quand même cette Gorgone sur sa poitrine Oh là là la repro dégueulasse de chez dégueulasse. Il n'y en a pas une qui va nous satisfaire, je crois. Hein. C'est vraiment trop crado. Là, ouais bah on n'aura pas mieux. Hein. Je suis vraiment désolé. Et la lance à la main. On voit la lance surgir juste au-dessus de l'éclat qui a sauté là, le grand éclat blanc. Sur la gauche. Mars, il n'y a même pas de lièvre. Euh, à gauche, on voit le groupe des disciples d'Athéna, donc médecins, poètes et juristes, ici. Qu'une enquête plus approfondie permettrait peut-être un jour d'identifier comme des membres de l'université de Ferrare à cette époque. À droite, en revanche, nous plongeons nos regards dans un petit ouvroir ferrare. Et là, par contre, j'ai une repro plus jolie. Voilà. Au premier plan, trois femmes en train de broder, derrière elles trois tisserandes à leur métier, entourées d'une troupe d'élégantes spectatrices. Cette société de dames, assises là, de façon apparencieux anodine, fournissait aux adeptes de l'astrologie la prédiction antique concernant les enfants du bélier. En gros, ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont faire, hein, dans quoi ils vont euh, s'effectuer. Celui qui est né en Mars, sous le signe du bélier, développera une habileté particulière dans le travail de la laine. Voici comment Manilius, dans son poème didactique consacré à l'astrologie, le seul document de quelque ampleur qu'on produit, qu'ait produit la littérature latine de la Rome impériale, euh, en poésie astrognostique célèbre le caractère psychologique et professionnel du natif du Bélier. Alors Manilius, vous savez peut-être pas qui c'est. Euh, c'est Marcus Manilius, c'est un poète, c'est un astrologue, hein, donc on, dont on va lire un petit texte. Euh, on connaît que ce texte, on ne sait pas grand chose de lui, on sait rien sur sa vie. On sait que c'est un Romain, on sait qu'il est d'origine berbère, mais c'est à peu près ce qu'on sait tout, je crois. Et euh, il écrit en, au tout début de l'ère chrétienne. Voilà. Donc c'est un poème, euh, le poème dont il est question, là, c'est un poème didactique. En euh, cinq volumes, c'est l'Astronomica, qui est très inspiré par Aratos, hein, par les phénomènes d'Aratos dont on a parlé tout à l'heure. Si vous savez pas ce qu'est un poème didactique, bah dites-vous que euh, c'est un poème hein, qui euh, contient une adresse spécifique, donc elle s'adresse à quelqu'un depuis une situation euh, ascendante, donc un professeur à un élève, et euh, qui, contrairement à la tradition euh, de la, la, la poésie euh, antique, qui voudrait plutôt qu'un genre poétique soit déterminé par sa métrique, plus, plutôt que par quoi que ce soit d'autre, qui est défini par sa métrique, cette forme-là est euh, définie par son contenu, ce qui, pour euh, certains auteurs, d'ailleurs, l'exclut euh, du monde de la poésie à, à cette période. Et le, si vous, le, le prototype même de la forme poétique du poème didactique, donc tourné vers l'enseignement de toutes les disciplines, bah, c'est les travaux et les jours de Hésiode. Voilà, donc euh, Hésiode, je vous en ai déjà souvent euh, parlé. Voilà le texte. Et son métier est de travailler la laine et de mille façons diverses. Tantôt de peloter la laine brute, tantôt au contraire de l'effilocher, tantôt de la filer, tantôt de manier le métier à tisser, tantôt d'acheter et de vendre divers vêtements en vue d'un bénéfice. La parfaite concordance avec le poème de Manilius n'est pas fortuite. Ce qui avait complètement échappé à la recherche jusqu'à présent. Depuis 1416, le poème astrologique de Manilius faisait partie des classiques redécouverts par les érudits humanistes italiens qui leur avaient redonné vie avec amour et avec enthousiasme. Dans un passage célèbre, il présente par ailleurs les divinités tutélaires des mois en ces termes. Donc là, on va avoir une espèce d'illustration euh, euh, précise de cette grammaire euh, symbolique. Pallas gouverne le bélier, Vénus le taureau, Apollon les gémeaux, la Lune le cancer, Jupiter euh, lui-même, avec la mère du roi des dieux le lion, euh, la vierge fertile appartient à Cérès et la balance industrieuse Vulcain. Le scorpion belliqueux est attaché à Mars, Diane protège le chasseur, mi-homme mi-cheval, donc le Sagittaire, mais Vesta, le ciel inquiet du Capricorne, tandis que le Verseau, et la constellation de Jupiter et de Junon, et Neptune reconnaît ses poissons dans la mer. C'est absolument à la lettre que les sept triomphes des dieux existants, comme nous le verrons de plus près sur un autre exemple par la suite, correspondent à cette énumération qui, par ailleurs, n'est attestée chez aucun autre auteur. Donc là, on peut dire qu'il y a quasiment... À ce degré près, pas de doute. Parce que sachez simplement que si vous vous exercez à cette recherche en supposant qu'il y a une espèce de règle inscrite qui ferait une coïncidence parfaite entre euh, un mois, un dieu, un signe, de façon écrite, déjà les signes sont en décalage hein, avec euh, les, le calendrier de 12 mois, euh, et en fait cette attribution n'existe pas comme règle, euh, comment euh, on pourrait dire, euh, doctrinale. quoi si vous cherchez, vous allez trouver plein de propositions. Ce qui veut dire que si cette proposition-là, sur les fresques du Palazzo Schifanoia, est à ce point une réplique de euh, celle qu'on peut trouver dans le manuscrit de Manilius, dans son poème didactique, dans son astronomica, alors on peut en déduire, à coup sûr, que euh, c'est bien la matrice intellectuelle et structurelle qui a servi pour faire les fresques. Palace protège Mars, le mois de bélier. Euh, Vénus le Taureau et le mois d'avril, Apollon les Gémeaux et le mois de mai, Mercure le Cancer et le mois de juin, Jupiter et Cybèle ensemble, une alliance tout à fait caractéristique qu'on qu retrouve nulle part ailleurs. Euh, le Lion et le mois de juillet, Cérès la Vierge et le mois d'août et Vulcain la Balance qui correspond au mois de septembre. Donc là on en a quelques extraits. On les regardera par ailleurs hein, parce que Warburg ne va pas s'attarder sur tous. Il n'y a donc plus lieu de s'interroger sur les sources littéraires de l'esquisse conceptuelle de ce, tout ce cycle d'images. En bas, dans la demi-obscurité de ce royaume intermédiaire, règnent les démons astro-hellénistiques, sous un déguisement international et médiéval. En haut, le poète latin vient au secours des dieux païens qui cherchent à reprendre possession de leur atmosphère traditionnelle, plus élevée, celle de l'Olympe grec. Bon, considérons à présent le mois d'avril. On va aller voir le mois d'avril. Donc là, ça va être le taureau, hein, si vous avez bien retenu. Que voici Que gouverne le taureau Et donc le taureau, vous vous souvenez dans l'énumération qui vient d'être faite, c'est Vénus. Vénus descend le fleuve sur son vaisseau tiré par des cygnes, dont la tenture flotte gaiement au vent. Elle ne révèle pas le style grec par son aspect extérieur. Elle ne semble d'ailleurs, d'abord, se distinguer de la population des deux jardins d'amour, qui s'ébat à droite et à gauche de façon très profane, que par son costume, ses cheveux libres et sa couronne de roses. Donc on va regarder ça de plus près. Vous la voyez avec sa couronne de roses. Et l'autre groupe de jeunes gens, musiciens, ici. En haut, vous reconnaissez, en haut à droite, hein, le, le motif des trois grâces, que vous avez sans doute déjà rencontré ailleurs, parce qu'il est quand même assez fréquent dans, dans l'iconographie. J'ai peut-être une meilleure reproduction pour ce registre. Voilà, donc là on a un gros plan sur Vénus. Elle est tirée par des signes. Donc c'est une Vénus sur un fleuve, c'est un truc important. Vous connaissez bien sûr la Vénus à domaine de Botticelli. Donc il y a une association là. Qui vous fait penser à quelque chose de familier. Bien plus, si on considère seulement le groupe de Mars et de Vénus sur leur char, le troubadour, donc Mars qui est là agenouillé hein, devant Vénus, le troubadour chargé de chaînes qui se jette. Ah non Quand ben Si, c'est ça. Le troubadour chargé de chaînes qui se jette au pied de sa maîtresse avec un air tellement langoureux évoque une atmosphère du nord à la Lohengrin, telle qu'elle s'exprime par exemple dans la miniature néerlandaise qui illustre l'histoire légendaire de la maison de Clèves. Alors, je n'ai pas trouvé à la bibliothèque nationale, je suis désolé, euh, de Munich le l'enluminure du Chevalier au Cygne, que euh, ici. Euh, la, la cote qui est donnée par Warburg c'est GAL19 mais le problème c'est que les cotes ça bouge et euh, c'est tout à fait exaspérant mais il y a des vieilles cotes qui ont bougé et qui font que des fois vous ne retrouvez pas un manuscrit dans un vieux bouquin parce qu'on a changé le, nom, le numéro de cote et euh, c'est la merde, voilà, et moi j'ai pas trouvé le, 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 le comment le, le Green hein, euh, euh, comment euh, à cet endroit là j'en suis vraiment euh, désolé alors, Lowen Green, si vous ne savez pas qui c'est, parce que c'est un, un, important hein, pour comprendre ce qu'on qu regarde euh, d'ailleurs, parce que Lowen Green, si vous ne le savez pas, c'est euh, celui qu'on appelle aussi le chevalier au cygne c'est un, un personnage de la légende arthurienne. Euh, qu'on retrouve euh, dans la version euh, germanique, dans la littérature médiévale germanique, dans le Parsifal, par exemple, donc Perceval. Euh, et on voit apparaître le chevalier au signe, enfin, c'est quasiment la même chose, hein, euh, donc le fils de Perceval, dans un bouquin d'un certain Wolfram euh, d'Eschenbach ou von euh, Eschenbach un manuscrit du XIIIe siècle. Et là, donc, le manuscrit dont, euh, dont il est question, hélas, je n'ai pas trouvé... Euh, Est-ce que j'ai trouvé quelque chose d'équivalent Je ne suis pas sûr... Euh, je vérifie, j'ai bien fouiné, mais dans mes souvenirs, j'ai pas ça. Non. Ouais, c'est ça. Ça devrait être là, et comme c'est pas là, moi, c'est pas la peine de compter dessus. Donc, euh, c'est pas grave. Euh, Dites-vous simplement que voilà, par exemple, je vais vous chercher trois grâces. Euh, ça, vous les reconnaissez hein, C'est celle de Raphaël. Je vais laisser là en attendant. Euh, donc, euh, contrepoint à ce qu'on voit là euh, dans le mois d'avril. Hein. Il serait tout à fait légitime de supposer de la sympathie pour cette mode spirituelle importée du Nord. Donc, pour retrouver hein, dans le mois d'avril euh, ce que l'on voit ici dans la partie supérieure, voilà, cette espèce de motif euh, d'amoureux transi. Effectivement, euh, sa cuirasse, son casque euh, et même le traitement un pictural font beaucoup penser à l'art du Nord. Alors, Glitch dit, ces deux signes sont Clitemnestre et Castor. Euh, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Malgré ça, Francesco Cossa a représenté Vénus selon le programme rigoureux de la mythographie latine savante. Albericus, dont on a déjà parlé, hein, fait figurer dans son livre de divinités à l'usage des peintres hein, le portrait suivant de Vénus que je peux vous montrer dans un manuscrit italien illustré. Alors là, nous on n'a pas l'image, c'est dommage. Le texte latin se traduit à peu près ainsi. Vénus occupe le cinquième rang des planètes. C'est pourquoi elle a été représentée en cinquième position. Vénus a été peinte comme la plus belle des vierges, nue et nageant dans la mer. Sa tête était ornée d'une couronne de roses blanches et rouges. Elle était accompagnée de colombes qui voltaient autour d'elle. Alors, est-ce qu'on voit des colombes volter autour d'elle Eh oui, on voit des colombes qui volaient autour d'elle, effectivement. Vulcain, le dieu du feu, grossier et repoussant, était son époux et se tenait à sa droite. Mais devant elle se tenaient trois petites vierges nues, que l'on appelait les trois grâces, et dont deux avaient le visage tourné vers nous, tandis que la troisième se montrait de dos. Ah, attendez, la Vénus, si, c'est un... J'ai un manuscrit euh, illustré du Albericus, je vais le chercher, je crois que j'ai ça. Euh, j'ai une série de dessins... Attends, je crois que c'est ça... Ouais, j'ai noté ça quelque part. Excusez-moi, je crois que j'ai ce qu'il faut. Merde. Je sais, j'y oui, ai. Où j'ai foutu ça. Ah, c'est énervant. Attendez, je vais feuilleter comme ça. Ça sera peut-être plus simple d'y voir clair. On va la trouver. Je crois que j'ai ça. Hein, la petite Vénus. Ça c'est celle de Botticelli. Là on a Hercole de Roberti. Ça c'est le rooms qu'on a vu tout à l'heure, l'Imagine Boost. Hop. Montaigne. non. Je suis sûr que j'ai trouvé ça. Je l'ai noté. C'est vexant. Je me suis fait chier à aller chercher ces trucs et euh, je les ai pas je les ai pas là. Bon mais écoutez, c'est très décevant. Et je les ai pas foutus dans le dossier euh, Skifanoia. Est-ce que je les aurais mis avec euh, le mois d'avril Non. Je ne les ai pas mises avec le mois d'avril. Bon, bah, écoutez, c'est vraiment décevant. Parce que je vous avais trouvé ça. Manuscrit italien illustré du Albericus, drôme du Vatican, Italie du Nord, 1400. Série de dessins, image 3. Mais putain, pourquoi j'ai pas là Ah, c'est exaspérant. C'est extrêmement vexant. Euh, Triomphe de Montaigne. Non, rien à voir. Skifanoyan non plus. Eh ben bah, non. Bah écoutez, je suis désolé. Ah. Quelle déception. Bon, c'est pas grave. Euh... Bon, regardons une fois encore l'Aphrodite de Cossa. La couronne de roses rouges et blanches, les colombes volant autour de la tête de la déesse qui passe sur l'eau. L'amour, représenté sur la ceinture de sa mère, menaçant de son arc et de ses flèches un couple d'amoureux. Et surtout, les trois grâces, qui ont sûrement été créées d'après un modèle artistique de l'Antiquité. Tout cela prouve qu'il y avait ici une volonté de reconstituer l'Antiquité avec authenticité. Alors cette question des trois grâces, si euh, par exemple vous allez euh, au comment au musée euh, à, au château de Condé à Chantilly, donc un musée assez assez extraordinaire, vous verrez les trois grâces de Raphaël que je vous ai montré euh, tout à l'heure et euh, elles ont été mises dans une pièce avec une copie de cette espèce de de matrice euh, plastique des trois grâces qui ont vraiment servi de, de modèle, c'est évident euh, à celle de celle de, de Raphaël. Alors vous en connaissez plein d'autres exemples. Par exemple, il y a celle-là qui est très très jolie, qui est au Musée de Louvre depuis pas très très longtemps, par ailleurs, hein, parce qu'ils en ont fait l'acquisition, si je me souviens bien, dans les années 10 euh, de 2000, là. donc ça fait quoi 13 ans, quoi, qu quelque chose comme ça, que c'est là. Donc le petit cranac, ça fait pas longtemps que vous pouvez l'admirer au Louvre. Donc il y a un prototype, une matrice, qui est dont une copie se trouve dans la salle du château de, de, de Condé, à Chantilly. Euh, où, ce, où il y a le, le petit Raphaël qu'on a, qu a vu juste avant. Quoi. Il suffit d'un peu de faculté d'abstraction pour reconnaître dans cette miniature française de la fin du XIVe siècle l'anadiomène d'Agbericus voyageant à travers la France médiévale. Donc la, la petite euh, anadiomène que j'ai. Putain, ça m'énerve tellement de ne pas la trouver. quoi. Ah J'étais tellement content d'avoir retrouvé ce dessin, on ne pouvait pas savoir. Et euh, là, c'est exaspérant. Bon. Je ne sais pas comment vous, vous faire partager mon, mon, ma déception de ne pas pouvoir vous montrer cette belle chose. Ça devrait être là. Voilà, juste à, après, euh, j'ai dû commettre une erreur au moment de la sauvegarde et puis foutre ça dans un coin ahurissant comme il peut m'arriver de le faire. Et voilà le résultat. En douille que je suis. Eh ben, tant pis. Voilà, je, je, suis, je suis bien puni par euh, mon, mon désordre. Je suis brouillon. Ah, les trois grâces, c'est euh, Wilbur et et Sindou. C'est ça que ça t'inspire, euh, Suze. Ah ben, bravo. Je ne te félicite pas pour ça. <laughs> Quelle honte. Hein. Ah, c'est brouillon. Non, chien. pas du tout, en fait. Hein. Les trois grâces, c'est euh, des filles de Bacchus, en fait. Hein. Euh, et de Vénus, enfin. Donc non, pas du tout. C'est Euphrosyne, Aglaé et euh... Dali. Voilà. Non mais où oh. <laughs> T'as pas honte La situation et les attributs sont clairs. Certes, l'amour est devenu un roi ailé. Alors on va regarder de plus près après ce qu'il nous décrit. Hein. Assis sur un trône, et la fille de l'écume a l'air d'avoir pêché dans son étang un canard plutôt qu'une coquille. Mais à part cela, on reconnaît des rudiments antiques parfaitement dépourvus d'ambiguïté. Des roses rouges flottent sur l'eau, trois colons volent dans les airs, et l'une des trois grâces tente même de prendre la position de rigueur en tournant le dos. Donc on va regarder tout ça de près. Voilà. Tout ce qui a été décrit. Les roses rouges qui flottent sur l'eau sont où Je les vois pas, moi. Vous voyez des roses rouges flotter sur l'eau, Bah, Abby, qu qu'est-ce qu que tu dis Ah, mais c'est peut-être dans le manuscrit d'Albericus, ceci dit, hein, dont il parle. Euh, alors, si c'est dans l'ovide moralisé, on est mal. Euh, je ne vais pas le trouver, quoi. C'est peut-être là-dedans, en fait, de, de, qu'il est en, en train d'évoquer ça. Et dans ce cas-là, je ne peux pas faire euh, grand-chose parce que je ne crois pas avoir le de moraliser. Non, effectivement, il n'est pas là. Alors là, ceci dit, j'ai ça. Qui est quand même dedans. Regardez. Là, on est dans l'Albericus. C'est une mauvaise repro. Euh, voilà, donc là on a les trois grâces, c'est moche, hein d'accord. On a Vénus dans l'Albericus, voilà, avec sa couronne de roses, hein. les trois grâces à l'avant-plan, vous voyez. Donc voilà, on a quand même un peu, une petite idée de la référence de base. Hein. On peut imaginer ce qui nous manque là comme iconographie, on va faire un peu, d'accord. Tournons-nous à présent vers les Olympiens en tant que démons astraux, tels qu'ils subsistent dans les calendriers de planètes. Considérons par exemple l'horoscope des enfants de Vénus sur la page d'un incuna bourguignon. Mais s'inspirant sans doute de modèles allemands qui datent de 1460 Et là, pareil, pas trouvé. Ici, pas d'atmosphère démonique, étrange ou inquiétante. La souveraine de Chypre, Vénus donc, née de l'écume, s'est convertie en patronne d'une joyeuse guinguette. Des petits couples d'amoureux se baignent ou badinent au son de la musique sur une prairie fleurie. Donc, c'est pas très éloigné par ailleurs de ce qu'on voit ici. Si on ne voyait pas une forme féminine nue flotter en haut dans les airs, sur des nuages, tenant un miroir dans la main droite et des fleurs dans la gauche, parmi tous ces signes zodiacaux, on ne prendrait pas les personnages d'en bas sur la terre pour ce qu'ils sont des scolies en images à usage astrologique illustrant les propriétés mythiques de la Vénus cosmique qui chaque année réveille dans la nature chez les humains la joie de vivre à Ferrare <coughs> excusez-moi euh, à Ferrare euh, Peut-être vous ne savez pas ce que c'est d'ailleurs une scolie, Je ne voulais pas de vie donc une scolie a priori c'est plutôt une figure textuelle hein c'est une, une, note, une note philologique si vous voulez donc euh, ces images ne sont pas vraiment des images mais les supports de ces notes voués à éclairer l'interprétation d'un texte savant. voilà. à euh, rare, comme les douze divinités de manilius occupent la région des étoiles mobiles l'astrologie des planètes cède la place à l'astrologie des décans. Malgré ça, on ne pourra s'empêcher de reconnaître que le jardin d'amour et les musiciens de la fraise de Cossa ont été inspirés par les enfants de Vénus de la tradition. Certes, le réalisme saisissant de Cossa, dont la Galeria Vaticana conserve un exemple incomparable, la prédelle ornée de scènes de la vie de saint Hyacinthe, l'emporte sur l'élément non esthétique de la composition littéraire, qui ressort d'autant plus nettement en revanche dans certaines représentations de moi du Palazzo di Schifanoia où la personnalité plus faible de l'artiste n'est pas capable de dépasser la sécheresse du programme en lui insufflant la vie. Alors là, il y a un truc bizarre. Il me semble qu'il y a une erreur de Warburg, mais peut-être qu'il n'avait pas tous les éléments en main. Il parle d'une prédelle, de la vie de Saint-Hyacinthe, et euh, il me semble euh, que cette chose... Alors peut-être qu'elle n'était pas attribuée euh, à l'époque à Cosa, ou plutôt qu'elle était attribuée à Cosa et, et elle ne l'est plus, euh, parce que la, la prédelle dont il parle dans la Galeria Vaticana... Euh, la seule prédelle de cette période, de cette région euh, dont il est question et, et à laquelle je puisse penser, c'est ça. Et c'est un immense malentendu parce que non seulement euh, c'est pas un Francesco del Cossa, voilà, c'est un Ercole de Roberti, donc un autre peintre de l'école de Effectivement, C'est effectivement une prédelle absolument dingue, vraiment sublime. Là, je vais vous montrer les détails. Euh, non seulement euh, c'est pas ça, enfin c'est pas euh, un, un Cossa. Oh, putain, un Laurent. Vas-y, vas-y, va sur l'image, voilà. On y va, c'est un Hercole de Roberti. Oui. Mais il se trouve que c'est pas euh, non plus euh, une vie de saint Jacinthe, de saint Jacinthe de Jacinto C'est une vie de euh, Saint-Vincenzo Ferrer, euh, Saint-Vincent Ferrier. Donc euh, on a un double problème euh, là de, euh, sur cette euh, magnifique prédelle. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une prédelle, une prédelle c'est la partie inférieure d'un polyptyque d'un grand tableau, donc c'est souvent euh, des illustrations qui vont en contrepoint de la partie centrale, pour l'éclairer, pour en changer le sens, pour le modifier, ce truc est merveilleux. Voilà. Donc, euh, bon, c'est, faut comprendre aussi que peut-être que la prédèle, euh, aussi, il y a un problème, je pense comprendre pourquoi le, le comment le, il y a un malentendu sur le Delcossa, c'est que ce truc-là, euh, cette magnifique euh, pièce regardez moi ça c'est dingue hein. ouais, c'est vraiment dingue ah là, 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 là. ça m'émerveille fait partie d'un polyptyque euh, qui lui est euh, comment euh est un, un politique de delcossa donc en gros euh, Hercole de Roberti n'a fait que l'après d'elle voilà Ceci explique cela, je pense. Au moins pour l'attribution. Par contre, que c'est soit perçu par Barbour comme une vie de San Giacinto, alors que c'est pas lui, ça, c'est plus bizarre, par exemple, tu vois. Parce que, donc, Saint Vincent, c'est Vincenzo Ferrer, Vincent Ferrier en, en, en français, c'est un saint tardif, hein. c'est un saint dominicain, qui est beaucoup. Dans le, dans le culte, c'est pas mal développé après sa mort. Euh, je ne connais pas euh, le, la géographie hein, de euh, San Jacinto donc peut-être qu'il y a des points de comparaison à faire il faut voir, bah, je n'ai pas cherché d'ailleurs euh, je vais chercher comme ça on va voir s'il y a des, des rapports entre la vie de San Jacinto hein, euh, et puis euh, celle de San Vincenzo euh, Ferrer hein, tout simplement comme ça on, on saura si c'est la même période, par exemple, tout simplement. Alors, Saint-Hyacinthe. L'article n'existe pas. Oui, mais on s'en fout. Euh... Alors, la ville. Je, veux... je m'en fous de la ville. C'est pas ce que je veux. Alors, comté Saint-Hyacinthe, circonscription France, Canada, personnalité, voilà. Thémisole de Saint-Hyacinthe. Non, ça ne peut pas être ça. Voilà, San Jacinto, j'ai rien. Bah, écoutez, on va, on va être frustré, on ne saura pas. Euh, on ne saura pas plus comment euh, ça a pu comme ça s'incoper hein, dans l'esprit de Warburg. Euh. Bon, écoutez. Tel est le cas pour le pain de la fresque de juillet. Euh, selon Manilius, ce mois appartient au couple divin Jupiter-Cybelle. Fresque de juillet, on va la voir tout de suite, parce que pour l'instant, on était en avril. La voici qui est d'une petite main, si on en croit Warburg, qui est très endommagée, vous voyez dans le registre inférieur. La partie basse a énormément euh, morflé. L'ensemble le... est quand même plutôt beau, je trouve assez injuste euh, avec le peintre. Le char est tiré par des lions à cet endroit-là. La partie centrale est beaucoup plus richement ornée que euh, les, les constructions médianes des autres plans. Voilà le triomphe de plus près. Non, pareil, hein, des, 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 comment, des, des reproductions assez cracra. J'en suis vraiment désolé. Peut-être que celle-là va être un peu meilleure. Ouais, là on arrive à lire un petit peu mieux le, la construction d'une part. Et les figures. Alors, évidemment, la, la repro a été coupée dans la partie supérieure, C'est un peu concon, mais bon. On va faire avec. Hein. Là, ce sont des ecclésiastiques qui se trouvent sur la partie droite. Une figure endormie au-dessus. C'est assez beau quand même. Il euh, y a une belle profondeur. Donc, selon Manilius, ce mois appartient au couple divin Jupiter-Cybelle. En revanche, d'après la théorie des planètes de l'Antiquité tardive, ça serait plutôt Sol-Apollon qui gouvernerait le mois de juillet et le signe du lion. Or, dans le coin supérieur droit de la fresque, on voit des moines en prière, hein, agenouillés, dans une chapelle devant un retable. Ah bon mais ils sont pas du tout ajeunillés dans une chapelle à droite. On est bien d'accord qu'on est en juillet là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Alors je vérifie dans le petit fascicule euh, là où je suis. S'il y a pas mal d'honnes, mais on euh, va. Juillet. Hop, c'est ça, c'est bien les lions. Alors... Bah non. Alors c'est pas à droite, c'est peut-être à gauche. Voyons ça. Parce que... Ah oui, mais pourquoi il dit à droite hein c'est à gauche, ben bah alors, Abby, t'as picolé ouais, c'est là, bah oui, évidemment, c'est à gauche. Oh Ben bah oui, c'est à gauche, nous dit Louisa, tout à fait. <laughs> Saniacinto, sa mère, un des plus beaux morceaux de Peter Gabriel dans la tête, nous dit Loulou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas Peter Gabriel, je suis désolé. Enfin, si, je sais qui il est, hein, mais je ne connais pas euh, son répertoire. Cette idée issue du cycle des enfants de Sol Apollon s'est introduite dans la série des douze divinités de Manilius, qui par ailleurs prévaut ici. Dès 1445, ces hommes pieux en prière sont attestés en Allemagne du Sud comme un élément typique des enfants du soleil. Un vers allemand, tiré d'un incunable astrologique, dit d'ailleurs à ce sujet For Mittentag, die Gott will, doch noch sie Leben wie man will. Avec des Y à la place des I, c'est très perturbant. C'est de l'ancien allemand euh, du 15e, c'est bizarre. Ce qui veut dire, vor euh, Mittentag, donc avant midi, sie euh, dienen ils servent beaucoup Dieu, gote. Dornor », après, sie leben wie manville, ils vivent à leur guise, selon leur gré. <coughs> Mais si on accepte cet ajout provenant du cycle des planètes du soleil, c'est le couple divin de Jupiter et de Sybelle avec sa couronne crénelée qui gouverne conformément à Manilius, juillet, le mois du lion. Voilà, on voit un couple effectivement en haut et non pas une seule personne sur le char. Les groupes de droite prouvent à quel point on prenait au sérieux la résurrection de la fable antique. À l'arrière-plan, conformément à la légende barbare, est étendu Attis. Donc euh, la Personne qu'on voyait ici, hein. alors j'espère que j'ai une meilleure repos sur cette partie là parce que c'est quand même pas ouf. Mon cul, j'ai rien du tout donc on va devoir faire avec euh, ces repro cacouillardes. Mon dieu, que c'est cracra! Je suis tellement désolé, <laughs> j'ai pas trouvé mieux. <laughs> Et la preuve que les prêtres, euh, drapés dans leurs vêtements sacerdotaux, d'auto, jouant des cymbales, des timbales et des tambours, sont effectivement destinés à représenter des gallies, et encore que les adolescents en armes sont bien des coribantes brandissant leurs épées, nous est donnée dans ce contexte par les trois sièges vides que nous voyons au premier plan. Alors, excusez-moi. Ah oh, oh oh, putain. Je suis vraiment désolé. C'est dur. Alors... Donc les, euh, les Corybantes, hein. c'est euh, l'équivalent, tout à l'heure on parlait des bacchanales pour Bacchus. Les Corybantes, c'est pendant le culte de Cybèle, euh, qui C'est eux qui dansent en armure et qui jouent du tambourin en, en dansant pendant euh, les cérémonies euh... <laughs> du culte de de, de la, la, comment, la, la déesse. La c'est pas vraiment une déesse, c'est une personnification de la nature euh, Cybèle c'est une divinité d'origine phrygienne, en tout cas, euh, c'est-à-dire phrygienne, euh, l'équivalent de la Turquie actuelle. À l'époque, c'était entre la Cappadoce et la Lydie. Donc, bref, les Corybantes, c'est ça. Alors, je vais peut-être boire encore un petit coup, hein on est d'accord. C'est brouillon, c'est reproduction, je suis assez d'accord. Hein <laughs> mmh. Allez, on va boire un peu, parce qu'on voit que c'est bien joli de papoter, mais quand on ne boit pas, hein... Voilà voilà. Alors, alors donc on y est là, il y a un siège vide à l'avant-plan et je crois qu'ils vont en parler. Euh, un fauteuil vide à gauche, deux trépieds à droite au premier plan, trois sièges vides. Donc un là. Un là et un là. Voilà, on voit les trois sièges. De trépied. il n'y a pas le moindre doute que ces sièges de style contemporain sont placés aussi ostensiblement au premier plan en tant que symbole culturel ésotérique remontant vraiment à l'antiquité la plus ancienne. Ils sont là pour représenter les trônes inoccupés de Cybèle que saint Augustin mentionne encore en se référant expressément à Varon, même sans cette référence euh, peinte. <laughs> Extraordinairement érudite, pour le coup, hein, quand même. Il y a énormément de, comment, euh, de, euh, de références tissées, euh, mêlées, euh, des références contemporaines, euh, donc des références de la patristique, Saint-Augustin, euh, Varon, euh, qui était un écrivain, euh, euh, je crois, euh, en, alors, je sais pas si c'est la même période qu'Augustin. Euh. Enfin, bon, il y a, y a vraiment un tissage extrêmement euh, savant, quand même, de, euh, de supports, de, 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 support, de, de socles culturels et de références historiques et, et symboliques. Donc, effectivement, ça demande une immense érudition pour commencer à dénouer ce merdier. Mais même sans, référence, sans cette référence peinte extraordinairement érudite au trône divin, la légende de Cybele, avec tous ses détails barbares, ne se trouve pas seulement chez Albéricus. Elle nous est déjà présente sur cette page isolée d'un manuscrit de Ratisbonne, datant du XIIe siècle, en compagnie d'autres figures païennes très curieuses. Ah, je n'ai pas trouvé le manuscrit. J'en suis sincèrement désolé. Derrière Cybèle, sur son char tiré par des lions, on remarque trois coribantes brandissant leur épée. Le Moyen Âge, comme on a dit, ne manquait pas, en vérité, d'une volonté archéologique et de fidélité formelle. Le peintre de la fresque de Juillet, dont la puissance créatrice ne fait pas oublier le contexte illustratif, à la différence des figures pleines de vie de Cossa est l'héritier d'une conception médiévale de l'art en voie d'extinction. De, Donc il le trouve plus figé, moins moins à même de, de rendre la vitalité des figures de Del Cossa et des autres peintres. Vu d'ici, j'ai du mal à voir ça moi. Je sais pas vous trouvez ça si euh, si pauvre à côté des Del Cossa. Il faudrait les regarder côte à côte, en fait, peut-être, pour se rendre compte. Par exemple, là, le, le registre inférieur, je le trouve très beau, moi. Je le trouve très bien structuré, je le trouve assez profond. Ça, là. Je ne sais pas, ce n'est pas, pas, pas très juste, je trouve. Hein euh... La scène de noces à gauche. Doit représenter le mariage de Bianca d'Est, une sorte de borso, avec Gian Galeazzo della Mirandola. Gian Galeazzo della Mirandola. Alors, on va voir ce mariage. Est-ce qu'il est là Est-ce que c'est ça qu'on voit, là À gauche. Est-ce qu'il parle toujours de la partie. Ah oui, c'est bien un mariage. Autant pour moi. On voit bien une union à cet endroit-là. Autant pour moi. Effectivement. Hein. Ah, c'est qui, ce Gian Galeazzo alors Galeazzo avait pour frère Pic de la Mirandole, della Mirandola, d'accord, c'était un frangin de Pic de la Mirandole, Alors Pic de la Mirandola, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'était un, un philosophe euh, euh, typique de cette période, un théologien, humaniste, mais vraiment une des incarnations avec euh, Marcille Ficino, Marcille Ficino, une incarnation de l'esprit de la Renaissance humaniste de Florence. Au XVe siècle, donc euh, nourri l'esprit néoplatonicien qui régnait à cette époque, mais aussi d'hermétisme. Hein. Et euh, d'hermétisme d'ailleurs euh, principalement, bon, enfin, euh, il est partie prenante puisqu'il a construit une espèce de Kabbalah, euh, de cabale, donc euh, sur le modèle de la cabala du livre de la mystique juive, une kabbalah chrétienne, une cabala philosophique chrétienne. Donc c'est une position assez curieuse, c'est une philosophie morale teintée à la fois de mystique, euh, d'avéroïsme aussi, donc c'est un lecteur d'Averroès. Il a de vraies connaissances hein, de la pensée juive de son époque, il bossait avec des intellectuels, des traducteurs, des écrivains, des philosophes de cette époque juive. Il est très proche de la cour de Laurent de Médicis, euh, qui a d'ailleurs fait beaucoup pour faire connaître la pensée de Pic de la, Mar... la Mirondole. Voilà. Euh, ce courageux pionnier de la lutte contre la superstition astrologique qui en outre partit en guerre dans un chapitre en particulier contre l'absurde théorie arabe des décans. On comprend qu'un homme de la Renaissance dont ces démons astrologiques viennent hanter le milieu le plus proche, Savonarole, cet autre ennemi de l'astrologie, était né lui aussi à Ferrare. <coughs> se soit défendu contre une idolâtrie du destin aussi barbare. Savonarole, je pense que vous avez déjà entendu parler mais si vous ne voyez pas qui c'est, c'est un, un moine euh, dominicain et qui est très très euh, en face à sa vie et son œuvre, sont inextricables de l'histoire de la Renaissance euh, à Florence au XVe siècle, parce qu'il y a eu un moment euh, assez curieux. Là. C'est court, mais curieux quand même, de la vie florentine, jusque-là, médicéenne, dans ses phases, son intelligence, sa dépense, sa débauche de, 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 de dépenses pour faire connaître son goût pour les arts, pour la vie luxueuse, ce genre de choses. Il y a eu un moment théocratique dans la vie de, de Florence, sous l'égide de ce type de savonarole qui est un dominicain, qui a commencé sa carrière à Bologne et à Ferra, il est né à Ferra. Hein. Euh, il s'était fait confier la direction d'un magnifique couvent de Florence, un des plus beaux, on en parlera peut-être un jour si on parle des fresques de Fra Angelico, c'est à San Marco, Saint-Marc et il a, il a donc dirigé ce couvent pendant un moment, et c'était une espèce de moraliste euh, crépusculaire euh, obsédé par l'idée de la chute euh, nourri par une espèce de dégoût de la chair et du luxe euh, obsessionnel, un prédicateur très très convaincant visiblement c'est pas un auteur doctrinal, hein. il a pas écrit le texte doctrinal, c'est un prédicateur et il secouait la population florentine pour euh, lui, la renvoyer à son abandon, à sa déchéance à sa décadence lamentable et ça a marché, il a énormément convaincu il a parvenu à faire chuter Pierre de Médicis, se barrer, il a pris le contrôle de la cité pendant un temps. Donc, il y a eu un temps où Florence a été une théocratie <laughs> mmh. sous la gouvernance de Savonarole. On a élevé à cette époque, c'est bien connu, des. Euh, Salut à toi, Pierre, à la garde de Michard, on a élevé des bûchers des vanités. C'est-à-dire des endroits où on allait cramer des œuvres jugées désormais euh, euh, futiles, dérisoires, euh, mat d'un matérialisme scandaleux, donc des œuvres d'art. Euh, on dit, je ne sais pas si c'est vrai. Moi j'ai appris ça, peut-être enfin, je devrais vérifier, mais que euh, complètement convaincu par la pensée de Savonarole, Botticelli aurait euh, lui-même brûlé euh, ses propres œuvres. Je ne sais pas si vous imaginez euh, le truc. Bon bref, j'ai encore digressé, il n'était pas du tout question de Savonarole, je ne vois pas pourquoi je suis là, excusez-moi. Autant pour moi. Ah, mais il fallait pourtant qu'à la cour des s le monde des divinités antiques fût encore fortement mêlé de croyances et de pratiques héritées de la fin de l'Antiquité et du Moyen Âge, pour qu'en 1470 encore, on ne trouva que les premiers symptômes d'une restitution artistique complète de l'Olympe. Ce sont justement ceux que nous voyons chez Manilius quand il substitue aux divinités des planètes de la série des douze divinités. <laughs> Sur ce, je vais faire pipi moi. Alors ça va prendre quelques secondes. Je vous encourage à faire de même. Voilà, j'espère que cette quinte de tout va s'arrêter parce que c'est fatigant. Allez, je pisse, à tout de suite. Ah mais, bon. Suze, je te laisse trois secondes et ça y est. <laughs> C'est pas vrai. Tu es impossible comme fille. <laughs> Docteur Wack, projet. te sur toi. Vous êtes indigne. Alors, euh, est-ce qu'il nous reste beaucoup de texte Pas trop, ça va. On va pouvoir finir, je pense quand même. Donc, ce sont justement ceux que nous voyons chez Manilius quand il substitue aux divinités des planètes la série des douze divinités. Quel pourrait donc en avoir été le savant inspirateur L'astrologie jouait un grand rôle à la cour des Estes. À propos de Léonel Lodeste, par exemple, on raconte qu'il portait pour chaque jour de la semaine, comme les anciens mages d'Arabie, des vêtements aux couleurs des planètes. Pietro Bono Avogaro, l'un des astrologues de la cour, Écrivait des prédictions pour chaque année et un certain Carlo da San Giorgio interrogeait l'avenir par la géomancie, le dernier avatar dégénéré de la divination astrologique antique. Ce n'est pas cet Avogaro, mais bien l'autre professeur d'astronomie de l'université de Ferrare qui fut l'inspirateur suprême, savant des représentations des mois au palazzo di Schifanoia. Qui est-il C'est est Pellegrino Prisciani, qui était à la fois le bibliothécaire et l'historiographe de la cour des Estes. La critique des sources nous fournit un indice qui nous permet de l'affirmer. Dans ses prédictions, Avogaro cite lui aussi Abou Mazar, dont on a parlé tout à l'heure, à plusieurs reprises, il est vrai. Mais ce Pellegrino Prisciani, dont la page de titre de son Orthopasca à la bibliothèque de Modène nous a conservé le portrait, donc on connaît la petite tête de Pellegrino Prisciani. Je ne vous demande pas si vous voulez la voir, on va peut-être pas faire de la recherche iconographique à cette S'appuie justement dans une consultation astrologique sur l'autorité de ce même trio singulier de savants, dont nous venons de démontrer qu'ils constituent les principales sources d'inspiration de nos fraises, qui sont donc, vous vous en souvenez, Manilius, Abou Mazar et Pietro Dabano. Je dois la copie de ce document jusqu'ici inconnu et si importante à mes yeux, à la bonté de M. Darrari, archiviste de Modène. Éléonore d'Aragon, L'épouse du duc Ercole l'avait prié, puisqu'il était l'homme de confiance de la famille en matière d'astrologie, de lui indiquer la conjoncture astrale la plus favorable pour que tous les désirs se réalisent à coup sûr. Il constate avec joie que cette conjoncture est justement celle du moment Jupiter en conjonction avec la tête du dragon, la Lune en position favorable sous le signe du Capricorne et dans son compte rendu savant, que je publie en appendice, il s'appuie sur les aphorismes d'Abou Mazar et le Conciliator de Pietro D'Abano. Mais il laisse à Manilius le soin de conclure par un accord final plein d'autorité. Quo decimque me sanctumque, velis catumque quovumque, exibi cum primus aquarius exit. Ah merde, je ne l'ai pas traduit ça. Et là, excusez-moi, je ne peux pas laisser passer ça. Là, trop, la phrase est trop complexe pour moi. Je ne vais certainement pas m'amuser à la traduire. Alors, on va faire ça traduire du latin. Excusez-moi, ça va prendre quelques secondes, mais on va le faire. On ne va pas se priver de ça quand même. On va essayer de comprendre ce qu'on nous raconte un peu. Allons-y. Faisons les choses bien. On est d'accord. Euh, du latin vers l'italien, non. On ne va pas être snob à ce point. Je vais faire du latin vers le français quand même. Hmm euh, alors, il est où le français Bah alors, t'es es où, français Bah, voilà, te voilà. Du latin vers le français. Allez, on y va. Quod siquem sanctum cui Quod de Sanctumque? Ah, velis Vélis Castumque Castumque. Vélis Probumque hic sibi natetur Probumque Sibis. Tour. Ah c'est pas Sibi c'est Sibi. Ah Laurent tu fais des bêtises. Sibi n'a c'est tours. Bah ben oui. Euh... Cum primus Aquarius exit. Cum primus Aquarius, bon ça on comprend. Hein. Euh, exit donc sortir de l'eau j'imagine. Exit. Voilà. Euh, ou Aquarius c'est l'air de ses verso c'est ça. Alors, que si vous voulez quelqu'un qui soit sain, chaste et honnête, il naîtra à la sortie du premier verso. Voilà. Donc on refait Quoquem Sankumku et Veliscas Kumku et Prokumku et Xibinach et Cumprimus Aquarius, exit il sortira du premier verso. Voilà. Qu'est-ce que vous foutez le <laughs> livre de marche qui traduit du lapin. Putain, suse. <laughs> What an incredible carambole. Oh mon dieu c'est tellement consternant. Je ne devrais pas te féliciter pour ça. Cet indice, me semble-t-il, devrait pouvoir être confirmé définitivement par un deuxième document d'archive. Dans la lettre mentionnée plus haut, donc celle de Francesco Cossa, hein, il proteste contre les mauvais traitements infligés par l'intendant des beaux-arts du duc et il passe par-dessus sa tête pour s'adresser personnellement à Borso, se plaignant d'avoir été maltraité et mal payé. Mais cet inspecteur des beaux-arts du Palazzo di Schifanoia n'était autre que Pellegrino Picciani. Bien sûr! Francesco dit seulement qu'il s'adresse au prince en personne pour ne pas importuner. Pellegrino Prisciani. non voglio essere quello il quale a pellegrino di Priciano e a Vanga a fastidio. ce qui veut dire euh, je, je ne veux pas être celui qui dérange les pèlerins de ni Priciano de Priciano ni les de non pas pellegrino si c'est ça euh, les pèlerins de, de, de ni les autres de parce il y a un jeu de mots sur Pellegrino Non, c'est pas ça. Je ne veux pas être celui, il faut pas que je traduise Pellegrino, c'est son petit nom, je suis con. Je euh, veux pas être celui qui dérange Pellegrino de Piano, ni les autres. Je ne veux pas l'être. Voilà. Mais il ressort clairement du contexte qu'il évitait ce savant parce que celui-ci voulait lui donner un salaire égal à celui des autres peintres des mois. Que Francesco Cossa, nous comprenons aujourd'hui son indignation, aussi justifiée que Vienne, des désigne comme I più tristi garzoni di Il ne parle pas très bien de ses potes. Hein. Je crois que vous n'avez pas besoin que je vous traduise comment il parle de ses potes. Ses collaborateurs, il n'a que du mépris pour eux, donc il veut plus de pognon. Il dit Vous avez vu un peu ça euh, je ne crois pas manquer de respect à la mémoire de Pellegrino en supposant que s'il plaçait les autres peintres des mois au même rang que Francesco Cossa, c'est qu'ils incarnaient avec une si belle exactitude les finesses de son savant programme. Mais nous ne devons pas oublier que le programme de Pritziani, même s'il aboutissait dans sa réalisation picturale à un morcellement peu esthétique, en la surchargeant de détails, oui quand même un petit peu, hein, révèle dans ses dispositions fondamentales un architecte des idées. Qui s'est judicieusement les éléments profondément harmonieux de la cosmologie grecque. Alors évidemment, tout ça est un petit peu, un petit peu difficile à voir dans la même organisation. C'est-à-dire que cette espèce de surcharge de, de construction, on voit en fait d'une manière générale hein, toutes les limites qu'on rencontre avec l'espèce de, de furie allégorique, cette espèce de volonté de tout mettre, qui conduit là effectivement à. Il à... n'y a pas que la, la difficulté d'intelligibilité due à la complexité. Le, le caractère indéchiffrable vient aussi dans l'espèce de profusion des opérateurs de sens là, qui s'entremêlent et blessent d'une certaine manière la possibilité de faire, de faire tableau, de faire image quoi. Salut super Dodo, je vais te laisser les gens du chat te, te décrire tout ça. Euh, parce que non non mais soyez plus précis comme ça, je verrai si vous suivez mon monde de zozo. Si nous considérons maintenant, grâce à une esquisse rapide, la transposition de tout ce cycle d'images de Ferrare dans un espace sphérique, il saute aux yeux que la triple bande d'images du Palazzo di Schifanoia est en fait un système sphérique projeté sur un plan, dans la disposition duquel le modèle des sphères de Magnélius se mêle à la table de Bianchini. Et là, évidemment, vous avez en tête la, la, table, la table de tout à l'heure, la, la très très belle. Euh, Pièce euh, du Louvre, et euh, vous, vous revoyez devant vos yeux le, le montage de cette euh, merveille de marbre. Vous essayez d'imaginer cette pensée euh, circulaire entre, euh, comment, entre le, cette espèce de projection sur des murs et euh, l'hôtel hein, de Gabiès, ou Gabi, je ne sais pas comment on prononce. Le cœur même du globe terrestre est symbolisé par le calendrier illustré de la cour de l'État de Ferrare du duc de Bourseau. À la rangée supérieure, on voit planer les douze divinités olympiennes, conformément aux croyances de Manilius, comme les protectrices des mois. À Ferrare, seules subsistent encore Pallas, Vénus, Apollon, Mercure, Jupiter, Cybèle, Cérès et Vulcain, puisque les autres volets, hein, les, les autres travées sont, bah, sont détruites tout simplement. Alors tu reviens de Calabre, était pas dépayser. Bah quand même là, Calabre c'est plein sud et là on est en plein nord. Hein, tu vois, <laughs> on est à Ferrare. Donc étais quand même assez loin. C'est des mondes quoi, là, qui, qui sont assez séparés euh, euh, historico-culturellement. Bah, a... Il voyage les artistes, mais quand même, Calabre-Ferrare, c'est un grand écart. Hein. C'est Manilius qui attribuait ses douze divinités le gouvernement des mois. À la place des planètes et qui les a vénérées en tant que telles. À Ferrare, cette théorie cosmologique a été gardée dans son principe. Nous n'avons pu relever qu'à certains endroits isolés des fragments dispersés de l'ancienne astrologie médiévale des planètes, alors que la mythographie descriptive savante, donc Albericus hein, principalement, contribuait surabondamment à la réalisation méticuleuse et détaillée de l'arrière-plan. La sphère du zodiaque est commune à Manilius au planisphère de Bianchini, donc vous avez encore en tête. Hein, le Bianchini de tout à l'heure, vous voulez peut-être que euh, je vous le remonte, hein. Hop. histoire que vous voyez un petit peu la, la, la compréhension du mo modèle circulaire, voilà, ça c'est d'Andrea, ça n'a rien à voir, d'Andrea, Bianchini, où est Bianchini Il est là, voilà c'est ça, et voilà. Et au cycle des mois du Palazzo di Schifanoia. Mais par l'élaboration du système des décans, qui dans la table de Bianchini vient s'intercaler comme une région particulière entre les étoiles fixes et les planètes, la sphère de Pricciani est de même nature, la sphère imaginaire, hein, qui est là dans un espace euh quadrangulaire, une pièce, est de même nature que le cosmos de la table de Bianchini. Car les décans indiens d'Abumaza, Mazar, qui gouvernent la région médiane au Palazzo di Schifanoia, donc toute la bande hein, centrale là, ont révélé, mais seulement après un examen attentif, il est vrai, que c'est un cœur grec qui bat sous le septuple manteau des voyageurs chargés d'épreuves qui circulèrent parmi les, épeuples, les peuples et les hommes. Les tableaux de Cosmetoura, qui se trouvaient dans la bibliothèque de pic de la Mirandole, ne nous sont malheureusement parvenus qu'à travers des descriptions. Peut-être nous montrerait-il déjà comment s'annonce, dans la peinture ferrarese de cette époque, l'événement capital dans le domaine stylistique qui symbolise le passage de la renaissance primitive à son apogée, la reconstitution d'un style idéal antiquisant plus élevé pour représenter les grandes figures de la légende et de l'histoire ancienne. Toutefois, il ne semble pas qu'une passerelle conduise du palazzo di Schifanoia à ce style idéal antiquisant d'un humanisme plus élevé. Nous avons vu qu'en 1470, la légende de Cybèle remplit sa fonction en se pliant à la servitude illustrative médiévale sous la forme prosaïque d'un cortège de rue. Donc peut-être un certain applaudissement au point de contact entre le passé et le présent. Quoi. Car Montaigne n'avait pas encore enseigné comment promener solennellement la mère des dieux au rythme triomphal de l'arc romain. Alors je crois qu'il fait référence à ceci. Il y a effectivement une grisaille de Montaigne qui est assez belle. Et je, il doit parler de ça. Euh, donc là, Montaigne, vous voyez un petit peu. Je vous en reparlerai. Euh, euh, vous, bah, les triomphes de Montaigne, euh, c'est ça. Je vous les montre rapidement. Euh, voilà. Et notamment, voilà. Donc ça, c'est tout à fait autre chose. On reparlera de Montaigne et de son incroyable série triomphes. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même conception de l'espace. On n'est pas du tout hein, dans le, le, le même modèle. Et je ne crois pas que parmi les triomphes qui nous restent, bon, c'est des énormes tableaux, euh, et on sait qu'on ne les a pas tous, qu'il nous en manque. Je ne pense pas que dans cette grande série, il y a une exposition rétrospective au Louvre que j'ai eu le bonheur de voir il y a quelques années, Les Triomphes de Montaigne, qui était complètement dingue. Et en revanche, si je ne lui connais pas de. de alors, ça, c'est un Rubens, par contre. C'est Rubens qui a fait plusieurs copies des, des Triomphes de Montaigne, et ça, il en a fait une interprétation. Donc ça n'a rien à voir. Mais il a fait. Je ne pense pas qu'il ait fait un triomphe de Cybèle dans cette série de Triomphe, je ne crois pas. Mais en revanche, il a fait une grisaille qui est assez intéressante et qui est, euh, qui est consacrée à Cybèle. Où est-elle Alors, on va la trouver. Donc ça c'était Raphaël, ça n'a rien à voir. Ça c'est le salon de Padoue qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est de l'introduction du culte de Cibele à Rome. C'est l'introduction du culte de Cybèle à Rome. C'est une grisaille assez étonnante de Montaigneur qu'on va, qu va regarder. Elle fait pas mal passer, hein, si vous la regardez bien, dans sa configuration très horizontale. Euh, C'est-à-dire comme le déroulement euh, d'une histoire dépliée au rythme d'une phrase. Donc il y a un caractère assez rhétorique dans la composition. Elle fait un peu penser à ce qu'on a regardé tout à l'heure quand on regardait la calomnie d'appel de Botticelli. Hein, ça vous rappelle pas ça un peu Cette façon euh, très étirée de d'avoir un regard panoramique qui se structure pratiquement comme un discours. Voilà, qui s'achève ici sur cet homme, euh, sur ce corribante. Hein, on parlait des corribantes. Voilà. Ça vous plaît ça Bon Montenia, c'est génialissime, donc il faudrait beaucoup, beaucoup de temps rien pour lui. J'aimerais vous parler notamment d'un Saint-Sébastien qui se trouve euh, comment euh, à la Cadoro, à Venise. C'est un truc... Non, c'est à la Carrezzonico. Ah merde, je sais. Non, c'est Carrezzonico. Cadoro. Ah, une des deux. Ça fait longtemps. Ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas foutu les pieds là-bas. Euh, mais un Saint-Sébastien qui est époustouflant. Il faut absolument qu'on qu qu en parle un jour et on pourrait faire un petit saut comme ça dans le travail de Mantegna, euh, qui est un vrai petit génie. Donc je pense qu'il parle de ça. Voilà. Quand il dit on n'a pas encore ça, quoi. Voilà. On n'a on a pas encore. Euh... Donc on n'a pas ça. Et la Vénus de Cosa elle-même ne s'apprêtait pas encore à quitter la région inférieure du réalisme des costumes à la Francese pour accéder à l'éther lumineux de la vénérée aviatica de la Villa Farnesina. La Villa Farnesina, vous la connaissez peut-être parce que je vous en ai souvent parlé. J'ai fait un bouquin avec Agnès consacré à la Farnesina. Euh, et donc là, il y a beaucoup de fraises de Sebastiano del Piombo, euh, de Sodoma, Raphaël. Et donc ça, c'est une des Vénus qui se trouve, on est complètement dans un autre univers. On est à Rome, on est bien, est bien plus tardif, on est au 16e. Et, euh, et bon, est, on a basculé dans un autre monde. Complètement. Ah. Il y a pourtant un domaine intermédiaire donc, entre Cossa et Raphaël, c'est Botticelli. Car Alessandro Botticelli a dû lui aussi commencer par libérer sa déesse de la beauté, du réalisme médiéval de la peinture, du genre banal à la française, de la servitude illustrative et de la pratique astrologique. Tu as posé une vraie question euh, à Suze. C'est un bas-relief ou c'est un tellement bien fait qu'on dirait que c'est un bas-relief C'est une peinture. C'est une grisaille. Hein, donc euh, On appelle grisaille euh, des peintures euh, qui sont des camailleux de gris avec euh, très peu de teintes. Parfois, il peut y avoir des teintes ou pas. Hein. Mais généralement, c'est un gris uniforme. Euh, les grisailles sont apparues de façon assez fréquente sur les retables. Par exemple, à partir du moment où on commence à faire des grands retables peints, euh, il n'est pas rare que les volets euh, se referment sur des grisailles. Comme ça, quand on les. On, tu imagines bien l'effet que ça. Tu es dans une église, tu as euh, des figures qui sont peintes. Euh, dans, dans la grisaille, qui se mêle étroitement finalement à l'atmosphère de l'église, avec une espèce de lumière rabattue comme ça, euh, et euh, qui, qui prennent la couleur de la pierre en quelque sorte. Et tout à coup, on ouvrait le retable pour les cérémonies auxquelles euh, le, 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 le retable pouvait servir pour telle ou telle consécration, telle ou telle liturgie, et les couleurs explosaient. Et puis après, la grisaille s'est développée assez longuement euh, dans l'histoire de l'art. Il euh, y a des très beaux, beaux exemples, par exemple, de grisaille dans euh, l'art la, euh, de la porcelaine au XVIe siècle, dans le maniérisme français. J'en suis assez dingue, je trouve ça très très beau, euh, de, notamment Pierre Raymond, chose dont on pourrait parler si vous vous intéressez euh, à, à ce genre de choses. Donc c'est ça la grisaille, c'est tout cet univers-là. Il y a des années de ça, j'ai tenté de démontrer que les gravures du soi-disant calendrier de Baldini sont une œuvre de jeunesse de Botticelli, et qu'en tout cas, elles sont caractéristiques de son univers personnel de représentation de l'Antiquité. Je crois que j'ai trouvé une, euh, une pièce, justement, de ce calendrier. Donc, on va pouvoir regarder pour savoir de quoi il parle. Dans mes souvenirs, j'ai ça. Ça, c'est quoi Non, ça, c'est. Euh, on parlait de Pellegrino. Euh, priciani donc ça c'est, ah bah c'est, en fait je, je l'avais, le Pellegrino priciani quand on disait qu'il y avait euh, une image de lui, ah bah si j'étais allé la chercher, je pensais que j'avais pas fait ça, bah voilà, voilà, <laughs> c'est pas ça que je cherche, là pour l'instant on va chercher euh, autre chose, alors oui je l'ai foutu, ça c'est une grande question hein, Alors, où es-tu Ça n'a rien à voir. Bah où es-tu Ah bon Par de Roberti, donc rien à voir. On est chez... ah, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça c'est Abou Bon, moi je trouve pas. Euh... Ah si, c'est ça. Voilà, c'est ça dont on parle. Très bien. Quand même. Dans notre contexte, ce calendrier présente un double intérêt, par son texte et par ce qu'il montre. Le texte n'est autre qu'un mode d'emploi à l'usage des adeptes de l'astrologie. Un examen plus approfondi nous montrera qu'il s'agit d'un véritable abrégé de cosmologie appliquée hellénistique, transmis lui aussi par l'intermédiaire d'Abou Massar. Quant à ce qu'il montre, le fait apparemment accessoire que nous possédions une édition ultérieure de ce même calendrier nous fournit une contribution précieuse à l'histoire des styles. Une nuance de la forme extérieure nous permet d'observer le nouveau principe stylistique de la mobilité idéalisante à l'antique, in statu nacendita, dans l'état où il est né, si vous voulez. La première édition de ce calendrier, qu'il faut dater de 1465 environ, est tout à fait du même type que ces planches astrologiques du Nord. Au milieu de l'entourage de Vénus, on voit une petite figure féminine raide en train de danser. Alors, pas n'est pas celle que j'ai trouvée. Je suis vraiment désolé. C'est tout ce que j'ai trouvé. Une femme en costume bourguignon coiffée du très reconnaissable hénin français avec sa guimpe. Donc, vous voyez ce que c'est, hein, la coiffure en hénin euh, pointu montée avec un voile qui retombe de, devant. Son aspect extérieur suffit à prouver que Baldini Botticelli a dû s'en tenir à une version bourguignonne du modèle nordique. La deuxième édition de cette gravure, quelques années plus tard, révèle la tendance et l'essence de ce changement stylistique qui s'est produit au début de la Renaissance à Florence. La chenille bourguignonne étroitement enfermée dans son cocon a donné naissance au papillon florentin, la ninfa, à la coiffure ailée et aux vêtements flottants de la ménade grecque ou de la victoire romaine. Donc. Euh on ne peut pas assister à cette petite transformation pour la bonne raison, tout simplement, que nous n'avons pas la, la gravure en question. Non, les ménages, je vous en avez parlé tout à l'heure, c'est les adoratrices de Dionysos, hein, les Bacchantes chez Bacchus. Euh, vous pouvez trouver un texte fondateur de cette histoire, d'ailleurs, des, des Bacchantes, euh, chez Euripide, qui est une pièce vraiment très, très chouette. Je vous conseille de lire Euripide, c'est absolument... Euh... Vivant et contemporain, comme à peu près tout le théâtre tragique grec. Par ailleurs, quant aux victoires romaines, vous voyez ce que c'est C'est des allégories qui sont les versions romaines de la Nikée grecque. Donc, c'est des figures ailées, euh, tendant souvent une couronne de laurier. Dans notre contexte, il est clair à présent que les représentations de Vénus par Botticelli, donc ça, je pense que vous les connaissez tous et toutes, mais on va quand même vous les montrer parce que parce qu'on est gentil. Donc, voilà. Ça, c'est la naissance de Vénus, puis elle réapparaît dans une autre composition, ici, le printemps que vous connaissez. Et le tableau qu'on appelle communément le printemps, bien qu'il soit une allégorie plus complexe que ça, hein, veulent rendre sa liberté olympienne, à la déesse de la beauté, que le Moyen-Âge avait enchaînée doublement, par la mythographie et par l'astrologie. Je vous laisse un petit peu devant ces deux petites merveilles. Elle apparaît sur l'eau. Au sein d'une envolée de roses que vous voyez tout autour d'elle. Vénus, un adiomène libéré de sa coquille. Dans l'autre tableau consacré à Vénus, que j'appelais il y a quelque temps le royaume de Vénus, ses compagnes, que vous voyez là, alors, -ce que maintenant que vous en avez vu un exemple par appel, un exemple par Cranach euh, et qu'on a pu voir apparaître évidemment sur euh, un, une des travées du de, de Palazzo Schifanoia, donc vous reconnaissez. Les Trois Grâces. Est-ce que tu te souviens, Suze, du nom des Trois Grâces mmh Qui ne sont pas euh, Beurre, euh, saint et Margarine, comme tu l'as dit. C'est qui mmh Ça va être joli à l'interro. Hein. Je le répète. Donc c'est euh, Euphrosine, Aglaé et Thalie. Voilà. Euh... Donc aujourd'hui je voudrais proposer une nuance légèrement différente de la même interprétation qui permettrait aussi aux spectateurs du quattrocento versé dans la trilogie, de percevoir immédiatement l'essence de la déesse de la beauté souveraine de la nature renaissance vénérée pianetta donc la planète vénus hein. vénus déesse astrale apparaissant au mois d'avril celui qu'elle gouverne or il se trouve que simonetta vespucci et ces deux tableaux font partie, à mon avis, du culte voué à sa mémoire, à la mémoire de Simonetta Vespucci, est morte le 26 avril 1465. Je vais vous montrer Simonetta Vespucci, vous allez la reconnaître parce que vous avez vu euh, cette, cette femme en, au moins sous cette forme, et là j'en ai deux versions. On connaît bien celle-là. Parce que moi bon, ça c'est celle qui se trouve au musée euh, Condé à, donc, de Chantilly. C'est un très très beau euh, tableau euh, comment, de, euh, comment de Pierrot di de Cosimo. Je vous ai parlé de lui tout à l'heure par rapport à, au travail euh, sur l'alchimie, quand quelqu'un a évoqué dans le, le chat euh, l'alchimie. Pierrot de Cosimo est un peintre assez extraordinaire, extrêmement savant, euh, très rigoureux. Et euh, Comment dirais-je? Euh, Simone Vespucci était une femme très appréciée de la cour italienne, euh, euh, une intellectuelle qui a servi de modèle à plusieurs euh, peintres. Et euh, on y a un autre ta tableau qui est là, qui est assez important. Voilà. Voilà. Et là, c'est un autre portrait d'elle, mais cette fois-ci par Botticelli. Voilà, voilà. Je crois qu'elle est morte très jeune. Hein. Euh, elle doit avoir une vingtaine d'années. Et elle était extrêmement appréciée. On dit que, que sa mort a été suivie d'un cortège impressionnant dans la ville de Florence. C'est beau, hein les perles sont très présentes. Il faut savoir que pendant longtemps, ce n'est pas forcément une chose que vous savez, mais enfin, le, le statut des pierres précieuses n'a pas été le, le même qu'aujourd'hui. Qu hein. Par exemple, au Moyen Âge, le, le rubis et le saphir étaient considérés comme plus précieux que le diamant. Et les perles étaient particulièrement aimées, elles le sont restées euh, longtemps. Donc, ce tableau sublime se trouve au musée Condé à Champilly. Il faut voir ça, il hein. faut voir le vrai, ça c'est d'abominable reproduction, on est d'accord. Botticelli recueillit donc de la tradition les éléments matériels, mais pour créer la façon de façon tout à fait personnelle des figures humaines idéales et l'antiquité gréco-latine ressuscitée, l'hymne homérique, Lucrèce et Ovide l'aidèrent à en façonner le style nouveau. Alors il lui a été euh, comment il a été policien qui lui avait apparemment euh, commandé des illustrations euh, d'Ovid. Voilà. C'est marqué là que le par lui. Pour lui, Policien, euh, ce moine très peu moralisateur. Oui, c'est vrai. Oui. C'est un, un moine, certes, mais c'est avant tout un humaniste euh, euh, typique, encore hein, du 15e entourage. Euh, là aussi, Laurent de Médicis. C'est la cour de Laurent de Médicis, tout ça. C'est un, un traducteur d'Homère, par exemple. Il est très connu, Policien, surtout comme euh, traducteur et philologue. Mais bon, comme beaucoup de gens de cette période, c'est un, un homme à multiples casquettes. Hein. Voilà. Mais oui, allez à Chantilly. Hein, vraiment, les gens. Hein. C'est un musée absolument incroyable. Et il a un statut très particulier, une histoire très particulière, et sa collection a aussi une histoire particulière. Elle est inamovible. Mais de ça, on parlera un autre jour, si vous voulez bien. Voilà, voilà, voilà. Chers collègues, résoudre un rébus, et surtout si on ne peut même pas l'éclairer tranquillement, mais seulement donner des coups de projecteur cinématographique, tel n'était évidemment pas le propos de mon exposé. En risquant ici cette tentative partielle et provisoire, mon intention était de plaider en faveur d'un élargissement méthodique des frontières de notre science de l'art, dans le domaine de sa matière et dans le domaine géographique. Jusqu'ici, l'insuffisance de catégories universelles pour penser l'évolution ont empêché l'histoire de l'art de mettre ses matériaux à la disposition de la psychologie historique de l'expression humaine, Il met ça entre guillemets, une drôle hein, qui d'ailleurs reste encore à écrire. Notre jeune discipline s'interdit de porter un regard global sur l'histoire universelle à cause de sa tendance fondamentale, matérialiste ou trop mystique. Elle tâtonne au milieu des schématismes de l'histoire politique, des théories sur le génie, à la recherche de sa propre théorie de l'évolution. Par cet essai d'interprétation des fresques du Palazzo de, Schif de Schifanoia à Ferrara, j'espère avoir montré qu'une analyse iconologique qui ne se laisse pas intimider ni terroriser par des frontières policières ne craint pas de considérer l'Antiquité le Moyen-Âge et les temps modernes comme des périodes indissociables, ni d'interroger les œuvres d'art, qu'il s'agisse de l'art le plus libre ou le plus appliqué, comme des documents de l'expression, de dignité égale. Que cette méthode, en s'efforçant soigneusement de faire la lumière sur chaque point obscur en particulier, éclaire aussi les grands processus généraux de l'évolution. Il s'agissait moins pour moi de trouver une solution élégante que de soulever un nouveau problème, que j'aimerais formuler ainsi. Dans quelle mesure faut-il considérer l'arrivée du changement stylistique qui affecte la représentation de la figure humaine dans l'art italien, comme un processus déterminé internationalement et consistant à se situer de façon critique par rapport aux images encore existantes de la civilisation païenne des peuples de la Méditerranée orientale. Le sentiment d'émerveillement et d'enthousiasme devant ce phénomène incompréhensible qui est le génie artistique ne peut que devenir plus intense si nous reconnaissons que c'est en même temps une grâce et la mise en œuvre consciente d'une énergie critique et constructive. Le nouveau grand style que nous a apporté le génie artistique italien s'enracinait dans la volonté sociale de dégager l'humanisme grec de la gangue, de la pratique médiévale, et latine d'inspiration orientale. C'est avec cette volonté de restaurer l'antiquité que le bon européen engagea son combat pour les lumières, dans cette époque de migration internationale des images, que nous appelons de façon un peu trop mystique, la Renaissance. Donc voilà pour la fin du texte de Abbey C'est quand même une très très merveilleuse promenade qu'il nous a offert. Je vais quand même faire un petit saut euh, à Schifanoia pour celles que vous n'avez pas vues, que vous voyez un petit peu les autres. Euh, voilà, ça c'est le doute. Donc pareil, hein, vous voyez, c'est encore le, le même le même principe de construction euh, en août que vous pouvez voir là. Donc, celui-là est euh, consacré à, à Proserpine et au signe au, au zodiacal de la Vierge. On peut s'avancer un petit peu si vous voulez. Donc, là, le, le char triomphal hein, est tiré par, euh, comment, par euh, des taureaux et des dragons. Voilà la partie médiane. Là, il est évident que je ne dispose pas hein, de, des modes, euh, de l'érudition euh, d'astrologie antique pour vous dire euh, ce que nous regardons. Nous regardons là pour nous, essentiellement avec perplexité, des constructions picturales, des configurations. Mais Vous voyez bon, comment elle respecte un peu le cahier des charges qu'on a vu s'inscrire tout à l'heure dans la partition hein, de l'espace. Donc Proserpine, c'est la fille de Déméter, de Cérès, voilà. et euh, fille de Jupiter aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est que la, comment, elle, comme elle a été euh, Proserpine enlevée par euh, Hadès, par Pluton, euh, elle est Reine des Enfers, puisqu'il bon, en a fait sa compagne. Donc elle, est, elle a un statut assez particulier, parce que, euh, elle peut à la fois incarner, comme ici le printemps, et, euh, et malgré tout être des enfer Alors, vous pouvez voir aussi ça, je si vous en avez parlé tout à l'heure, il y a des reports qui ont été faits qui permettent de rendre beaucoup plus lisibles les fraises qui ont été faites au 19e siècle par Mazolani. Donc ça, c'est pas mal quand même. Ça nous permet de mieux lire hein, ces abominables euh, <laughs> reproductions qu'on a vues, de voir un peu mieux comment c'est foutu. Merci Mazolani qui a fait ce volant. Et euh, ce travail des historiens qui faisaient récolte comme ça des fresques ou des œuvres un peu partout dans toute l'Europe, il est très précieux parce qu'il n'est pas rare que nous n'ayons de fresques que ces reproductions désormais, que des aquarelles ou des gravures ou des dessins. Alors évidemment, c'est toujours très étrange parce que vient s'y infiltrer un 19eisme particulier. Bon, là, c'est pas trop marqué chez Mazzolani, mais des fois, c'est très criant. Vous regardez des, des choses que vous, vous, qui, qui hurlent leur 19 e mais bon, des fois on n'a que ça. Ah, Qu'est-ce que vous me dites ah, Je ne vous ai pas beaucoup lu, mais c'est parce que Je suis vraiment désolé. Hein. A... J'avais pas énormément de... Alors là, la partie inférieure est très abîmée. Donc, mais... On n'a pas vu, mais bon, il bah, y a toute une partie qui a disparu. Mais oui, les gravures sont pas mal, les... donc là, c'est très mystérieux, hein. c'est les gémeaux, vous voyez Mais... Maggio en italien. Donc, celle-là est censée être de, de Francesco, sont censées être de Francesco del Cosa et de son atelier, de sa bottega, comme on disait à l'époque pour parler des ateliers. Donc, vous vous souvenez, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, la divinité tutélaire des Gémeaux, c'est Apollon, qu'on voit ici d'ailleurs, hein, là-haut, sur le char triomphal. Divinité solaire, pour le coup. Donc, tout le registre inférieur a sauté pour faire une ouverture. Voilà, avril on a vu, juillet on a vu. Juin, on n'a pas vu. Voilà. Alors juin, c'est concert. Voilà. Et la divinité tutélaire, c'est Mercure, qui n'a plus de tête. Là, le char a l'air d'être tiré par deux aigles noirs. C'est très beau. Tu dis que la consternation risque de s'abattre sur moi si je vous lisais. Vous avez fait que des calembours pourris tout du long. Je vous montre les plus belles choses du monde et vous vous calembourrez comme des gorées. C'est ça que vous faites Regardez ça. Alors, rapprochons-nous. Difficilement lisible. Euh, Louisa propose des signes, mais les signes noirs, je pense pas. Tu vois les serres et les griffes Tu vois, on est très loin de... Donc ça, c'est Jean. Bélier, on a vu, et on n'a pas vu septembre, hein, qui est très curieux, vous allez voir. La partie centrale, elle est particulièrement élégante, c'est comme une danse, quoi. Là, le plan médian, c'est là où c'est vraiment, où on passe au-delà, il est, il est injuste, euh, parfois, Warburg, en disant que bon, ça, ça dépasse peu le programme pour s'incarner. Je trouve que là, une chose aussi plate et ennuyeuse qu'une allégorie astrologique, Prend corps et danse, quoi. Là, c'est vraiment très, très beau, quand même. Parce que j'ai des notes sur celui-là. J'ai quelque chose en plus. Non, j'ai pas de renseignements supplémentaires. Donc vous revoyez la, la partie centrale où vous reconnaissez les, les plateaux d'une balance. Et là-haut, sur euh, le char triomphant, tiré cette fois-ci par des singes. Il y a des singes tout autour du char. C'est Vulcan, le Phaistos. Alors, il y a une figure amoureuse qui est assez belle en haut à droite, vous l'avez vu passer, donc je vais vous la montrer. J'imagine que vous savez pourquoi il y a une figure amoureuse avec Vulcain. Tout simplement parce que Vulcain a été le compagnon de Vénus, donc cet homme contrefait par sa rourie et son intelligence était parvenu à, à conquérir Aphrodite. À, à Regardez ça, c'est magnifique, hein cette petite danse là au-dessus de la tête de nos, de nos amants. Il a ses armes, son armure et les vêtements au pied du lit. Ils nous disent quelque chose de cette fougue amoureuse. Voilà. Donc le char triomphal est peut-être plus lisible. C'est pas fou, hein. Là bon vous reconnaissez les forges de Vulcan. On le voit là avec ses, ses acolytes, les cyclopes dans la forge. Hein. Regardez ça. Est-ce que je partagerai sur le Discord les images Mais bien sûr Louisa. Je mettrais énormément de documents. Hein, évidemment. Vous serez un peu déçu, mais c'est pas, pas joli joli. Enfin, les définitions sont pas dingues. Mais oui, je vous filerai tout ça. Voilà. Donc là, on a vu les, euh, les morceaux de fresque que, que vous n'aviez pas vus. Euh, parce que Warburg n'en a pas parlé. Il devait faire une intervention <coughs> pour cette conférence, donc je suppose qu'il n'avait pas non plus 2000 ans. Euh, vu sa curiosité insatiable et euh, à son goût pour parler des choses qu'il aime, on peut imaginer qu'il aurait adoré <coughs> aller plus loin et développer sur euh, l'intégralité. Mais il ne l'a pas fait. Donc là, on a sur celui-là aussi un, un report de Mazzolini. Mazzolani, pardon, excusez-moi. Je suis fatigué un peu. Mais là, c'était pas forcément nécessaire. Les, les repos étaient un peu plus lisibles sur celui-là. Oui, il est assez curieux, hein, le drapé des amoureux. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, voilà, voilà. Donc euh, bah ça fait un moment qu'on est ensemble quand même les gens, ça fait combien de temps qu'on est ensemble Vous savez ça Ça doit faire euh, plus de 4 heures, ça va. Vous voyez c'était un peu décevant quand même de, de torcher ça en 2 heures pour le piquet de stream, donc euh, c'était donc important d'aller jusqu'au bout de ce texte et puis de cet incroyable parcours intellectuel qui a conduit... Euh, qui a conduit euh, depuis euh, l'Antiquité grecque euh, jusqu'au XVe siècle du nord de l'Italie euh, euh, le regard euh, plein de sagacité et d'intelligence de la vie Warburg. Voilà. Mais écoutez, euh, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on va en rester là. Euh, J'avais proposé une promenade à Ferrare. Est-ce que ça vous intéresse ou on ce se qu'on s'en tient là Ça <coughs> risque d'être un peu bâclé. Mais il y a peut-être aussi des documents tout simplement qu'on n'a pas vu. <laughs> Ce serait peut-être plus malin de s'en tenir à ça et qui mériterait qu'on s'y arrête un peu. Alors ça on a vu, on a vu, on a vu. On a vu. Il y a un autre zodiaque que je ne vous ai pas montré qui se trouve également au Louvre, qui est très beau. <laughs> Le zodiaque de Dandera. Um... qui est lui aussi anaglyptique, pardon. vous voyez, c'est encore un, un, un bas-relief. Celui-là est égyptien, donc c'est encore autre chose. On va plonger dans les détails, parce que ce y a de bien avec la documentation du Louvre, par contre, c'est qu'elle est, qu est d'excellente qualité. C'est un peu le, le type de configuration. Et pensez pareil, c'est une voûte céleste, qui est soutenue là, tout autour, euh, je crois, par les constellations. C'est une très très belle chose. Donc euh, bon, il est au département égyptien euh, euh, de... Euh, ouais, il faudrait peut-être du miel dessus, as raison. Ah, ça c'est beau hein, aussi. Hein. Donc ça c'est le zodiaque de Dendera. C'est euh, Ça a été fait pendant la... A priori. Hein, euh, la période ptolémaïque. Donc, euh, sous Ptolémée, c'est-à-dire euh, quatrième, ça, ça dure de, ouais, c'est ça, c'est entre quatrième avant JC et, euh... et puis ça dure euh, trois siècles, je crois, deux siècles et demi, un truc comme ça, cette période. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres versions Voilà, on l'a bien vu, C'est pas la peine d'en voir plus. Ah, le Germanicus de Lied, on l'a vu ensemble. Donc, ça, c'est Baldiani. Ça, c'est la très belle prédelle de Harcol de Roberti, attribuée à Francesco del Cosa. Bon. Bizarre, ça, c'est le Ledeorum. Les... Ça, on a vu. Euh... Pourquoi j'ai pris Montaigne Peut-être c'était pour vous montrer un peu les constructions à la Montaigne. Euh, parce que c'est parce que intéressant. Lui-même, si vous voulez, euh, euh, comment euh, Warburg se livrant à des comparaisons avec ce que va proposer comme solution euh, Mantegna euh, à un certain moment. Donc, peut-être euh, d'aller ailleurs dans les. La possibilité d'imprimer finalement à des euh, constructions scénographiques à la fois une vitalité euh, tout humaine, tout charnelle, tout incarnée, avec de l'espace, tout en maintenant un certain régime de difficultés intellectuelles. Euh, c'est sûr que chez Montaigne, bah, déjà il y a un paysagisme puissant, là vous pouvez le voir. Ça, c'est un endroit tout à fait extraordinaire, il était extrêmement abîmé, hélas, hein, euh, parce qu'il y a des bombardements pendant la guerre 39-45 qui ont bousillé tout ça, et ça, c'est vraiment triste. C'est-à-dire que cette fresque était visible intégralement avant 1944. J'y suis allé et c'est douloureux. Hein. Euh, c'est des fresques qu'ils ont au euh, Eremitani. Euh, c'est à Padoue, Padova. C'est une église extraordinaire pour ça. Hein. C'est vraiment un cycle de fresques à tomber par terre, mais euh, elles ont pris très cher. Quoi. Voilà. Donc certaines ont moins pris que d'autres. On a tenté de reconstituer. Voilà, donc la partie supérieure, c'est le vrai état. Donc voilà le vrai état actuel. Voilà. Donc ça, c'est tout bousillé. Vous voyez Goliath là sur le sol, hein, traîné. Euh... Et voilà à quoi ça ressemblait avant. Donc ça, vous ne pourrez pas le voir, vous verrez ça à la place. C'est très grand. Donc c'est vraiment extrêmement impressionnant. Enfin, le, le Goliath est surdimensionné. Les figures humaines sont même, si on mes souvenir, un peu plus qu'à l'échelle 1-1. Donc c'est... Euh, ah oui, je vous l'écris. Euh, eri, ça veut dire les érémitiques. Eremitani. Euh, et c'est à Padova. à Padou. Je vous mets ça. Là. Voilà. Euh... Ça, c'est encore Montegna. Voilà. Euh... Ben non, ça, c'est pas Montegna que ça fout là. Pas du tout. Qu'est-ce euh... Qu que je raconte Pourquoi c'est là ça rien à foutre là. J'ai gardé que ça des Arimitani. Okay. Donc le salon, on l'a vu. Euh, le Pietro d'Abano, vous avez vu. Non, bah je crois que vous... Ah oui c'est bah pas ça, il faut que vous le voyez quand même, le... la prédelle sur laquelle il y a eu un malentendu, c'est le politique euh, Griffoni, euh, c'est ça, donc là il est explosé, hein. euh, tous les petits volets sont un peu partout dans plein de musées différents, toute la partie supérieure est de Francesco del Cosa, ça c'est sûr, mais par contre la partie inférieure, donc la prédelle, elle est de Ercole Roberti, donc euh, voilà, d'où euh, sans doute le malentendu. Ah oui, ça c'est un drôle de truc euh, que j'ai chopé tout à fait par hasard. Attendez, je crois que j'ai quelque part la totalité des pièces. Attendez, faut que je le retrouve. Ça va vous plaire, c'est très beau. Alors, alors, alors. J'ai un lien pour en parler. Un petit peu parce que c'est un truc que j'ai découvert sur le tard euh, en faisant mes recherches à cet endroit-là. J'ai trouvé ça très beau. Alors, euh, je vais vous montrer ça. Hôtel de Gabi montaigne à Triomphe. Merde, où il est ce con ah, Je crois que c'est un lien qui est ici. Attendez, on va trouver ça tout de suite. Hop Twitch Warburg. Dans ce cas-là, on va quitter ça pour mettre le navigateur. Ça va être plus simple. Alors, N. Voilà, c'est ça. Je l'ai. C'est ceci. Alors, on va regarder les images ensemble. C'est, euh, j'ai trouvé ça dans, dans la Wikipédia anglaise. Hein. Dans les Wikipédia Commons. Alors, je ne sais pas exactement ce que nous regardons. Je peux juste vous dire que c'est un traité d'astronomie médiévale, hein, euh, enluminé, euh, qui s'appelle donc le traité NLWMS, qui veut dire manuscrit 735C. Alors, il se trouve à la Bibliothèque nationale du pays de Galles. Je pense que c'est l'un des plus beaux et des plus vieux manuscrits du pays de Galles. Dans mes souvenirs, c'est du 12e. Est-ce qu'ils ont mis là? Non, c'est même plus. Ouais, c'est entre 1000 et 1150. Voilà, à peu près. Euh, voilà à quoi ça ressemble. C'est assez dément. Vraiment. Regardez-moi ça. Waouh. Donc, c'est extrêmement complexe, très savant, notamment parce que euh, le jeu euh, concentrique cloisonnant n'est pas vraiment cloisonnant, en fait. Là, il y a une espèce de porosité. Euh, matériel entre les différents plans qui intrigue beaucoup le regard et évidemment la compréhension aussi euh, de cette allégorie euh, zodiacale donc ça c'est assez génial je trouve c'est complètement autre hein on est d'accord et il y a plusieurs euh, représentations Plusieurs reproductions, pardon, des enluminures. Je suis fatigué un peu là. Ah, ça c'est très très beau. <laughs> Je retrouve l'espèce de grâce magique de que j'aime chez au, au en hein, Piscino des canistries. Il y a vraiment ce plaisir là, quoi. C'était. Espèce de liberté de ton qui est au service d'un projet, hein, un programme intellectuel, mais avec une capacité à l'habiter qui dépasse très très largement euh, la simple nécessité. Moi <laughs> bon, ça je suppose que ce sont des ours. C'est tout à fait extraordinaire. <laughs> je suis émerveillé par ce truc. Donc j'en sais pour l'instant pas grand-chose, je le découvre en même temps que vous pratiquement. Hein. Euh, ça faisait partie des trucs, euh, donc il est sur cette page-là. Ce, ce que nous venons de voir, voilà, comme ça, vous voyez un petit peu comment ça s'est mis en page, comme ça, vous voyez un petit peu dans quoi c'est pris finalement. Alors c'est marrant parce que là, les, les images sont carrément prises dans le texte, comme vous le voyez ici, ce qui était assez coutumier dans les manuscrits euh, carolingiens, par exemple. J'ai vu pas mal, ou plus anciens, les, les premiers volumes enluminés que j'ai pu voir entre. Euh, Comment euh... ah le, le, le Virgile du Vatican, qui doit être du 6e ou 7e siècle, et les manuscrits corollingiens, on voit beaucoup d'imbrication du texte et de l'image. Puis peu à peu, le, la pensée euh, comment euh, va s'organiser de façon très séparée, -à où à part les lettrines à proprement parler, ou euh, l'espèce d'accident historique des, euh, des marges à drôlerie, en fait, il va y avoir une espèce de séparation et de cloisonnement hein, entre euh, ce qui ressortira au domaine de l'enluminure et le texte lui-même. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment comme dans les, les manuscrits carolingiens, euh, dans une cohabitation, une intrication tout à fait merveilleuse. Ben, bonne nuit, super dodo. J'adore ça. C'était Héraclès, là, il est complètement dingue. C'est beau. Euh, J'ai hâte de, de, de me plonger dans l'histoire de ce truc pour en savoir un petit peu plus. Donc là, on continue hein, dans le zodiaque. Voilà. Avouez que ça vous épate. Oui, c'est ça, son pied pénètre le texte à proprement parler suisse. C'est tout à fait inouï. Hein Donc ça veut dire qu'on peut rajouter encore des références assez excitantes, évidemment, à ce que nous propose euh, Warburg. Je euh, pense que ça valait le, le coup de voir l'hôtel de Gabi, notamment. Je pense que ça enrichissait pas mal le, le live. Hein. Là, si on est encore dans le zodiacal, et je crois que c'est le cas pour la balance, on y voit superposé, évidemment, un objet de la mystique chrétienne complètement différente, puisqu'elle devient euh, entre les mains de l'archange euh, la, la balance du jugement. Je crois que les points rouges correspondent plus ou moins aux constellations, hein, j'imagine, Louisa. Je suppose que ce sont les fameuses étoiles fixes hein, du modèle proposé euh, par Atto. Oui, c'est ça, Solaris. Je pense que c'est ça. Donc là, c'est le cancer C'est particulièrement émouvant d'être dans un moment de découverte, euh, je dirais, euh, ensemble. Quoi. Le lion, ça change un peu. Euh, parce que le, bon, le problème de ce genre de live, évidemment, c'est le caractère extrêmement euh, surplombant. Euh, je vous lis pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'échanges. Euh, bon, c'est dommage. Mais c'est compliqué. <laughs> on voit très bien les métastases, exactement, et Sus. <laughs> Ah, je ne sais pas pourquoi le taureau est un demi-taureau. C'est bizarre. <laughs> Il a pris cher. Il s'est passé quelque chose. Et là, c'est pas le manuscrit <laughs> qui a été gratté. Hein. <laughs> Il y a nécessairement une chose qui m'échappe. Regardez ce beau sourire. Ah, regardez ce beau sourire de taureau. On sent l'observation fine de ces belles bêtes paisibles aux grands yeux doux. Je crois que c'est un taux ou un rou, mais sans doute l'un ou l'autre. Bon, ça, je sais pas ce que c'est comme bête, mais à mon avis autre chose. <laughs> Et donc, la, la page est assez riche. Je vous filerai le lien évidemment euh, dans le Discord. <laughs> bon, je vais quand même récupérer euh, par-devers moi euh, les images parce qu'elles sont magnifiques. Et puis parce que rien ne dure en ce bas monde. Donc, euh, qui sait si cette page existera encore demain est -ce Donc là on voit encore le contexte, et eh bien on voit la page habitée vraiment à hein, proprement parler par de multiples images. Alors, s'il y avait une expression nulle à chier, c'est parler d'un regard bovin pour un regard vide et bête. Oui, effectivement, oui, cette expression euh, manque sérieusement, comme tu le soulignes, d'observation. Donc apparemment cette découpe hein, ne, ne tombe pas que sur le taureau. Il y a probablement une raison, euh, soit euh, d'agencement technique de la page, tout simplement... Euh, sur un sens qui m'échappe absolument. C'est très possible. Le bélier... Ah tiens, c'est marrant ça. Ça vous rappelle rien ça Je suppose que ça vous rappelle quelque chose quand même, non Ben oui. Oh. Écoutez, on va se le faire. On ne peut pas ne pas. Le germanicus de l'aide. Vous vous souvenez du germanicus de l'aide Vous l'avez oublié Regardez. Oh! Hop! Bah, si, tu vois, il sait faire les membres postérieurs, puisqu'il l'a fait là très correctement. Hop! Oh! Bon, ça suffit, Laurent, tu es complètement con, mon garçon. Voilà, on continue. Là, on a un magnifique serpent qui est picoré par un oiseau. Alors là, je vous dis, là, il faudrait évidemment un historien spécialiste de ces questions pour mettre le nez là-dedans, ou juste un paléographe qui pourrait nous lire correctement le texte qui est écrit là. Et voilà. Ah ben non, pas et voilà. Encore. C'est inépuisable ce truc. On est beaucoup plus à proprement parler dans une configuration astronomique. Mais là encore, évidemment, on peut s'en référer à, à ce qu'on a pu voir euh, tout à l'heure dans le Germanicus de l'Aide, hein. une fois de plus. Comme quoi, il y a une vraie, un vrai dialogue là, hein. on est d'accord. J'ai fait une, une. Voilà, hop. Hop. d'avoir euh, arbitré le livre avec ça en frontispice. Considérer que c'est sous cette forme qu'on allait entraîner comme un archonte la cohorte des autres figures euh, des constellations. Euh. C'est, je pense, un modèle, un prototype. Comme Oh là 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 Non mais écoutez, on est vraiment gâtés. Hein. J'aime particulièrement ce cancer souriant, là. <laughs> ah, c'est très habité, hein Mais à quoi ils jouent ces deux-là hmm, À quoi vous jouez tous les deux Vous avez vu ça